foule. Et t'es complètement débile. Romano. Une envie de scatophilie. Cédric. Et moi, la semaine dernière, je me suis baladé le cul à l'air. Marie. Il y a des jours comme ça, t'as envie, quoi. Samy. Ah Karim. Oui, bonsoir, c'est Jeanne. Guigui. Moi, je me baladais au souk et il y a un mec qui a voulu me faire les poches. C'est la plus grande radio libre de France. What the fuck? Radio libre. Radio libre. Radio libre. 21h minuit sur Skyrock. Et ouais, jusqu'à minuit, on est là. Bienvenue à vous. Merci d'être là tous les soirs. Radio Libre, la plus grande radio libre de France, tous les soirs en direct. Vous le savez. Oui. C'est sur Skyrock, c'est avec vous de toute la France. Alors, pour nous appeler 01 53 40 30 20, l'appli Skyrock, le 41 759, le skyrock.fm. Eh bien, vous nous passez un coup de fil, vous débarquez ici. On vous attend de toute la France. Vous avez la parole, vous nous parlez de tout ce que vous voulez. Vous venez faire les cons avec nous. Profitez-en jusqu'à minuit en direct, Radio Libre. Et l'équipe qui est là, bien sûr, comme tous les soirs. Bonsoir. Bonsoir, Mathieu. Bonsoir, Romano. Bien, bonsoir tout le monde. Tu es le premier à intervenir, à prendre la parole. Tu le sais, c'est gratuit de passer sur Skyrock. Bah, et tu en profites. Eh ouais. Et tu as bien raison. Ça va sinon? Ouais, tranquille, tout tranquille. Va bien. Prêt pour un beau mercredi soir. Bah, prêt pour le clash, prêt pour le double appel, prêt pour tout quoi. Prêt pour tout, 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 tout. Il est chaud. Et prêt à vous écouter tout au long de la pour soirée. Toi aussi, Marie, je suis chaud. Qui ne serait pas chaud pour la Marie, évidemment. Ah bah, tu m'étonnes. Bonsoir Marie, comment vas-tu? Bonsoir tout le monde, en pleine forme. En pleine forme, la vie va bien. Écoute, ça va. L'amour. Ouais, bon. J'ai envie de te lécher le mucus. Oh. Ouais, ça commence fort. Là. Ça, c'est un signe d'amour. Bravo, Romano. Ah, bravo de donner autant d'amour. Ah, tu vois, elle est moustillée. Au début de Radio Libre. Elle est toute émoustillée. Et oui, ça va donc, Marie. Ah, bah, et puis Cédric va passer sous le bureau, a priori. Ça va, Romano. Oui, on a un problème avec les messages que vous nous envoyez, puisque les messages que vous nous envoyez ont été trop nombreux dès le début de l'émission. J'ai dit, vous nous laissez vos messages avec l'appli Skyrock et le 41759 et le skyrock.fm. Et donc. Il y a eu trop de messages d'un coup et pam, ça a pété. Ouais, c'est ça, ça a fait péter le bordel. C'est une espèce de surcharge. Ça m'a fait péter le cul. Bah écoute, je savais pas que c'était à ce niveau-là. Ça m'a fait péter l'oignon. N'hésitez pas, donc. Vous pouvez envoyer les messages, tu les as les messages, Romano. Ouais, moi je suis de mon côté, c'est bon, j'ai mon petit écran personnel. J'ai vos messages aussi, envoyez-les. Bien, envoyez. Salut Samy. Salut l'équipe, bonsoir tout le monde. Comment vas-tu? Écoute, ça va, je suis en train de lire vos messages, justement. Eh bien écoute, ça tombe bien. Voilà, ça dit bonjour pour l'instant. Bon, écoutez, bonjour à vous. Bonsoir. Bonjour. Et parlez-nous de tout ce que vous voulez en direct tout au long de cette soirée. On est là. Ah merci, on me prête un écran, c'est gentil. Voilà, merci à vous. Bonjour à Fabien, bonjour à Exomuc, bonjour à Toshi. Il y a Anto 90 qui vient d'arriver. Il y a Emma qui nous salue. Salut Emma. Bonjour à Couille de Loup. Bonjour à Mika Masutra qui vient d'arriver aussi. On salue Marine Lapute qui est là également. Bonjour à la gazelle du 13. Bonjour à toi la belle gazelle. Bonjour à Pouf sur l'appli Sky qui nous dit j'ai un problème, est-ce que vous pouvez nous rappeler? Dis-nous un petit peu plus, peut-être passer un coup de fil. Vous laissez juste les numéros hein, si vous voulez qu'on vous rappelle avec votre appli le skyrock.fm, le 41759. Allez-y. Profitez-en. Cédric est là aussi. Ouais, bonjour, ouais, bonsoir Cédric. Moi aussi j'ai les messages, tout va bien. Très bien, bah vous êtes équipé, vous. Très bien, ouais. C'est parfait. Non, mais c'est en train de se remettre en route puisque les écrans se rallument les uns derrière les autres. T'inquiète. Profitez-en. Donc vous pouvez tout faire péter. Hein. Ouais, faites péter le 01 53 40 30 20, voir ce qui tient le choc avec vous tous et vous toutes qui avez la parole toute la soirée. Et on salue également Karim. Bonjour Karim. Bonjour les filles. Tu nous avais amené à manger, dis donc. Exactement, mec. Eh, parce que Karim il arrive tous les soirs. Ouais. C'est bien le ramadan parce que tous les soirs on a des trucs à bouffer. Est-ce que j'ai des briques aujourd'hui? Non, c'est du poulet. J'aurais bien aimé des briques. Mais qu'à soi, moi. Ah, j'en ai pris dans la gueule, moi. Et pas qu'une. Tu t'es pris un mur. Mais qu'on lui ramène à manger, il est pas content déjà. Non, mais j'aime bien les briques. Ouais, bah, il n'y aura pas de briques aujourd'hui, c'est du poulet, man. Bon, bah, bon appétit. Du poulet au four. Si vous êtes en train de manger, c'est bon aussi. N'hésitez pas à débarquer ici pour nous parler de tout ce que vous voulez toute la soirée. Un problème à gérer, un truc à nous raconter. Vous avez la parole. Vous pouvez nous parler également d'un truc qui vous a énervé, si vous voulez. N'hésitez pas, vous avez la parole de toute la France avec tous les moyens pour nous joindre tout au long de cette soirée. Les doubles appels, t'en parlais, Romano. T'es prêt pour les doubles appels? Ouais. Eh bien, on a besoin de vos numéros. Les numéros que vous envoyez, vous avez quelqu'un que vous aimez bien, vous avez envie de l'entendre dans le double appel, n'hésitez pas. Évitez juste les mamies et les papis aussi, on a dit hein, hier. Oui, pas trop âgé, oui. Même si on est tombé sur une mamie qui avait la pêche et qui était sympa hier soir. Donc, à la découverte du double appel, va-t-on réussir notre double appel ce soir? Eh bien, on a besoin de vous pour ça. Et puis le clash de la drague, vont-ils réussir leur clash? Oh, moi j'y crois. Ah, bon. Oui. C'est bientôt mon anniversaire, la famille. Ah, ça y est, ils ont bassiné avec ça. Vous entendez, ma team, il a envie encore de se prendre une branlée pour son anniversaire. Non, je veux gagner ce soir. Depuis début mars. Cédric, tu veux gagner, Romano aussi? Bah, c'est vous qui fait la différence tout à l'heure. Oh, dis fou, mais qui a gagné lundi? C'est toi qui as gagné lundi. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Oui, de manière un peu injuste, mais tu as gagné lundi.
En quoi injuste? Non, bah en fait, oui, c'est pas injuste, c'est vous qui décidez. Bah non, mais puis Cédric, il arrête pas de mitonner. Donc, oh, il vient de faire un petit câlin. Regarde, il vient de ton côté, Cédric. Faites-vous ah, un oui, bah, il lève le bras, merci. Faites-vous un bisou. D'ailleurs, a priori, il a oublié de prendre une douche, le con. Oula, il y a une odeur d'aisselle. Comme on sympathique. Dit, sur Skyrock, vous pouvez venir comme vous êtes. N'hésitez pas. Vous venez comme vous êtes. Vous parlez tout ce que vous voulez. Et vous débarquez avec nous en direct comme tous les soirs. Bon, alors, au programme de ce soir, plein de choses à faire ensemble. Ah oui, Romano, tu as vu hier. On a parlé ce matin d'ailleurs dans le morning. Un mec a gagné 88 millions d'euros. 80, ouais, 80. C'est l'événement exactement. En France. Tout le monde ne parle que de ça. Et quand on en a parlé ce matin dans le morning, parce que le mec il a décidé de continuer de travailler. Et donc ça ouais. c'est un grand débat en France. Tout le monde en parle. Tout le monde a un avis. C'est dingue. Tout le monde bon, a écoute, un avis. C'est qu'il y a rien de grave. Hein, oui, c'est à côté. C'est, clair, ah ouais. c'est vrai. Si tout le monde parle de ça, c'est qu'il s'est pas passé des trucs trop graves. Ah aujourd'hui. Parce qu'il y a encore 2-3 jours, c'était Aya Nakamura. Oui, très bien. Il nous a fait Nikos, ça, dis donc. Aya Nakamura. Une Nikos ou une Rémi du morning, qui nous a fait une belle lundi, d'ailleurs. Je sais pas si vous étiez là dans le morning, lundi matin. Mais Rémi était en pleine forme, le premier flash. Bon, c'est le flash du lundi, il faut se remettre en route après le week-end. Il nous a fait... Aya Nakamura. Aya Nakamura, ben voilà, Romain. Ah ouais, Aya Nakamura. Tu nous a fait une belle aussi ce matin. Aya Nakamura. Enfin, ce soir, précisément. Aya Nakamura, ouais. Avec les JO et Edith Piaf. Oui, c'est vrai, les gens ont vraiment que ça à foutre de parler. Non, mais... Moi, bon. Et personnellement, je trouve ça super pour Aya, mais je m'en tape le cul à un point que vous imaginez. Ah, ouais. Qu'elle chante Edith Piaf, qu'elle chante Claude François... Quelle chante. Non, mais en plus, il n'y a rien d'officiel, hein. Oui. Parce qu'en fait, c'est un truc qui est sorti, mais, c'est même pas sûr que ça soit elle, quoi. Les gens, certaines personnes, parce que je pense que la majorité, globalement, s'en branle. Mais... complètement. Ah, bah, j'espère. Oui, oui, j'espère, moi, je trouve ça super pour Aya, mais. Il y a plus grave dans le monde, ouais, quoi. Elle peut chanter la danse des canards, ça serait super. Elle pouvait tourner les serviettes. Du moment qu'on gagne des médailles. Voilà, c'est ça. Du moment qu'on gagne des médailles, c'est bien. Franchement, du moment que je loue mon appart bien cher. Et donc là, aujourd'hui, le grand débat, c'est a-t-il raison de continuer à travailler ou pas? Eh ben moi, je dirais que le gars, il a gagné 88 millions, il fait ce qu'il veut. Exactement. C'est 87, je crois. Oh, putain, on est plus à ça près. Il a déjà perdu un million. On est pas loin. 87 millions, bon, il gère comme il veut. Mais je me suis posé la question, un peu comme tout le monde, parce que tout le monde en a parlé, tout le monde a un avis là-dessus. Romano, tu gagnes 88 millions. Qu'est-ce qui se passe? Par exemple, tu as gagné, tu gagnes maintenant pendant la Radio Libre, tu apprends à 21h07 là que tu as gagné 88 millions. Comment tu réagis? Quelle est ta première réaction? Mets-toi dans un aucune. Tu vois sur ton téléphone. T'as gagné. Oui, mais je suis sûr que ça se verrait sur ton visage. Non, mais peut-être. Mais bon, parce que moi je te connais un peu, hein, on va dire. Je pense que tu aurais une réaction physique. Ouais, putain. Non, mais je pense que je la prendrai même pas en émission parce que. Si on t'envoie un SMS, on te dit Romano, tu as gagné 88 millions d'euros. Est-ce que tu as une érection? Est-ce que tu bandes d'un coup comme ça? Non, je bande pas, mais. Direct, gros. Toi, tu bandes. Ah ouais, bah. J'espère que tu gagneras pas 80 millions. Non, mais plus c'est vrai, j'aimerais bien que tu gagnes de l'argent, mais pas pendant l'émission, pas à côté de moi. Parce que, ah, c'est jeudi. Ah, parce que vendredi, c'est 130 millions. Hein. Ouais. T'imagines le cadeau d'anniversaire. Mais il a gagné quand, le mec? Parce que c'était quand les 87 millions là? Je sais pas, mais il a gagné un petit moment et puis là. Il vient d'avoir les sous. Ouais, les gens ont appris qu'il continuait à travailler parce qu'il avait envie de continuer à travailler. Après, il fait ce qu'il veut. Et donc, ça fait le buzz dans toute la France aujourd'hui. Dites-nous comment vous réagiriez. Tiens, vous gagnez 87 millions. Je dis rien personnellement. Alors, tu dis rien. En vrai, de vrai? Ah, ouais, vrai. Ça vous arrive pendant l'émission. Romano, tu ferais pas un bon en l'air comme ça. Non, je serais peut-être. Non, je pense que je te dirais. Ma femme m'appelle là, il y a un problème avec la petite, faut que j'y aille. Je vous laisse, salut, à jamais. Je vous laisse. Salut les gars, et plus jamais on se voit les gars. Ah non, moi je pense que je cours dans tout l'appart. Ah, Marie, tu fais des bons dans tout l'appart. Ah ouais, non, mais je cours dans tout l'appart. Ah, tu cours. J'arriverai pas à vous le cacher, moi. Alors là, je pense que j'arrive à le cacher, moi. Moi, je fais un. Oui, oui. Si je la prends pendant l'émission. Hein. Maintenant que tu nous as dit ça, Romano, si on t'entend faire. Eh ben, c'est soit il a mal au cul. Voilà, on sait. Ou t'as envie de chier. J'ai mal au cul, ouais. Ou t'as envie de chier, ou t'as gagné 87 millions d'euros. Tain, moi, je pense que ça m'arrive, je vous le dis. Et je reste là juste pour faire chier Romano, parce que je sais que c'est un bout de nerf. Mais tu sais, en l'occurrence. Il est capable de te kidnapper. Et si tu venais à gagner, je m'en vais. Pourquoi? Non, mais je te le dis honnêtement. D'ailleurs, si je gagne, je m'en vais aussi. Non, mais je suis honnête. Moi, en l'occurrence. Ouais, trop d'émotion. Non, mais. Ah,
Non mais je suis honnête avec vous. Moi j'arrête de travailler. Je viendrai vous voir peut-être de temps en temps, mais j'arrête de travailler. Tu nous as dit d'ailleurs que tu partirais à l'autre bout du monde pour pas qu'on te voie. Non mais dans un premier temps, je me barre à l'étranger histoire de me cacher, tu vois. Oui. Dans un paradis fiscal. Change de moumoute, par exemple. Mais non, c'est drôle, ça va quand même. Mais moi, j'aimerais bien que Cédric gagne parce qu'il nous a dit qu'il nous filerait 1 million à chacun. Ah non, mais écoute, sur les autres, franchement, ouais, moi, je vous offre 1 million chacun. Eh, écoute, non, sauf à Romano, tiens, juste pour moi. Perso, je préfère gagner moi-même pour rien avoir à demander à personne. C'est pas mal. Oui, voilà. Non, c'est sûr. Vraiment, vu comme ça, moi aussi. Et après, je donnerai à qui mérite. Sur toi-même. Ouais, c'est ça. Non, moi, je vous donne 1 lourd chacun. Très bien, c'est bien, Cédric. Et j'en donne 5 à ma daronne et 5 à mon frère. Et pourquoi nous, on n'aurait pas 5? Bah, t'es pas ma mère. Bah, heureusement, oui. Ah non, c'est pas ma mère. La pauvre, avec ce que tu lui fais subir et ce que tu lui as fait subir, c'est clair. Le frère aussi, après, t'as vu. Et toi, Samy, tu réagirais? Est-ce que tu nous le dirais ou est-ce que tu garderais ça pour toi? Ou est-ce que tu ferais comme Romano? C'est ça que tu ferais? Non, moi je pense ouais, un peu, je retiendrais ma joie, quoi. Vous le direz, mais pas le jour même, pas le soir même. C'est quand je vois le tirage, par exemple, je gagne au loto, je vois le tirage, machin, sur le coup je dis rien, le temps d'encaisser le truc, t'es dans ma tête de... Mais je pense qu'il y a très peu de gens qui le voient en direct, hein, qu'ils ont gagné. Ouais, en plus, ouais. Tu crois que les gens, ils font... Ils vont quelques jours après. À chaque fois que je joue, moi, tabac, je vois pas le tirage, ouais, je vais au tabac 3 jours après. Ouais, tu regardes sur ton appli. Ton truc, ou tu scans avec ton appli, puis voilà, quoi. Il y a la Tifa qui nous dit moi je le dirai à personne, surtout pas à mon mec. D'ailleurs je le quitterai. D'accord. Toi tu ah ouais, c'est truc. Toi tu quittes ton mec direct. C'est bah écoute, c'est sympa, dis donc. Ouais, très. Bon, s'il nous écoute, on le salue. Voilà une bonne nouvelle. Tu as bien fait de te brancher sur Skyrock, le chéri de la Tifa. Bon, allez, on en reparle si vous voulez. Vous nous laissez des petits messages. Moi je ferai comme Romano, je le dirai à personne et je partirai à l'autre bout du monde. Il y a tellement de crevards qui voudraient me prendre mon argent. Ah bah tiens, voilà, c'est un, ça, c'est clair, t'as des c'est un message de Lac sur l'appli Skyrock. Seigneur Tiakos, je rachète Skyrock, je passerai tous mes soirées avec vous, des conneries. Attends, donc tu viendrais travailler. C'est bien, Seigneur Tiakos, tu viendrais bosser avec nous. Merci, Seigneur Tiakos. Qu'est-ce que vous nous dites d'autre? Moi, j'aurais peur de perdre la tête. Si je gagnais autant d'argent, je continuerais à bosser bénévole au moins 4 heures par jour. C'est macaque. Et c'est marrant parce que il y a Lisa également qui nous envoie un message et qui dit j'essaierai de pas perdre le contact avec la réalité et je continuerai à travailler pour au moins avoir un pied dans le réel. Oh non, c'est vrai que non mais c'est vrai que tu gagnes 80 millions. Fais travailler les autres. Tu peux péter un câble. Ah, faut péter les plombs un peu. Ou alors te mettre à faire. Ouais. Ah, tu entends Vichy. Bah écoute. Par contre, après, vous me voyez plus, je vous le dis direct. En tant qu'ami, quand même, non? Non, même pas. Il aurait tellement peur. Ah, Non, mais, je vous donnerai des nouvelles, tu vois, mais d'un numéro ultra sécurisé. Ah, le mec, il est flanqué. En fait, si tu gagnais ça, tu serais malheureux parce que tu devrais être complètement parano. Non, parce que j'irais dans des endroits où c'est ultra sécur, tu vois, et. Ouais, tu deviendrais complètement parano. Bah, il y a de quoi, tu sais, en même temps, t'as vu tous les trucs qu'on voit, mecs qui se font kidnapper et tout. Ouais, à la limite, j'irai vivre dans un endroit où c'est sécurisé, ouais, c'est clair. Ah, c'est mieux, le salaire de Mbappé en un an, mort de rire, nous dit Charles Villeneuve. Ouais, 1 euro million par an. C'est vrai qu'on s'excite pour des trucs, il y en a qui le gagnent déjà en jouant au foot. C'est bah, clair. Écoute, c'est plus. Il prend 130 millions par an, lui. Ouais, je crois que c'est ça. Hein. Putain. Moi, ouais. Pas loin, ouais. Autour de 100 millions, ça va, pour ça, c'est revenu complet par contre. Bah, il peut pas s'acheter des lunettes de soleil plus classe? Ouais, figure-toi, il est payé pour les porter. En plus, ouais, en plus, on lui donne des lunettes et il est payé pour les porter. De l'oseille, ouais. Mais porter un modèle de merde quand même. Ouais, c'est pour ça qu'on lui donne de l'oseille, je pense. Ouais, il y a Thomas qui nous envoie un message et qui nous dit, moi je changerais de meuf. Ah, mais c'est pas, bon, c'est Latifa qui nous dit qu'elle quitte son mec. Toi qui changerais de... Non mais le rapport avec la personne que t'aimes, c'est bizarre. Qui changerait de meuf, c'est un truc de ouf. Ah, peut-être qu'il supporte déjà plus sa meuf, tu vois. Et une question que je voulais vous poser aussi. On va accueillir les premiers de la soirée, puis je vais vous poser une petite question juste derrière. Tom, en direct du 91. Salut à toi, Tom. Salut. 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 Clément, en direct du 03. Salut à toi, Clément. Salut. Salut. C'est marrant, on a une variation des voix là. Salut. Il y a Tom, salut. Et derrière, Marie parle, vas-y. Clément, salut. Et Marie, donc. Ouais, c'est la voix plus grave que Tom. Bonsoir. Et pendant ce temps, Romano fait. Non, mais là, j'ai rien du tout, là. Je fais rien du tout, j'ai pas gagné. Donc, tu fais les bruits de la fille de Karim mais quand elle. Non, monsieur Burns. Non, ta fille, elle fait quoi comme bruit? Non, elle fait. Ouais, voilà, comme Romano quand il gagne. Quand il gagne 87 millions d'euros. Ouais, tu vas me dire, on dirait que tu chies. Et on a Erwan à Brignoles aussi qui est au téléphone avec nous. Ouais. Salut Erwan.
Salut. Ouais, mec. Salut les gars. Que des garçons, et alors les filles, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, c'est les filles. Hein, qu'est-ce qui se passe? Bon, alors on a Tom qui veut nous parler d'un truc. On a, ça va nous ramener au collège avec Tom. Ah. Hein, si vous avez des souvenirs de vos années collège, ça va peut-être vous rappeler des trucs. Si vous êtes au collège, c'est encore mieux. Ah, et oui. Sinon, on va t'écouter, Tom. Tu vas nous expliquer. Clément, toi, tu veux nous parler d'une meuf. Tu représentes le 03. Ouais. C'est bien. Ouais. Et Erwan. Alors, Erwan, fais voir, variation de voix. Bonjour, Erwan. Salut. Ouais. Très bien. Salut. C'est bien ça monte. Salut. Et, donc, t'es à 25 ans et donc à Brignoles. C'est ça. Bon, on va parler de vous, les filles, pour ce début de Radio Libre. Ah, c'est ça. Exactement. J'espère en bien. Et une question que je voulais vous poser. Il y a quelqu'un qui a gagné 87 millions d'euros et, qui tombe amoureux, ou amoureuse de vous. Et qui vous propose donc de vous mettre en ménage avec cette personne. On part du principe que cette personne n'est pas vraiment la personne avec, enfin, qui vous fait kiffer physiquement, tout ça. Ouais, c'est ça. C'est pas vraiment la personne que, genre, vous la voyez dans la rue, ou vous le voyez dans la rue, vous dites, ah, je finirai pas ma vie avec ça. Tiens, avec cette ça, personne. C'est horrible. Et c'est horrible. Bon, mais n'oubliez pas, elle a, ou il a, 87 millions d'euros sur son compte. Est-ce que vous vous mettez avec? Est-ce que vous iriez en couple avec? Erwan, ta réponse. Moi, je te dis honnêtement, si la personne elle me plaît pas, et même dans ses paroles et tout, je me mets pas avec. D'accord, très bien. Non, mais c'est bien. Ouais, mais c'est vrai. Clément, 87 millions d'euros. Bon, la meuf ou le mec d'ailleurs te plaît pas. Oui. Te plaît pas des meufs à la tête de Cédric. Alors. Ah, t'as rajouté un truc. Non, mais bon, je se mettre en condition, tu vois. Clément, alors qu'est-ce que tu fais toi? Je deviens sa pute, je fais ce que je veux. Je deviens sa pute. Non mais c'est honnête. La réponse est enregistrée. Je deviens sa pute, il dit. Tu deviens sa pute et tu lui fais tout ce qu'elle veut. Oh, quand même pas, mais ouais, je suis sa pute quoi. Tu pourrais prendre sur toi aussi un petit peu. Et Tom, comment tu réagirais? Vrai moi. Oui. Si elle me plaît pas, si elle est. Enfin, si elle me plaît pas, bah non, je reste pas. Bravo, bravo Tom, bravo, c'est bien. Voilà, c'est bien Tom. Donc il y en a deux qui iraient pas, donc Erwan et puis Tom. Et par contre Clément, toi t'irais tout de suite, hein, donf. Je fonce. Ouais, il fonce. Voilà. Moi j'ai essayé de caser Cédric avec une meuf blindée. Et alors? Bah qui était d'ailleurs bien plus riche que 87 millions. Hein. Ouais. Ah, eh ben, elle était incapable de rien faire, ce. Ah, non, mais c'est pas, je voulais pas, c'est, laisse tomber, frère, elle avait de la moustache. elle l'a enlevé. Ouais, parce que quand t'es riche, tu peux te faire enlever la moustache. Ah, mais elle s'est tout fait faire, hein. Ouais. La meuf, elle était un peu forte, elle s'est fait faire une hyposuction, tout ça. Elle est devenue. Ah, mais quand tu me l'as présenté, frérot, c'était pas. Ouais, mais elle était en work in progress, quoi. Ouais, travaux en cours. C'est du work in progress. Elle était un petit peu moustachouche. Ouais. Elle avait abusé. Mais tu vois, elle l'a plus maintenant. Elle a les dents bien alignées, elle a tout. La dernière fois que je l'ai vue, bon, elle est haute comme trois mètres. Mais ça, bon, on peut pas les tirer non plus. Non, ouais, mais par contre, elle est blindée. Non, mais après, passer ta vie avec un mec qui te plaît, enfin, pour moi, un mec. Ouais, mais elle, je peux dire que 89 millions à côté d'elle, t'es pauvre. Ah, mais moi, si je suis bloqué avec un mec, Alors, message de Cédric, qui nous dit, moi, 89 millions, ramène-moi Shrek et je le baise. Toi, tu baises Shrek. Toi. Ah, moi, je baise qui? 89 millions? Ouais. Je te ken, toi, t'y fous, y'a pas de problème. Non, mais moi, je les ai pas, Vous avez vu de gagner 88 millions, 87, je sais plus. Enfin, bon, de gagner trop d'argent, ça peut poser des problèmes. Marie, toi, le mec, il a 87 millions. Non mais il faut que je passe le reste de ma vie avec. Bah, c'est le principe. Et toi, Marie, tu t'en fous de l'oseille, toi? Ouais, moi, je m'en fous. C'est bien, Marie. L'amour est plus important. Ouais, que toi. C'est dingue, ça. L'amour et le sexe. Pas ça, ouais, même pas mes factures. Pas le sexe. Je m'en fous, je mise dans ma ZAD. Samy, on gratte l'électricité sur les poteaux. Hey, je vais être honnête, je pense que les 88 millions, ça embellit quand même la personne. Ah, donc ça peut t'aider, toi. Donc je pense que ça pourrait me faire tourner la tête. Après, je pars pas dans l'optique de me dire, ouais, vas-y, j'y vais, tu vois, mais. Tu vas rester toute ta vie avec une meuf qui te plaît pas. Non, mais honnêtement, je pense que ça te mange le cerveau quand même. Moi, je pense que je me mets un peu avec elle, je profite un peu, après j'arrête. Non, mais ça, par contre. C'est pas volontairement, ça. Non, mais tiens, en fait, les gens blindés, ils lâchent pas de l'oseille comme ça. Ah, bah non, Faut pas croire, c'est pas des pigeons, hein. Donc, je vais faire la vache de toi, Samy, t'es comme Clément, toi. Je pourrais me faire emboucaner, la vérité. Ouais. Après, je pars pas dans cette optique, hein, mais bon. Cédric. Bah, moi, j'ai essayé avec la copine de Romano, j'ai pas réussi. Ah, la copine de Carriole. Non, j'ai. Ne connais pas cette personne. Non, mais elle est très sympa. Mais de toute façon, elle habite plus là, elle a déménagé. Donc, Cédric. Bah, j'essaierai, mais franchement, c'est compliqué. Donc, tu pourrais, toi.
Ouais, je pourrais, mais j'ai pas réussi, je t'ai dit, gros. Genre, la non, meuf, elle voulait pas de la lui. Meuf. C'était trop. Non, mais on part du principe que la meuf est très amoureuse de vous. Elle, la meuf, va, ou, la meuf ou le mec, hein, Marie, donc non. Karim, oui. Ouais, moi je pense que ouais. Samy, oui. Ouais, plutôt. Cédric, oui. Non, mais je pense que Cédric, il aurait même pas gratté parce que pour la connaître, la meuf, c'est une de ses pinces. En plus, me laisse tomber. C'est incroyable. Quoi. La meuf, c'est la. Ah non. Il y a des trucs à faire dans l'immeuble, c'est la première à dire, ouais, non, mais vas-y. La meuf, elle ose dire hein, devant tout le monde. Tout le monde sait qu'il est blindé. Hein. Ouais. La meuf, elle dit, non, mais vous m'avez pris pour qui? Je suis pas millionnaire. Non, mais non, t'es quasiment milliardaire, connasse. Il y a Arnaud. En fait, je suis milliardaire, je suis pas millionnaire, mais je suis milliardaire. Arnaud W183 qui dit moi j'accepte mais je lui fais faire de la c'est pas contre l'idée je lui fais faire de la chirurgie esthétique voilà ouais ou alors tu bah la prends directement après, bonne c'est ce hein, c'est... et toi non, mais après il y a pas que le physique tu vois il y a oui, ouais, ça tête, quand même, ça. Et toi Romano non moi je sais pas je pourrais pas c'est parce qu'au jour le jour si tu te tapes un laidron tu vois même si elle est blindée putain ouais, mais avec un peu de chirurgie esthétique elle se enlève la moustache tout ça tiens regarde la chirurgie esthétique ta meuf elle ressemble à Maëva Guénam après t'as envie de la niquer sérieux ouais la meuf tu sais qu'il y en a plein qui bandent sur elle ouais bah c'est vrai après tu sais on a tous eu des moments de galère Karim faut comprendre. Ouais, mais tu sais, si vous bandez sur Maëva Guénam, je peux comprendre. J'aime si dire Cédric qui bandait sur Loana. Non, sur Afida Turner. Afida, ouais. Et d'ailleurs, il y avait Samy aussi sur le coup. Ah ouais, ils étaient ensemble, les deux. On avait mal regardé. Ah, je me suis vite tiré le pouce. À l'époque, ça fumait dans le studio, laisse tomber. On avait pas bien vu. La télé, elle était mal réglée. Bon, c'est notre petit débat argent. On peut en reparler avec vous. Allez-y, si vous voulez réagir là-dessus. Appelez Skyrock 41759 et skyrock.fm. Alors, on va vous écouter, Clément. Tu vas nous expliquer pourquoi tu nous appelles dans un instant. On va aller au bahut. Alors toi, t'es au lycée, hein, toi, Clément. Hein. Ouais, je suis au lycée. Ouais. T'es au lycée. T'es quoi? T'es en terminale? Non, je suis en première année de CAP en service à restauration. D'accord, très bien. D'accord. Non, mais écoute, t'as le droit de redoubler. Ouais. Ah, tu peux redoubler en CAP? Eh oui. Ah, j'ai redoublé en 16 ans. Ah ok d'accord. Bah, tu peux avoir redoublé quand t'es en CAP ou même t'as redoublé avant. Non mais en CAP si t'as pas ton CAP tu redoubles, tu retapes. C'est quoi ton CAP? Moi j'ai rien compris. Oui, restauration. Ah, c'était serveur en gros quoi. Ouais. D'accord. Ouais, c'est ça. Oui, mais on fait simple pour Marie. elle est relativement limitée. Bah non mais j'avais pas entendu. Excusez-moi monsieur Léman là. Léman. Est-ce que je pourrais avoir une bière? Ça c'est bien ça. Pour démarrer la soirée. Non tu vois il est pas dans le service là. Non. Très bien. Dommage. Et toi Erwan tu bosses toi c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Bon, est-ce que vous vous rappelez des questions que vous posiez quand vous étiez au collège, rapport aux meufs? Bonjour Médeline, je t'ai pas dit bonjour. Elle pleure. Parce qu'elle, on parle d'amour, elle est très émue. Ouais, c'est ça. C'est un petit staff, sensible. Très émotif. Ah, t'es sensible. Oh, ouais. Elle est très sensible. Surtout quand j'ai des gâteaux à lui donner. Ouais, mais c'est ça, elle veut un gâteau. Donc, est-ce que vous vous rappelez des questions que vous posiez? T'as quel âge, toi, Tom? 12? C'est ça? 12 ans, très bien. T'as une voix de 12 ans, c'est marrant. Alors, est-ce que vous vous rappelez des questions que vous posiez quand vous aviez 12 ans et que vous étiez au collège? C'est marrant, on va se rappeler tous des souvenirs de. Je sais pas sur quelle meuf j'ai me branler ce soir. Voilà, donc ça c'était la question que tu te posais à Bajo. À 12 ans, j'avais de la vie. À 12 piges, tu vois. À 12 ans aussi, c'est pas. Il y en a qui sont. Ouais, aussi, ouais. Oui, 12 ans, t'es en quoi? 6ème, 5ème? 13 ans, ouais. 5ème? Ah ouais. 5ème. Bah, après, t'as parlé sur les 6ème. Ouais, mais il a pas une voix, la voix elle est pas faite, donc ça veut dire que ça marche plus. Putain, je pensais pas ça. Tu pensais à quoi, toi? Bah, genre, quel ballon je prends? Le ballon en mousse ou le ballon en cuir? Est-ce qu'on va jouer sur le stabilisé, sur le terrain pelouse? Est-ce qu'on va jouer dans la cour? Je prends mes crampons, je prends pas mes crampons? Je pensais qu'à ça. Ah ouais, pareil, gros, je te jure. Je mets mon jogging, je mets mon short, vas-y, je prends les deux, je mets moi l'OM. Ah non, mais gros. Moi, je pensais à qu'est-ce que je vais dire à mes parents pour leur dire que j'ai pas fait mes doigts. Ouais, des trucs comme ça. Je te jure, un averto, un blâme. Moi, il y avait ça, mais il y avait aussi les histoires de, tu sais, d'amourette. Ah, tu pensais aux. Avec les copines et tout, ouais, lui, il est pas mal et tout. Ah, donc tu pensais au mec? Ouais, je pense, à 12 ans, ouais, je pense que c'était ça, ouais. Quand t'avais 12 ans, Clément, toi, maintenant qui est au lycée, là, tu t'es sûr, Jifoul, c'était pas Marie qui était avec toi à l'école et qui regardait les beats et qui faisait. Non, c'est pas elle. Non, c'est pas moi. Non, mais c'était un peu plus tard. Enfin, c'était en fin de collège, en fait, oui. Ouais. Toi, Clément, tu te rappelles à quoi tu pensais, les questions que tu te posais quand t'étais au collège? Oh, avec mon pote, ouais, on se posait des questions sur les meufs de la classe les plus bonnes déjà en premier. D'accord. Ah, ça me rassure, si à vous entendre, il n'y en a pas, ils étaient tous avec leur ballon de foot de merde. Oui. Et vous étiez sur les nanas qui avaient déjà des reins, c'est tout, j'imagine. Bah oui, forcément. Bah oui, c'est ça. Non, mais bon, ça commence à titiller un peu. Ouais, quoi. Exactement, ça commence à titiller. Bah j'ai commencé à me les branler quand j'avais 11, 12 ans. Ah putain, t'étais tôt, toi.
Un peu, ouais. Ah ouais, ouais. T'es en CM2. T'es précoce. Romano aussi, a priori, hein. T'étais un Non, mais moi, sixième, je m'en battais les couilles. Ouais. Mais cinquième, en fait, je sais pas, les sixièmes, ils citaient, quoi. Ouais. Bon, bon, faut savoir que tout ça, faut savoir que tout ça, c'est normal. Et Erwan, tu te rappelles de quoi tu, les questions que tu te posais quand t'étais au collège, toi? Ah putain, à 12 ans, je te mens pas, c'était pareil les gadis, hein. Ah, ouais, c'est filles. Ça. Ah ouais, ouais, ça a commencé quoi. Alors, il y a Iliane qui nous laisse un message et qui dit non, moi à 12 ans, c'était plutôt avec qui on va faire une partie de foot. Ah bah oui, c'est ça. Ah, bon, c'est la vérité, c'était ça. Ce week-end. Pareil, voilà. Gros. C'était... Qui je vais voir au parc ce week-end quand on va sortir. Ouais, gros, tu vois. C'est sûr. Nous, on parlait des fringues avec mes copines. C'est le message de Léa sur la piste Skyrock. Salut à toi Léa. Alors attention, on va avoir ta question, Tom. Voici la question de Tom, la question qu'on se pose quand on est au collège. En vas-y, début, en, dé, en, dé, quelle pas, est ta question en milieu de collège, on va ouais. dire. Dis-nous tout, Tom. C'est quoi ta question, Tom? C'est pas une question, c'est plutôt un problème. Dis-moi. Bah, dis-nous. Alors, en gros, en fait, j'ai une meuf, ça fait un an ensemble. Donc les meufs, Romano, tu vois, t'avais ouais, raison. Ouais, 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 les ouais, meufs, ouais. C'est dingue, là. C'est pile dedans, Romano. Les meufs. Ça va avoir des dents. Oui. Et en gros, la plus haute relation qu'on ait eue, c'est un bisou sur la bouche, en un an. Écoute, à 12 ans, j'ai pas mal, hein. Et à 12 ans, sur la joue, sur la joue. Ah ouais, mais c'est... Non, sur la bouche, sur la bouche, dit. Sur la bouche, il a dit. Ah, sur la bouche? Oui, ah bah, sur la bouche, à 12 ans. C'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. Ah ouais, ouais. Voilà. Et t'aimerais arriver où? Le bisou, c'était avec la langue? Non, sur la bouche. Non, non, non. Ouais, genre un smack, quoi. Un smack, ouais. Un smack. Et lui, il aimerait la galoche. Bon, alors, tu verras qu'un jour tu seras prêt, que la langue elle va sortir toute seule. Et voilà, un jour elle va ouvrir la bouche, toi aussi, et, là, ça va et les deux langues vont s'aspirer l'une l'autre. Et Tom, tu t'es déjà entraîné. Ouais, t'as le temps. Mais comment tu t'entraînes, Marie? Mais non, mais c'était sur la joue. Ah, c'est sur, ah, la, sur la joue. Ah, Karim, il avait raison. Ah, tu l'as claqué, ah, ouais, tu l'as claqué la bise, quoi. C'est lui, bien. En fait, il m'a expliqué, c'est sur la joue, il aimerait juste passer à l'étape sur la bouche, tu vois, lui faire un smack. Un smack, ouais. Et après, bon, ensuite, la galoche, quoi. Tu vois. Bah, tu vas voir, ça va venir tout seul, Tom. Step by step. Il lui a demandé, elle n'est pas prête, en fait. Step by step, c'est vrai. Bah oui. Ah, peut-être qu'il a plus de la gueule. À quel âge? Peut-être que toi, tu plus de la gueule, Tom. Alors, faut bien se laver les dents, Tom, hein. Ouais. Oui, oui, oui. Ah, oui, c'est très. Je suis comme dans la poche tout le temps. Mais là, c'est marrant les questions qu'on se pose quand on est. C'est quand on découvre. C'est mignon, Tom. C'est mignon. Oui, c'est... Mais tu vas voir, oui. ça va se faire petit à petit. Faut pas hâter les choses. Faut y aller tranquillement. À quel âge t'as roulé ta première pelle, toi, Marie? Première pelle. Oh, bah, je vais avoir l'âge de Tom, hein, je pense. 12 ans. Parce que sinon, j'avais déjà fait des pioux, tu vois. Mais. Et est-ce que t'as fait comme certaines filles quand elles roulent leur première pelle? Est-ce que t'as fait? Donc, t'as roulé ta première pelle et t'as fait. Non, j'ai pas fait ça. Non. Manon, il les fait bien, les filles qui rient. Voilà, comme ça. Est-ce que t'as fait ça après? Non, je pouvais pas. J'étais en bivouac, en colo. T'étais en bivouac. Mais bivouac. T'étais quoi? T'étais déjà dans une ZAD? Non, j'étais en bivouac. J'étais dans la construction de ma première ZAD à 12 ans. Non, mais j'avais de la chance. J'étais parti en colo en Espagne et tout ça. On avait fait un bivouac et le mec, on était parti à la Jonquera. Activité prostitution la journée. On était à Palma des Mayors. 12 ans. Toi, Karim, ta première pelle, t'avais quel âge? Je crois que t'es 13 ans, gros. Présent. C'est Sophie Lopez. Encore elle? Ma première meuf, Sophie Lopez. T'as découvert l'amour avec Sophie Lopez. Et toi, Samy? Moi, la première meuf, je pense que c'est juste après justement la cinquième ou fin de cinquième. Le premier bisou. Le premier vrai bisou. Le premier bisou sur la bouche. Parce que là, on est un bisou sur la joue avec toi. Ouais, fin de cinquième, moi, j'aurais dit. Fin de cinquième. Donc, un peu plus vieux que toi. Et alors, est-ce que tu as fait... Oh, il y a dû avoir ça. T'es allé voir les potes et tu l'as fait... Oh, non, t'avais une petite voix à l'époque. Ouais. Ah oui, Samy, il a une petite voix comme toi pendant longtemps. Ah, je pense que t'es un peu cucu la praline, c'est au début. Ouais, là, bah, c'est mignon. Tu l'as guère changé. Ah, bah ouais, c'est ça, tu tires la main, t'oses pas regarder la meuf. Non, mais je prends même la première pelle, genre, que j'ai roulé. Ouais, je pendais, moi, gros. Ah, c'était un truc de ouf. Ah, peut-être pas. Ah, moi, je pendais, t'es allé ouf. Et toi, Cédric? Là, je me souviens plus, mais ça devait être, 14, 15 ans, je pense. Ouais, elle avait 8 ans. Non, elle avait mon âge. Et toi, Difool? Ça devait être. Tu me demandes, mais toi. Elle est décédée. La première. La première pelle sérieuse, pas pour rigoler, parce qu'on a fait des trucs avec des copines. Allez, on se fait un piou. Ouais, non, une pelle. Une pelle avec la pelle. Ouais, je devais avoir. Ah là, je l'ai pris dans la gueule, moi, ouais, la pelle. J'ai pris un coup de pelle, même un coup de pioche. 12 ans, donc tu vois, t'as le Tom, t'es pas en retard, t'es dans les normes. Et toi, Romano, par contre, c'était beaucoup plus tôt, toi. Non, bah, un piou, je l'avais fait en primaire, mais c'était. Pareil, moi aussi. À la con, tu vois.
Ouais, moi aussi, pareil. Et après, ouais, ça devait être vers 12 ans, en 5e. Ouais, quoi. C'est ça, ouais, grosse ouais. Merde. Ah, il y a Renate qui nous laisse un message qui dit, moi, à 9 ans, je roulais déjà des pelles. Peut-être que toi, t'étais précoce. Moi, à 12 ans, j'espionnais les meufs dans les vestiaires du sport quand on avait cours de PS. Marouane, qui était déjà complètement pervers à l'époque. On voit ce que ça donne. Salut, Marouane. Moi, ma petite sœur, elle a 15 ans et elle se voit toujours pas faire un bisou à quelqu'un. Et lui, il a 12 ans, il veut déjà tout faire. C'est Joatèse, elle nous envoie un message. Joatèse. Chacun son rythme, hein, j'ai envie de te dire. Ouais, écoute, Tom, tu vas voir, prends-toi pas la tête, ça va se faire tout seul. Hein, tout seul, ça va venir tout seul. Bah, oui. Okay. Voilà. T'inquiète, toi, Tom. Non, bon, et puis si c'est pas celle-là, ça serait une autre. Hein. Exactement, ouais. Et c'est vrai que bon. Mais oui, ils ne sont pas pressés. C'est mignon de découvrir tout ça. C'est bien, ça nous a ramené au collège. Ouais, d'accord. À nos premiers. Ah là, bah, ça commence à bien m'exciter. Eh bien, écoute, tu vois, Cédric, c'est dangereux quand même. On va changer de sujet. Ah là, le collège. Je pourrais même descendre en bâtard. On va t'envoyer ton t-shirt Skyrock à la maison, Tom. Et puis, prends soin des filles durant toute ta vie. Elles te le rendront bien, tu verras, Tom. Merci. Bah, merci à toi. Salut, bon salut Tom. Tom du 91. Ah, bah oui, tout le monde peut nous appeler. Voilà, attention, je rappelle que cette émission est réservée à un public averti. Dans un instant, on va rentrer dans le vif du sujet en découvrant pourquoi nous appelle Clément. En direct avec nous du 03. Oui, Clément. T'es où? T'es à Moulins, Montluçon, Vichy. Il y a plein de villes dans le 03. Montluçon. Eh bien, salut tout Montluçon qui nous écoute. Toi, je rappelle, t'es au Bahut et t'es en CAP. Et Erwan, 25 ans. Toi, tu voulais également nous parler. J'ai dit, les filles, vous êtes à la une du morning. On a l'honneur. Nous parler des. On n'est pas dans le morning. J'ai dit quoi, morning? Dans le morning. Oh, on a compris. T'as compris. Ah, c'est parce que je pensais aux auditeurs de Los Angeles. Ça doit c'est être ça, pas. Ouais. Salut. Tu crois toujours qu'on est jeudi comme hier? Salut. Oui, je suis complètement déphasé, moi. Complètement déphasé ces temps-ci là. Bon, alors, Erwan, est-ce que c'est un truc cool ou un problème avec ou un problème à gérer avec ta meuf? Un truc cool à nous raconter ou un problème? Problème à gérer, hein, peut-être moi qui me fais des films, mais c'est dans la tête, en tout cas. Bon, tu vas nous raconter, tu nous dis tout dans un instant, tu bouges pas, tu restes avec nous, Erwan. Y a pas de soucis, et Clément, toi, c'est un problème ou un truc cool à nous raconter, c'est quoi? Non, c'est une question, en gros. Une question, très bien. Question. Ah. Une question. Vas-y pour ta question, Clément. Bah alors, en fait, je vous explique. Du coup, je suis en restauration au lycée. Oui. Et quand je suis au confumeur au lycée, je suis avec une meuf qui est en bac pro sécu. On commence à me parler un petit peu depuis quelques jours, mais sinon avant, on parlait vite fait. Non, sécu. C'est que la meuf, en fait, t'as pas intérêt de nique ta race. Ah ouais, t'as pas intérêt de la faire chier parce qu'elle te nique ta race, comme Karim. Non, bah elle est en seconde, donc elle va rien faire, hein, Skel. Mais fous-toi, elle fait bac pro sécu. Fais attention. Mais en gros, du coup, ça fait quand même depuis le début de l'année un petit peu qu'on se voit au confumeur, c'est tout, mais on se parle pas plus que ça. Okay, et depuis quelques jours, on commence à parler, vite fait, mais et en gros, l'autre jour, on a parlé et j'avais compris qu'elle avait quelqu'un. Donc je voulais savoir si, est-ce que déjà, en premier temps, c'était bien ou pas, si je pourrais essayer de casser leur couple, pour, voilà. Déjà, casser gentiment, parce que moi, j'ai pas envie de foutre la merde ou quoi. Bien sûr, tu veux juste casser le couple. Mais pas foutre la merde, et puis y aller gentiment. Non, mais ouais. C'est bien, Clément. Non, mais cool. Non. Oui. En gros, je suis plutôt gentiment en soi, mais juste là, je sais pas, ça fait 50 piges, une meuf, j'en ai eu une vite fait en flirt là, cette année, mais cette pute là, pardon, mais bon, ouais. Bien sûr. Mais c'est vrai, c'est mal passé. On va dire que c'est ça. On va dire que c'est pas super bien passé. Elle a pas voulu de toi et tu dis pute. Donc là, t'as une meuf qui t'intéresse. Bon, en gros, pour résumer, t'as une meuf qui t'intéresse. La meuf, elle est prise, elle a un mec. Est-ce que tu connais le mec? Tiens, c'est une très bonne question que nous pose Nadia sur l'appli. Non, je connais pas du tout, juste en fait, je connais même pas son âge. Je connais pas le mec. Combien de temps ça fait qu'ils sont ensemble, je sais pas. D'accord, donc tu sais rien là-dessus, tu sais juste qu'elle est sympa, super sympa avec toi, qu'il y a un feeling qui passe. Ouais, en vrai, ça passe le feeling, hein, il est bien. Vous connaissez à peine, t'as déjà envie de lui casser son couple, c'est sympa. Mais on lui casser le cul plutôt. Aussi, ouais. Ça, c'est l'étape d'après, ça. Mais je sais pas, les gentils, on s'entend plutôt bien en soi, mais voilà. Bon, alors, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que ça vous est... Bah, déjà, dites-nous, qu'est-ce que vous faites, hein? Et en deux, est-ce que vous avez déjà cassé un couple ou tenté de casser un couple parce qu'il y a quelqu'un qui vous plaisait et vous vous êtes dit, je m'en fous qu'elle ait un mec, il faut absolument que je la serre. Ouais, c'est ça. Ou lui m'intéresse. Marie, t'as déjà cassé un couple, toi? Non. Enfin, je crois pas. Bah, les mecs qui étaient en couple et qui t'avaient comme maîtresse. J'étais pas au courant, je me rappelle plus. Non mais Marie, t'as déjà eu des mecs qui étaient en couple. Ouais, mais il y en a un en particulier que je l'ai su après. Je sais plus comment je m'appelle. Mais je connaissais pas sa meuf, donc il y avait pas trop de soucis là-dessus. Tu es Marie. Je suis Marie. Bonsoir. Non mais oui, mais d'abord.
Bon, voilà, et on va reparler avec vous. On attend vos témoignages. Appli 41759, skyrock.fm pour Clément. On va découvrir les problèmes avec ta meuf Erwan. Et puis, on vous attend pour tout le reste. Hein, si vous avez un truc à nous dire, un truc à faire avec nous, une question que vous vous posez, un service à demander, n'hésitez pas. Un petit coup de fil à Skyrock, 01 53 40 30 20. Et évidemment, vos messages tout au long de la soirée. Ouais, Renoir, tout de suite, parce que ça déchire. Ouais, Renoir, Damso, c'est Pyramide sur Skyrock. Ouais, Renoir et Pyramide. Ouais, Renoir avec Damso sur Sky. Radio Libre, 21h minuit. What the fuck? Seulement sur Skyrock. Et ouais, c'est Radio Libre en direct tous les soirs. Merci d'être là sur Sky. Tous les soirs, on passe nos soirées ensemble. 21h minuit, vous avez un truc à dire, vous branchez sur Skyrock, vous nous appelez 01 53 40 30 20, vous avez l'appli le 41 759, et le skyrock.fm. On va répondre à la question de Clément qu'on a eu un instant en direct avec nous. Clément du 03 à Montluçon. Alors ouais. Clément, tu te dis bon, il y a une meuf qui m'intéresse, on a un bon feeling, on se voit au coin fumeur, et bon, le problème c'est qu'elle a un mec. Je voulais donc vous poser une question. C'est ça, Clément? J'ai bien résumé l'histoire. En vrai, c'est ça, ouais. C'est ça. Alors, la question que je voulais vous poser, sondage express, on va vous demander, il y a quelqu'un qui vous intéresse grave, un gars, une fille, vous découvrez qu'elle est ou qu'il est en couple, est-ce que vous tentez quand même le coup avec la personne, sachant que vous connaissez pas le gars? C'est ton cas, en tout cas, Clément. Vous répondez vite, oui, non, avec votre appli, le 41759 et le skyrock.fm. En tant que charo premier, ah, très beau message, c'est Drop qui nous envoie ça. Salut Drop du 45. En tant que charo premier, moi, j'y vais direct. Je connais pas le mec, m'en bats les couilles. Merci à toi, Drop. Bah, moi, je suis un peu ton avis, tu vois. Alors, petit tour d'équipe. Romano. Le mec, le mec, tu le connais pas, la race à la guerre. Bah oui. Tu vois, la meuf, après, c'est à toi de bien jouer pour la détourner, quoi. Non, mais moi, je suis assez d'accord avec Romano. Et Cédric aussi. Cédric, pareil, toi. Oui, mais il est plus d'accord avec Romano qu'avec Cédric, a priori. Non, mais vous êtes d'accord, vous êtes belle. La même chose. Ma belle. Le mec, je t'en bats les couilles, tu connais pas le mec. T'as vu, elle me kiffe. Non, mais tu tentes. Mais après, casser le couple, tu vois. En plus, tu le couple, il va se casser tout seul. Ouais, si tu l'as intéressé, tu vois. Alors, donc pour l'instant, c'est bon, carton plein, Romano, oui. Bah, tu tentes. Cédric, oui. Ouais. Marie, oui. Karim. Direct. Ouais, toi, je m'en bats les couilles. Si je le connais pas, je m'en bats les reins. La meuf, elle te plaît grave, tu vas bing. Et toi, Ouais, précision importante, si je le connais pas. Oui, j'ai bien précisé, il connaît pas. Ouais, voilà. Et sinon, c'est le game, moi, j'ai envie de te dire, tu vois. C'est pas toi, ça sera un autre. Bon, bah, c'est la meuf qui gère. Hein, ouais, si la meuf, elle est ouverte vaginalement. Romano, tu es très ouverte. Non, mais comme je disais, de toute façon, il y a même pas. En fait, on dit casser le couple. Mais si la meuf, tu la détournes, c'est qu'elle est d'accord pour se faire détourner. Exactement. Ouais. Alors, oui, t'as pas besoin d'être pervers et d'essayer de faire de la merde. Bon, il y a Manuela qui nous envoie un message et qui nous dit un truc pas faux. Moi, je suis d'accord avec toi, Manuela. Je suis d'accord avec vous dans toute l'équipe là. Ouais. Bon, c'est pas toi qui est en couple. C'est elle, donc c'est ce qu'on disait, c'est elle intéressée, c'est elle qui gère. Ouais. Bon, vous votez, vous nous dites, est-ce que vous y allez ou vous y allez pas? Dans un instant, on aura aussi le témoignage de... Il y a qui nous appelle pour toi? De Erwan, un autre Erwan, deux Erwan ce soir. Un Erwan de Bretagne qui arrive pour témoigner pour toi, Clément. Et puis notre Erwan de Brignoles qui voudrait nous parler d'un truc. On va te demander aussi, Erwan, à Brignoles. Toi, t'as entendu la question du sondage express, t'y vas ou pas? Franchement, honnêtement, comme ils ont tous dit, hein, c'est la meuf qui gère, mais bon, si déjà elle vient causer avec lui alors qu'elle est en couple, c'est qu'elle veut quelque chose. Oui, bah bon, après, c'est pas interdit de parler un peu. Parler à quelqu'un et t'as compris, quand ça vient dans des conversations comme ça. Bah, après, il nous a pas trop dit de quoi il parlait, hein. Ah, ouais. Il parlait de quoi? C'est vrai, bonne question. Très très bonne question, Romano. On sent que tu es un professionnel de la radio libre. Et de l'investigation. Et je dirais même un professionnel de l'amour. Vous parlez de quoi avec la meuf, c'est vrai, Clément? Bah, en gros, avant-hier, un truc comme ça, moi j'arrivais au confumeur le matin et je la voyais, du coup, elle me faisait déjà, je sais pas pourquoi, j'arrivais, je la voyais, du coup, je me dirige vers elle et puis c'est pas, elle me dit coucou avec des grands gestes, coucou, genre viens, coucou, je sais pas, c'est. Ok, ouais, voilà, c'est pas, c'était mignon et j'ai regardé derrière moi et personne, du coup, bah c'était bien moi. Et quand tu t'es retourné, elle te fait coucou, tu dis ah bah c'est moi, oui. quand on se voit, elle fait pas la gueule déjà, enfin elle sourit plutôt, ça va. Ouais. Donc je me dis, le feeling en soi, nous deux, ça passe. Le jour on commence, du coup, quand elle a fait des grands gestes, je suis venu, elle a commencé à me parler de ces trucs-là, de son pantalon qui était mal foutu, bon, bref, ça a commencé à parler de là, jusqu'à après que je sache qu'elle a quelqu'un, du coup, enfin. Ça commence à passer de là, et puis maintenant, on parle un petit peu mieux qu'avant. D'accord. Et voilà.
Non mais bon, elle a pas l'air fermée en tout cas. Après, non, mais en même temps, elle a pas l'air trop ouverte non plus. Que... Alors moi, le seul. Non mais elle va pas arriver, se mettre à se tripoter les seins devant toi. Non mais ce que je veux dire, c'est que ouais, vous parlez tout n'importe quoi, mais c'est voilà. Bah, moi, comme si j'ai même envie de te dire que elle a fermé un peu la porte parce que moi, quand je par exemple, quand je trompais la gothique. Oui, tu trompais la gothique, c'est vrai, c'est pas gentil. Attire la rigogo. Eh ben moi quand je rencontrais une meuf je disais jamais que j'étais en couple. Bah ouais gros. Ah ouais. Ah bah non. Bah ça peut être un signe de confiance, tu vois, tu non mais quel est l'intérêt, bah, tu dévoiles un peu signe de confiance, bah, tu t'en bats les couilles de bah, dire non mais tu fais rentrer comme ça la personne dans ta sphère privée, tu vois, tu lui ouais, tu lui dis ou alors tu fermes la porte en disant bon bah je suis en couple, fous-moi la paix quoi. On verra parce qu'on aura des témoignages ouais, là-dessus. C'est ça. On verra comment vous avez vécu le truc, si ça vous est déjà arrivé. Non mais bon, après déjà elle est sympa avec toi, bon effectivement. Après c'est pas complètement fermé, après c'est pas non plus complètement ouvert, mais bon ça tu verras après. Alors, bon, on va voir quels sont les résultats du sondage express parce que ça vote grave. Merci pour tous les messages que vous nous envoyez. On va donc te donner les résultats et on retrouvera donc un Erwan, le Erwan du 35 et un Max de Corse. Ah c'est cool, on va aller en Corse. À Porto Vecchio. Magnifique Porto Vecchio. Ah c'est beau hein. Magnifique la Corse. Ah on y est allé. Bon, allez avant donc tu bouges pas Clément, reste avec nous. Hein. J'ai été en Corse, bah non, c'est bien Marie. Je suis allé. Oh, mais j'étais avec du foule là-bas. Oui. C'est beau. Dans la ZAD. C'est là où on a nagé, on est tombé sur une pâte à cul dans la mer. Ah bah écoute, tu fais de la bonne pub pour toi. Ça m'a l'air super. Et oui, il y avait l'Allemand qui nous a montré son anus aussi. Ah bah encore mieux, tiens. Eh bah vraiment, ça nous a envie de ne pas y aller d'un coup. Voilà, on est sur la plage, on a marché sur une seringue. Ah mais c'est la mienne. Ah pardon. Un mec qui était complètement. Non mais les gens sont sales. Ça donne envie. Bon alors, il y en a un qui me fait rigoler, il dit moi j'y vais mais c'est le français d'Ohama qui nous dit moi j'y vais mais je regarde quand même la taille de son mec avant. Ah ouais. Ah pas souci, c'est pas con quand même. C'est vrai que c'est pas con. Bon alors on y revient tout de suite, on en reparle là. Mais avant Erwan, je vous ai dit les filles vous avez la priorité ce soir, les gars parlent de vous. Et on peut faire l'inverse aussi mais bon pour l'instant on est là-dessus. Erwan, donc toi t'as 25 ans et t'es à Brignoles et tu voulais nous parler de ton histoire d'amour parce qu'il y a un truc qui va pas. Enfin, t'as l'impression que ça va pas. Ouais, j'ai l'impression que je recule en fait. Tu veux, j'ai eu une relation pendant 5 ans et j'étais pas autant amoureux que la fille actuelle. Et en fait, si tu veux, j'ai l'impression que il y a que dans un sens que ça va. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? C'est-à-dire que dans ton sens, toi, t'es très amoureux et qu'elle, elle est pas super amoureuse, c'est ça? Ben, on dirait que elle est pas amoureuse, parce que je peux pas dire ça. Elle a des propos quand même qui me confortent un peu dans les décisions, sinon je serais pas avec. Mais les propos, tu sais, c'est facile à dire, je t'aime. Voilà, ça, exactement. Seuls les actes comptent en amour. Ça, c'est bien ça. Exactement. C'est que les actes comptent. Merci. Mais si tu veux, moi, je la sens pas à 100% dedans, en fait. Ça fait combien de temps que t'es avec elle, toi, Erwan? Ça va faire 7 mois, là. 7 mois. C'est récent encore. Bon. 4. 7. 7. Mais c'est autour du 4. 4. Hein. Putain, mais je suis vraiment sourd. Grand-mère. Ah ouais, j'aurais dit. Ah ouais, grand-mère. Grand-mère. Non, mais en plus, ceux qui étaient là hier soir en fin d'émission comprennent. Ouais, c'est ça. Grand-mère. Je suis sourd, mec. Donc, ouais, ça fait 7 mois que vous êtes ensemble. Mais vous en êtes où pour l'instant? Vous êtes chacun chez vous? Vous habitez pas ensemble? Enfin, c'est une. Bah, en fait, avant, elle était chez moi. Ça s'est passé super rapidement. Et en fait, si tu veux, j'ai décidé qu'on reprenne tous les deux séparés d'un côté pour qu'on reprenne vraiment tout à zéro pour pas qu'on se précipite. Ah mais ça c'est pas bon parce que c'est bizarre. Ouais, tu lui as donné un truc et après tu lui as repris. Enfin, je sais pas si elle était contente que vous habitiez chacun de votre côté après avoir habité ensemble. Mais quand t'as habité ensemble et que tu ouais, tu vois, tu vas vers le bas. Tu crées un éloignement, c'est pas logique. Mais en fait, c'est pas moi qui ai eu que l'idée de ça, tu vois. C'est, on va dire que c'est une idée à deux en fait, si tu veux, on a eu une grosse embrouille. Et en fait c'est moi qui ai décidé ça pour que vraiment on se remette vraiment dans. Mais c'est quoi les embrouilles? C'était les embrouilles de couple classique dans la baraque, c'est-à-dire qu'il y avait des embrouilles pour rien. Ouais, voilà, c'est des petites embrouilles pour rien, tu vois, parce que je suis quelqu'un, je travaille beaucoup, je suis mécano et je fais beaucoup de blagues et tout, et le problème c'est qu'elle supportait pas ça. Bah déjà tu le respectes Romano, bravo. Oui, non, bah bon, après évite de trop le dire. Ta gueule, c'est mieux. Ouais, tu t'en branles, bon, quand t'auras un contrôle fiscal, tu t'en branleras moins, mais. Voilà, mais on ne dira rien, ça vient. Bah non, t'inquiète. C'est votre pote, pas grave. Non, on ne dira rien, ça viendra pas de nous, là. Ah ouais, donc elle te faisait chier parce que tu bossais trop et tout ça, donc du coup, t'as dit, il vaut mieux qu'on vive chacun de notre côté. Moi, que j'ai des objectifs et tout, je lui ai dit, écoute, ça te convient pas comme ça, vaut mieux que toi, tu te retournes chez toi et tout. C'est un peu moi qui l'ai poussé, on va dire,
à retourner chez son père et tout, parce que ça m'arrangeait pas de m'embrouiller tout le temps la tête, tout ça, parce que je travaillais. Ouais, ça se comprend. Non, je peux comprendre qu'elle soit un petit peu distante avec toi, parce qu'à mon avis, tu l'as refroidi quand tu lui as dit ça. Mais ouais, c'est ça, vous êtes allé à l'envers, en fait. Et en plus, elle s'est retrouvée comme quand t'es ado, hein, chez les parents. Alors que bon, tu vois, elle serait à la limite, elle aurait eu un appartement à elle. Elle s'est retrouvée dans son appart, même si c'est quand même un petit retour en arrière. Tu peux te dire bon là. Non, mais après, elle peut comprendre qu'effectivement, ça va pas entre vous. Elle peut comprendre le truc, mais c'est vrai que c'est un petit peu, oui, c'est un peu spécial. Après, ça veut pas forcément dire qu'elle t'aime pas, mais c'est juste qu'elle, à mon avis, elle se protège. Parce que quand t'as une reculade comme ça dans le couple. Bah c'est ça. Oui. Et quand tu dis que tu te dis, je vais peut-être pas trop m'attacher, parce que si je m'attache trop, qu'est-ce qu'il va me faire après? Voilà. Et le truc qui se passe, c'est mon analyse psychologique, elle est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Pas mal. Confirme. Bravo. Merci. Le truc qui se passait, en fait, si tu veux, ça s'est passé il y a ça faisait 2 mois qu'on était ensemble. Et là, que ça va faire 7 mois, moi, je l'ai proposé carrément pour te dire, hein, je l'ai proposé que je la mette dans le bail et tout pour qu'elle revienne avec moi, tu vois. Ouais. Et c'est de là que, en fait, j'ai attendu sa réponse. C'est de là qu'elle m'a dit non, je préfère encore prendre mon temps. Bah non, mais c'est normal. Ah, elle est vexée. Bah oui. Tu l'as tellement refroidi avant que bon. Bah oui, tu l'as refroidi. Ah, elle est vexée. Donc je pense qu'elle est juste vexée, mais que ça veut pas dire que ça va pas marcher entre vous. Après, bon, imagine dans le sens inverse qu'elle t'ait fait la même chose. Eh oui. Toi, tu te dirais peut-être. En plus, par rapport au daron, faire des allers-retours, tu vois, elle est revenue chez son daron, ça doit pas être facile à gérer. Si elle repart et qu'après elle se dit, bah, il va me refaire le même coup et je vais être obligé de revenir, peut-être que ça collera pas. Donc moi, je pense que je protège juste, ça veut pas dire qu'elle t'aime pas. Hein. Bien sûr. Ouais, bah tu vois, moi je pense dans le cas de la nana, je pense que je me serais séparé de toi, j'aurais été tellement vexé de me dire ça fonctionne pas et tout. Non mais oui, je te dis pas ce que j'aurais. Moi j'aime pas que ça va en arrière aussi dans une relation. Ouais. Je rigole. Ouais, et puis après ça dépend aussi, tiens, parce que c'est bon, ok, t'as des objectifs, mais est-ce que tu lui consacres quand même un minimum de temps? Parce que si la meuf franchement, tu veux que je te dise, je lui consacre tellement de temps en ce moment que on passe je passe plus de temps avec elle que même à faire mon travail perso. Ah, quand je l'amène à la quand je fais des mécanos, je l'amène à la voiture. Elle a le droit de s'asseoir dans la voiture. pendant que t'es en train de réparer la caisse. Privilégié. Non, vraiment, je te dis, c'est cool. Ça fait au moins trois ou quatre, ça fait même un mois que je fais plus de blagues le week-end et que je l'amène en week-end et tout. Tu vois ce que je veux te dire? Mais je pense que la meuf, elle comprend pas du tout la manière dont tout fonctionne. Ouais. Parce que tu vois, d'un côté, c'est tout, genre, tu as arrêté de bosser complètement pour être avec elle. Alors qu'au début, vous êtes foutu en ménage dès le départ et après, tu lui demandes de retourner chez ses parents. Après, quelques mois avant, tu lui dis ouais, moi j'ai besoin de faire mon black le week-end, donc je vais travailler, donc tu retournes chez ton père. Donc je pense qu'à mon avis, elle ne comprend absolument rien. Après, tu fais des efforts là, donc non, mais c'est bien. Mignon. C'est bien. Mais elle, est-ce qu'elle a des... Pour elle, c'est difficile à saisir. Elle fait des petits trucs sympas pour toi ou pas? Parce que toi, tu l'emmènes en week-end, peut-être elle fait des trucs quand même sympas pour toi. Je sais pas, tu fais des pipes, des trucs. Voilà, c'est ça. Elle fait des pipes. Bah écoute, franchement. Fais attention. C'est pour ça que j'en parle, c'est parce que moi j'ai rien en retour pour l'instant. Ah ouais. Ah, il y a même pas de pipe. Putain. Bah vas-y. Non, mais quand tu l'emmènes en week-end, tu la niques quand même. Bah quand même. Ah ouais, quand même. Ah, c'est un minimum. Non mais elle fait pas très amoureuse, quoi. C'est-à-dire que t'as l'impression que ça vague dans un sens. Ouais, mais tu veux qu'elle fasse quoi? Pas en week-end, la meuf. Exactement ça. Ouais, mais c'est une attitude, tu vois. Bon, je pense qu'elle se protège juste, moi. C'est-à-dire qu'elle a été refroidie par l'histoire, elle était très, très amoureuse, très contente. Ah, parce que c'est spécial, votre histoire. Et puis, oui, c'est vrai, vous mettez en ménage, ensuite tu lui dis non, j'ai fait du bon week-end, t'as dû la calmer, ouais. Ouais, ça, à mon avis, ça l'a calmée, je pense. Hein. Qui c'est qui réagirait comme ça dans l'équipe? Moi, je réagirais comme elle, tu vois. Ouais, c'était un peu déroutant. Ouais, je suis pas sûr que je resterai avec, du coup. Tu vois, moi, ce que je disais, vous auriez été vexé tous les deux. Ah, mais moi, je pense que j'en ai été vexé. Bon, ben, explique-lui, essaie peut-être de lui expliquer quelle a été ta démarche, parce que c'est vrai, difficile à suivre, Erwan. Non, mais en même temps, c'est bien parce que tu vas plus vers un, vers le positif, parce que tu l'emmènes, tu bosses moins et tout ça, tu vois. Il faudrait que tu le montres justement et que tu lui dises, voilà, ouais. Mais j'ai fait des erreurs. Tu vas arriver au bout de ta phrase, ça y est, on y arrive. Ouais. J'ai fait des erreurs, mais tu vois, je fais des efforts. Ah, continue la phrase, merde. Ça y est, j'ai fini. Non, mais en fait, c'était votre relation, c'est un peu, tu avances, tu recules. Et comment veux-tu? Comme avais-tu que je t'encule? Non mais c'est vrai, au début vous êtes allé très vite, mise en couple. Derrière, toi tu fais une reculade à donf. Non, je fais du black le week-end. Ouais, c'est toi. Faut que tu partes de chez moi parce que voilà. Maintenant, tu l'amènes, t'as arrêté le black le week-end. Tu l'amènes en week-end, tous les week-ends. Ah, il comprend plus. Donc à mon avis, elle est complètement paumée. Tu lui parles. Le truc que je suis en train de te dire, c'est que ça s'est passé. On avait à peine 2 mois de relation. Tu vois ce que je veux dire? Avec ça, avec le temps, j'ai avancé. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça.
et j'ai arrêté tout ça. Et le problème, c'est que ben, derrière, moi, j'essaye d'avancer et tout, de lui faire plaisir et tout. Et d'un autre, j'ai pas l'impression que, tu vois, elle a envie de s'investir. Ah, elle se protège. Moi, je pense qu'elle se protège. Ah, faut juste que tu la rassures. C'est ce que nous dit Awa là sur la piste Skyrock. Tu la mets en confiance. Elle nous dit ouais, c'est ça. On nous parle de confiance. On nous parle de la rassurer, etc., etc. Après, t'es pas obligé de partir tous les week-ends, en week-end avec. Bah, déjà, ça va. Ouais, faut pas faire. Par exemple, toi, t'as envie de bosser. Ouais, t'es un peu. Tu peux bosser un week-end sur deux. Tu vois ce que je veux dire. Après, t'es pas obligé d'emmener tout le temps en week-end. Tu peux rester à la maison avec elle. C'est varié, gros. T'es un peu à l'extrême. C'est vrai que. Parce qu'elle va se dire pourquoi il l'a pas fait au début avant que ça parte en couille, tu vois. Bah oui, parce qu'au début, c'est du black pour payer les week-ends. Les le problème, c'est que bientôt il n'y aura plus de Z, donc il faudra faire du blanc. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais rassure-la, regarde, elle est vexée, on nous dit là sur l'appli Skyrock. Il y a Henrion là qui nous envoie un message. Elle est vexée, tout simplement. Moi, je pense qu'elle se protège. Alors, elle est peut-être vexée aussi, mais elle doit se protéger. Je pense qu'elle elle est tombée de haut, tiens. Ouais, c'est pas... Comme nous dit Real sur, également sur l'appli Skyrock. Envoyez vos messages, vous nous laissez vos messages, appli 41759 et skyrock.fm. Si vous avez des réactions pour Erwan, si vous avez vécu un petit peu la même chose, avec une relation dans le scie que tu nous décrivais un petit peu. C'est ça. Eh bien, vous, bah, vous réagissez. Reste à l'écoute, Erwan, hein, tu bouges pas. Il y a pas de souci. Tu restes avec nous. Dans un instant, les témoignages pour Clément. Est-ce que, et puis les résultats de notre sondage express. Le sondage express, c'est est-ce que vous seriez prêt à briser un couple? Vous connaissez pas le mec ou vous connaissez pas la meuf hein, qui est en couple avec la personne qui vous intéresse. Ouais. Vous êtes super intéressé par quelqu'un, la personne est en couple. Est-ce que vous, est-ce que vous seriez prêt à briser Est-ce que couple tu tentes, ouais. Bon, on va voir les résultats. À mon avis, les résultats vont faire mal. Et puis on aura les témoignages, un témoignage d'un autre Erwan en Bretagne. Salut Erwan. Salut l'équipe. Comment ça va? Ça va super. Salut, Erwan. Erwan. Donc toi, tu vas nous raconter ce qui s'est arrivé. Ça rejoint l'histoire de Clément, et la meuf qui est en couple. Ouais, exactement, ouais. Tu vas nous expliquer, puis on aura Max de Porto Vecchio également qui arrive avec nous. Juste après nos doubles appels, le double appel, c'est parti, les doubles appels, c'est parti. Sacré connard, tu veux qu'on en parle? T'es un fils de pute. Aucun des deux n'a appelé l'autre. Absolument, oui. T'es fils de pute, toi. Le double appel de Diffoul sur Skyrock. Bon, allez, et puis le témoignage de Rosa également qui arrive pour, ah bah ça c'est pour Erwan, bah c'est bien. Ouais. Vous réagissez à tout ce qui se dit dans la radio libre, vous nous parlez tout ce que vous voulez. 01 53 40 30 20. Allez-y, vous avez la parole et les Français vont avoir la parole maintenant grâce au numéro que vous nous avez envoyé. On a testé les numéros de téléphone. Cédric, on est prêt? Ouais. Oui, bah, j'espère parce que je vais lancer le double appel. Donc j'espère qu'on est prêt. C'est parti. Place aux familles. Va-t-on réussir à les connecter ce soir? C'est toujours le grand défi qui s'offre à nous tous les soirs dès 21h. C'est parti, on y va. Ça sonne. Il y a trois numéros qui sonnent pour l'instant. Il y a bien deux qui vont se mettre en contact. Ah, c'est le but. Il y en a un, ils sont deux, ça y est. Oui, allô? Allô? Oui, allô? 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 Oui, comment vas-tu? Vous m'entendez? Oui. Patrick? Allô? J'ai l'impression qu'on est plusieurs sur la ligne. Bonjour, monsieur? Oui. Oui, ah bah oui, donc il y a vous sur la ligne. Y a qui d'autre sur la ligne? Ben, moi je suis Patrick. Hein. Ah, il y a Patrick aussi. Il est chez vous ce monsieur? Allô? C'est Cédric. Et Cédric également. Beau gosse. Ah bah, c'est Michel au téléphone. Ah bah, sûr qu'il a raccroché. Il y a Michel au téléphone. Ouais. Tu mets un son de Cédric. C'est pas ça. Bon, t'as pas eu de chance. Incroyable. Comme au clash. Allez. Pas de chance sur ce coup. C'est clair. Eh ouais. Alors, on y retourne, c'est reparti. Allô? Allô, allô? Bon, alors, vas-y, fais reset, et là, on est reparti. Allez, c'est reparti. On est reparti vers de nouvelles familles. Allons-y. C'est reparti pour un tour. Allez, c'est reparti pour un tour. Notre défi, les mettre en contact. En avant, Guingamp. Exactement. Je suis en train de m'assurer. Allô? Ah. Oui? Oui, allô? Oui, vous demandez qui? Oui, vous êtes qui? Ben, je sais pas, le téléphone il sonne, là, chez moi, je décroche. Vous êtes la même personne qu'il y a 5 minutes? Ah non, ça vient de sonner chez nous. Chez nous, ouais, je sais pas. Ben, chez moi aussi, ça vient de sonner. Ah, ben, quelqu'un d'autre qui parle, là? Ben, écoutez, là, je comprends pas parce que... Allô? Allô? Ben voilà, on est comme tout à l'heure, on est trois sur la même ligne. Ah bah oui, on est sur la même ligne. Oui, j'entends parler pas mal. Là, oui. Il faut qu'il t'encule là. Ah bah on est quatre. Alors pardon. Je sais pas du tout ce que c'est. On est à trois sur la même ligne. Ça arrête pas de sonner à la maison. Encule-le. Attendez. Là, j'entends des insultes. Par contre, ça me plaît oui. pas du tout. Oui, tout à fait. Moi aussi derrière déjà tout à l'heure. D'accord.
Parce que là, je comprends pas du tout. Bah, moi non plus. Moi, je suis de Bercy-sur-Sambre, je sais pas moi d'où aussi. Vous êtes, mais... Moi aussi. La même ligne. D'accord. Eh ben, il doit y avoir un souci sur les lignes et tout, mais... Mais enfin, pour être ça, grossier, ce qu'on entend derrière, oui, c'est oui, pas oui, très j'ai intelligent. Bien entendu, ouais. Ouais, j'ai bien entendu. Voilà. Donc, ça me rassure que vous entendiez la même chose que moi. Ah, ouais, déjà tout à l'heure. Elle a dit un truc, là. Et déjà tout à l'heure. Ah oui. D'accord. Ah. Non, non, mais nous, ça vient juste de sonner. C'est mon fils qui a décroché. Et j'ai pris l'appareil dans les mains. C'est pour ça que j'ai entendu après des insultes. Voilà. Mais c'était vous, c'est vous déjà que j'ai eu tout à l'heure? Ah non, non, non. Non, non, pas du tout, non. Parce que moi, là, j'ai déjà eu tout à l'heure déjà quelqu'un. Je sais pas. Bon, je veux pas vous dire mon nom au téléphone parce que non parce que je ne regarde pas. M'embête. Donc voilà, je me suis pas présenté. La personne s'est pas présentée. Non. Donc oui, là, oui, voilà. Oui. Mais j'ai bien entendu là que le peu qu'on a discuté ensemble, ce que ça a dit quoi. Voilà, moi aussi. Bon, mais tout. Bah écoutez, je suis vraiment désolé. Si la personne elle écoute là, il va falloir qu'elle arrête parce que en tout cas, je connais du monde à France Télécom. Donc, voilà. Il y a besoin d'avoir quelqu'un pour trouver quelqu'un qui est sur les lignes. Ça va pas poser de problème. Il faut qu'il t'encule là. Voilà. Voilà. Oui, bah écoutez. Vous entendez. Voilà. Oui, j'entends très bien. J'entends très bien. Donc. Là, cette personne-là, elle va arrêter, parce que sinon, demain matin, dès soir, je porte plainte. De prendre dans le cul. Bon, sur ce, on va arrêter les conversations, vous m'excuserez, je vais raccrocher. Non, mais moi aussi, mais je vous dis, vous êtes, c'est la deuxième communication, j'ai ce soir. Mm-hmm. Que ça se passe comme ça. D'accord. Ok. Ouais, mais après, c'est à se demander si c'est pas des piratages ou quoi que ce soit. Ah, quoi. Ça. Je sais pas. Mais bon, Oui, comment vas-tu? D'accord. Apparemment, vous vous amusez, monsieur, là, à faire des blagues qui n'ont aucun intérêt? Absolument, oui. Ah, alors, vous avez quoi à reprocher à qui, là? Ouais, j'ai une bonne bite, surtout, hein. Ouh là là! Ouh là là! Bon, écoutez, on va arrêter là la plaisanterie. Je vais raccrocher et on appelle tout de suite la gendarmerie. Ah bah. D'accord. Ok, d'accord. Ouais, très bien. Bon, madame, au revoir. Je suis désolée. Et on met ça au clair. Excusez-nous. Voilà, désolée. Au revoir. Ne vous excusez pas. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Il a eu merci. Le principal paranoïaque, quand même. Avec, à qui vous en voulez? par contre, il connaît du monde. À France Télécom. Il commence à fermer. Ah ouais, il connaît quand même du monde là-bas. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Bonjour madame, excusez-moi de vous demander, mais pourquoi vous nous appelez? Allô? C'est pas moi qui vous appelle, vous êtes très drôle. Allô? Allô? Oui, allô? Là, je suis à poil, là. Pardon? Ouais, je suis à poil, là. Ouais? Ouais, j'ai une bonne bite, surtout, hein. Ouais, bah t'as qu'à te branler, enculé. Je suis en train de m'assurer, là. Ouais, bah t'as qu'à te branler, puis t'as qu'à parler dans le téléphone, c'est toi qui paye du con. Allez, salut, ciao. Vous avez envie de vous m'assurer un petit peu, non? Non, t'as qu'à te branler du con, elle est partie. Mais qu'est-ce que t'as, sérieux, t'as un problème, t'es là avec tes potes. Il faut qu'ils t'enculent. Il est 22h, t'appelles des gens comme ça et tu te tapes en délire, mais t'as quel âge, frère? C'est Cédric. Ça me fait halluciner, c'est qui? Tu vois, dans la chatte, là. Ouais, des doigts dans la chatte, tu te sens bien en fait, t'as un syndrome de la Tourette. Doigts dans la chatte. Bah, faut aller te faire soigner en fait, tu vois, mais moi je suis pas docteur, je fais rien pour toi. Il faut que tu t'encules. Ok, tu bon, écoutez, ça te voit bien. Ouais, grave, j'ai grave envie de me faire sodomiser, ouais. C'est toi qui vas le faire. Et encule-le. Ouais, vas-y. Ouais, dans allez, la chatte, alors, hein. allez, oui, dans la chatte, on s'encule dans la chatte. Bah ouais, pourquoi pas. Et votre chatte est complètement écartée ou pas? Oh, elle est gigantesque. Tu peux passer un camion. Ouais, dans la bah, chatte. Ouais, là. Ouais, avec tous tes potes et ta copine aussi qui est derrière. Et sérieux. Encule-la comme il faut. Non, mais regarde ton nom, regarde-toi. Prends 5 minutes pour te poser, va te mettre dans un coin, regarde-toi dans un miroir ou mate-toi ton nombril, tu vois. Tu te dis quel âge t'as. Tu réfléchis un peu à tout ça. Est-ce que t'es en train de faire ce soir, en fait? J'ai envie de te baiser par la bouche. Ouais, tu veux, sérieux, tu me fais halluciner. Le caca, c'est bon. Halluciner, allez. Le caca, c'est bon. Je retire mon Marcel. Voilà. Et bien, on aura découvert un truc ce soir. C'est pas con. Patrick
a le syndrome Gilles de la Tourette. C'est clair. J'aimerais que tu te mettes toute nue. Merci, mais c'est vrai, c'est un peu ça. Ouais, c'est un peu ça. Bien vu, bien analysé. Ah, grosse chatte, t'as vu, Marie, comme la tienne. Ah ouais, super. T'as un camion dedans. Ouais, c'est génial. Bon, ben on s'est fait. Ah, copine. Bon, ben, merci pour les numéros. Tout à l'heure, il y aura le clash de la drague. Là, on va passer aux choses vraiment sérieuses. Si j'ai un adversaire ce soir, quoi. Mais il est là, l'adversaire. Bien sûr, il est là. Cédric, t'es prêt? Ah, ben je suis prêt. C'est sur mon anniversaire. Quand il va se trompette, chaud bouillant. Dans un instant, le clash de la drague. Ton anniversaire, c'est le jour où on offre 15 000 euros en plus, Cédric. Tiens, mais grave. Eh ouais, il y a 15 000 euros à gagner vendredi matin dans le morning. Et c'est peut-être toi qui vas les gagner d'ailleurs. Ah, tu qui vas les offrir même. Bah, pour ton anniversaire. Ça serait bien pour mon anniversaire. Bon, 15 000 euros à gagner, vous envoyez 15 au 720. Ça va tomber dans deux jours. Vous réveillez avec nous, on vous appelle, vous décrochez le téléphone, vous gagnez 15 000 euros. Il n'y a pas plus 15 000 balles à gagner. Donc vendredi matin dans le morning. Dans un instant, les réactions par rapport aux stories. Bah, aux stories d'Erwan. Avec sa meuf là. Ah oui, Erwan, c'est la story qui avance et qui recule. Ouais, c'est ça exactement. Et puis Clément et les restants de notre sondage express pour toi, Clément. Ils arrivent. Ah, voilà. Tu vas être fixé là. Et puis les témoignages qui arrivent également pour toi. Donc Clément, tu t'es rapproché d'une meuf au bahut. Feeling, il passe bien. Vous prenez des. Vous discutez ensemble, hein. Coiffeur, ouais, tout ça. Elle a un mec, bon, tu le connais pas. Est-ce que vous y allez ou pas? Ça, c'est pour le sondage express et pour les témoignages. On aura un autre Erwan. On aura notre. J'espère qu'on va retrouver notre ami de Porto Vecchio, Max. On te rappelle. Ouais. Ouais. On te rappelle tout de suite ça. Porto Vecchio et ses pâtes à cul sur la plage. Non, mais oui. Et les seringues. Mais non, oui. Mais j'aime pas ça. Donc, Max, on te rappelle tout de suite. Ah, c'est tellement. Des trous du cul. Et puis, si vous voulez nous appeler. Le truc du allemand, ouais. Et si vous voulez nous appeler, 01 53 40 30 20. Allez-y, profitez. C'est Radio Libre jusqu'à minuit. Foule. T'es complètement débile. Romano. Une envie de scatophilie. Cédric. Là, moi, la semaine dernière, je me suis baladé le cul à l'air. Marie. Il y a des jours comme ça, t'as envie, quoi. Samy. Ah Karim. Oui, bonsoir, c'est Jeanne. Gigi. Moi, je me baladais au souk et il y a un mec qui a voulu me faire les poches. C'est la plus grande radio libre de France. What the fuck? Radio libre. 21h minuit sur Skyrock. Et ouais, on est en direct tous les soirs. Vous réagissez, vous nous appelez, vous venez faire les cours avec nous. Vous avez un truc à nous raconter, un service à demander. Eh bien, on est là, la magnifique équipe de la Radio Libre est là aussi. Évidemment. Et oui, bonsoir à vous si vous venez juste d'arriver. Ouais. Bonsoir. On est sur un dilemme. Est-ce que vous êtes prêt à casser un couple parce que vous tombez amoureux d'une meuf ou d'un gars qui vous plaît grave? Ouais. Vous connaissez pas le gars ou la meuf du couple. Ouais, c'est ça, faut pas connaître. Ouais. Et c'est ce qui arrive à Clément. Alors, on a les réponses qui arrivent. Vos réactions en direct aussi. Ouais, mais en fait, tu casses pour moi, c'est indirect. Tu vois, par exemple, Et Clément, depuis tout à l'heure, on n'arrête pas de t'engrainer, t'as vu? Pourquoi? Vas-y. Bah non, mais casse le couple. Non, mais moi, par exemple, quand j'ai connu Karyl, elle était en couple. Oui. Mais tu vois, le mec, moi, j'ai jamais connu ce mec-là. L'italien. Ouais, c'est elle qui a cassé le couple parce que. C'est un italien, tu l'as. Attends. Tu l'as jamais vu? Si, je l'ai croisé une fois parce qu'en fait, au tout début, il comprenait pas trop qu'elle l'avait largué, donc il a fallu qu'elle mette les choses au clair. Oui. Et il était comment? Il était moche? Ah, comparé à moi, évidemment. Non, il était. Ouais, je sais pas, il était vieux, quoi. Il était vieux? Non, mais surtout qu'il y a un vieux. Mais celui qui pétait aux chiottes, là, ou je sais pas quoi. Ouais, c'est lui. Il commençait à avoir le sphincter qui se relâchait à son âge avancé. La classe. Non, mais je l'ai vu, je l'ai entreaperçu, mais. Mais tu l'as vu, tu as même baisé Carole, Carole dans le. Ouais, parce qu'en fait, lui, la semaine, il était pas là et il lui lâchait un appart qu'il avait à Paris. Et moi, j'allais laquer de là-bas, ouais. T'imagines? Propre. Ah ouais. C'est le mec. Ah, l'appart était super. Comme il se doit. Franchement, en fait, de Paris, mignon comme non. Un pied à terre. Donc, tu vois, quand tu entends ça, Clément, tu te dis que tout est possible, hein. Quoi que tu fasses, tu peux te dire, c'est pas grave. Non, mais si tu lui plais, de toute façon, elle cassera son couple. Oui, et pour en finir, ouais, tu vois, moi, je suis jamais parti du principe, ouais, je vais casser son couple. En fait, je voulais juste la récupérer, c'est elle qui a cassé son couple de son côté, ouais, quoi. Ouais, c'est ça. Et comme moi, j'ai cassé le mien avec, avec l'autre, là, la gothique. Avec l'autre, oh, la pauvre. Ma chérie. Ma chérie. Oh, il a dit ma chérie. Non, machine. Non, machine, il a dit. Ah, t'as pas dit ma chérie, d'accord. Vous pouvez plus l'avoir, de toute façon. Bon, les résultats du sondage express sont sans appel. Vous avez voté et on vous a demandé ce que vous le feriez si vous étiez à la place de Clément. Donc briser le couple. Donc en gros briser le couple, c'est sortir avec elle. Ouais, c'est ça. C'est ça, oui. Bon alors c'est oui à 87%. Ah bah tu vois. Ce qui est quand même beaucoup. Ouais, tu vois. Mais du coup, si c'est ok, qu'est-ce que je fais pour
Tu la dragues normal. Mais déjà tu la dragues, tu sens... lui dis. Non mais faut pas que tu décides de casser le couple. Casser le couple, c'est elle qui va le casser parce que c'est elle qui est en couple. Oui, oui. Ouais, juste tu la dragues. Oui, en fait, bah, c'est comme si tu te dis c'est une meuf qui est célibataire. Ouais. Ouais, voilà, c'est une meuf comme une autre, tu la dragues et puis après bon, tu la gères sa merde. Voilà. Bah, si ça veut dire sa merde. Bah si elle est OK et qu'elle te kiffe, elle gérera le truc. Gérer sa merde. Oui, j'ai pensé à un truc là il y a 30 secondes, je me suis dit est-ce que c'est bien le matin si quand on se voit pour la première fois de la journée, si on fait la bise. Bah fais-lui la bise, bah oui. Oui, bon, c'est pas non plus c'est pas un truc. Oui, c'est pas grave de faire la bise. Tu vois. Non, mais fais la bise. C'est pour commencer. Bah oui, tu peux lui claquer la bise. Bon, après, ça se fait, hein. C'est pas... je pense que c'est bien déjà de dire bonjour. Me faire c'est la base. Moi, j'ai refusé, mais bon. Ah non, ça c'est faux, ça c'est pas vrai. Oh, je voulais troller une peine. Non, t'en avais fait avec Karim. Mais pas avec moi, non. Ah, t'es jaloux. Ah non, ça va, tranquille. T'es jaloux. Ah non, allez, vendredi, je te fais un pub. Ah, rien du tout vendredi. Ah, je te fais le cul alors. Mais on s'est tous embrassés dans l'équipe ou quoi? C'est un bordel. Et t'as vu, Marie, elle est jalouse parce que tout le monde s'embrasse, c'est pas elle. Non, mais moi, je t'ai embrassé déjà. J'ai embrassé Diffoul, j'ai embrassé Cariole. Moi j'ai choisi Marie, moi. Ouais. Bon, alors on a Max de Porto Vecchio qui est en direct avec nous. T'es là, Max? Non, il a coupé, Max, il est plus là, gros. On sait qui sur la 4. La 4, c'est quelqu'un d'autre. Ryan. C'est Ryan. Ryan de Montpellier. Okay, salut, Ryan. Salut, Ryan. Salut, salut, c'est moi, c'est Ryan, je suis de Montpellier. En tout cas, je vous kiffe. Gentil. Tous les soirs, je vous écoute, c'est top. C'est pour Clément. Je voulais juste dire un truc parce que. Ça se fait pas de briser un couple. Il sait pas s'il a une femme, s'il a des enfants et tout ça. Et moi, j'aimerais pas qu'on me le fasse. Moi, je suis marié, j'ai deux enfants. Donc, franchement, je lui déconseillerais de faire ça. Ah, tu t'es mis à la place du mec, toi. Oui, mais bon, elle a quel âge ta meuf? Enfin, la meuf qui t'intéresse, Clément? Bah, 15 ans. 15 ans, oui. Donc, je pense qu'elle a pas d'enfants encore. Non, elle a pas d'enfants. Après, si elle a pas d'enfants, c'est autre chose, mais. Ah, tu vas venir dans les 87% qui ont dit qu'eux, ils briseraient le couple. Moi, je briserai pas les couples, j'aime pas ça. Non, mais je veux pas. Non, mais c'est pas, moi, pour moi, tu brises pas le couple, en fait. Ouais, c'est elle qui drague une meuf, la meuf, voilà, elle succombe à ton charme, voilà, et après, bon, bah, elle gère avec son mec, tu vois. Et j'ai envie de te dire, même s'il y avait des enfants, bah, celle qui porte la responsabilité. Bon, c'est vrai que c'est un peu plus chiant, mais. Ouais. Dis-toi que si elle fait ça avec toi, c'est que la meuf, elle était détournable, quoi qu'il arrive. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, mais moi, je me mets à la place du mec, t'as vu? Non, mais je comprends. Moi, je me mets à la place du mec parce que. C'est arrivé, toi? Voilà, arrivé une fois, il y a longtemps, il y a très longtemps, tu vois. Oui. Mais j'aimerais pas, tu vois. Oui, mais c'est que ta meuf, elle n'était pas fiable avec le recul, tu vois. Oui, c'est clair, mais j'aurais préféré que ça se passe autrement, tu vois. Oui, mais en fait, le mec, il a tenté le coup, ta meuf, tu vois ce que je veux dire, ta meuf, elle a dit oui. C'est vrai. Après, je dis pas que c'est pas bien, c'est un bien. Bien et pas bien, mais si elle est mariée et qu'elle a des enfants, c'est là pour moi où ça se fait pas, t'as vu? Bon, à 15 ans, je pense que tu es tranquille, Clément, ouais, donc. Si elle a 15 ans, c'est oui, là, il y a peu de choses qui arrivent. Si elle a 15 ans, c'est autre chose. Je croyais qu'elle avait plus. Je comprends que tu réagisses comme ça parce que toi, ça t'est déjà arrivé, mais donc si ta meuf, elle est sortie avec un mec, donc t'as été cocu, Bah après, c'est un bien pour mal. Maintenant, j'ai une femme, je suis marié, j'ai deux enfants. Mais à 15 ans, là par contre, je savais pas qu'elle avait 15 ans, donc. Oui, à 15 ans, ouais, d'accord, ok, y a pas de problème. Allez, bienvenue dans les 87% qui restent sans aucun problème. Oui, ça se tente. Merci, Ryan. Ça fait combien de temps que t'es amoureux de ta nouvelle chérie? Oh, ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Ah ouais? Bravo. Et t'es toujours aussi amoureux? Ah, mais comment tu fais? On est du cumin dans le couple, on change un peu, tu vois. On essaye de sortir tous les deux ensemble, les enfants on les fait garder, ben voilà, on essaye de... T'as combien d'enfants? C'est la routine. J'en ai deux. T'en as deux. Un de 9 ans et un de 2 ans. Et d'accord. En 20 ans, tu l'as jamais trompé ou elle t'a jamais trompé? Tout s'est bien passé? Non. Ah mais c'est incroyable, c'est incroyable. Bah non, mais c'est... J'ai 46 ans, je vais te dire un truc, j'ai 46 ans. J'ai toujours dit d'abord on s'amuse. Et puis quand on se marie, c'est pour la bonne chose. Ah non, mais moi j'ai le feu au cul. Et niveau cul, ouais, tu parlais de cul. Ah. C'est toujours pareil ou ça c'est un petit peu... Non, c'est pareil, y a pas de souci. Ah, bah, parce que moi j'ai le feu à la vulve. Non, mais je pose la question. Non, mais parce qu'au bout de 20 ans, tu sais, tu peux... Vous avez vu, on parlait ce matin de la cramouille en feu. De l'âge moyen des mariages en France. D'après toi, alors ceux qui étaient là ce matin et qui écoutaient le morning, ne le dites pas. C'est que je m'en rappelle même plus. Oui, mais je sais, Karim, je sais que tu as. C'est de plus en plus. C'est Guigui qui a un problème. Qui a un problème de cerveau et Karim, je crois que tu as été contaminé par Guigui. C'est quoi là? Je sais pas ce que vous faites tous les deux. L'âge moyen du mariage pour une femme, tiens. J'irais 35. 35. J'irais 30. Oh, un peu avant quand même. J'aurais dit ouais, 28 moi. 28. Ouais, 30 ans. 30 ans. Bon, Karim, puisque tu étais là dans le morning, mais tu te rappelles plus. J'irais 32. 32. Non, c'est 37 ans pour une femme. Tu vois, ouais. Sérieux? Mais déjà, les gosses, c'est vachement tard maintenant. Ouais, c'est vrai. Plus tard, mais... Tu t'es marié à quel âge, toi, Ryan? Moi, je me suis marié, j'avais 30,
31 ans. 31 ans, donc tu vois, t'es en dessous de la moyenne. Donc 37 ans pour les filles. Et pour les garçons, là, je dirais plus de 40 ans. Ah ouais, moi aussi. 42, je te dirais. 42. Je dirais 40. Non, quand même pas, pareil. C'est quoi, 39, je te dirais. 39. Allez, je dirais 38, toi. Je dirais 41. 41. 37. 37. 38, toi. 38, Marie. Moi, c'est 40. 40, c'est Marie qui a trouvé. C'est 40. En plus, j'ai dit 40 dès le départ. Après, j'ai changé. Ça nous laisse du temps un peu. 40 ans pour le mariage, le mariage chez les gars, et 37 pour les... C'est pas... En moyenne, donc ça veut dire quoi, il y a les divorces, 41. Ouais, c'est ça, alors, 38 pour les femmes, 38 pour les meufs. C'est pas con. T'imagines, c'est ça, 38 pour les meufs. Bon, merci en tout cas du coup de fil, Ryan. Sois heureux encore longtemps avec ta chérie. Bah oui, et merci à vous, parce que je vous suis tous les soirs, donc... Bah tu déchires. Je travaille et ça m'occupe. Bah viens nous suivre aussi le matin. Appelez-moi pour le matin à la radio, hein. Eh ben c'est tombé ce matin, tu connais Castelnau-le-Lez? Castelnau-le-Lez, oui, je connais. Non plus, ça fait... Eh ben, c'est tombé ce matin chez Elsa Castelnau. Elle a gagné 1500 euros. Elsa. On l'a appelée. Dommage, hein. C'est pas tombé loin de chez toi, t'as vu? Je suis là. C'est clair. Je suis là pour lui voler. Mais non, on ne vole pas les auditrices de Skyrock. Elle a gagné 1500 balles. On lui fait un gros bisou. Elle et toute sa famille. Bravo, bravo Elsa. Vous aussi répondez Skyrock, hein. Skyrock le morning. C'est 1500 euros à gagner tous les matins. Bisous, Ryan. D'autres, Bisous tous les matins, hein. Et tous les soirs, hein. On t'appelle bientôt. Salut, Ryan. Salut, Boto. Ciao. Tiens, d'autres réactions pour toi. La réaction, pour toi, Clément. La réaction de Erwan. Erwan en direct du 35. Salut, Erwan. Salut. Salut Erwan. Salut le Breton, comment ça va? Ça va et vous? Écoute, ça va super Erwan. T'as 21 ans toi Erwan, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est bon, ça. Et toi, il t'est arrivé un truc par rapport à l'histoire de Clément, qu'est-ce qui s'est passé, dis-nous? Ouais, bah en gros, moi quand je suis arrivé en première, il y a une fille de ma classe qui m'a grave plu. Mmh. Et c'était elle ou personne d'autre. Et sauf que j'ai appris qu'elle était en couple un peu plus tard. Donc comme la même histoire que toi Clément, t'as vu? Ouais, c'est ça. Mmh. Et du coup... Bah, j'ai été patient parce que j'ai mis un an et demi avant de réussir à l'avoir. Mmh. Mais au final, je l'ai eu. Et maintenant, ça fait 4 ans qu'on est ensemble et qu'on est très heureux tous les deux. Ah bah t'as bien fait d'attendre. Oui. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et comment t'as fait du coup pour la détourner? Ouais, pour la choper. Et bah en fait, déjà de prime abord, son couple, t'avais l'impression qu'il allait bien et tout. Puis au final, en fait, plus je parlais avec elle, plus je me rendais compte que ça allait pas du tout. Donc déjà, ça m'a aidé un peu, tu vois. Ouais. Mais tu lui disais, oh là là, quel con, ton couple, ah ouais, vraiment, bon, oui, c'est de la merde. Oh, comme c'est de la merde, ton couple, c'est incroyable. Mais t'arrives à tenir le choc avec... Ah ouais, et puis t'as vu comme il est con. T'es le bâtard. Oh, mais qui est con? Ah ouais, je le descendais comme il fallait, ouais. Ah, moi, c'était tête de con, ah, encore. Oh, qu'est-ce qui est con. Et du coup, si j'ai un conseil à lui donner, c'est fonce, hein, parce que ça se trouve, tu vois, ça va faire comme moi, tu vas être très heureux, et puis... Et moi, je pars du principe où si elle est partie, c'est qu'elle était malheureuse dans son couple et que ça allait pas. Non, mais on est d'accord. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Oh, en fait, t'as rien brisé. J'irais vivre les Bretons. Bah, tiens. Qu'elle était plus bien avec toi et avec lui, puis basta, quoi. Ouais, c'est ça. Après, c'est ça, décision. Non plus, hein. Un an et demi. C'est encore pire. Oui, bon, je vais pas attendre. Ah, bah, écoute, je peux te comprendre aussi, Clément. Oui, c'est vrai que c'est un peu long. Oui, un an et demi, c'est vrai que c'est long. T'as dit, oui. Non, mais déjà, oui, il commence à lui dire bonjour, à lui faire la bise et tout ça. Tu sais, au début, c'est quand même pas mal de dire bonjour. Moi, je trouve que c'est plutôt pas trop mal engagé, votre histoire, moi, Clément. Ouais, à voir, ouais. Ouais. Ça a l'air bien, ouais. Écoute, moi, je trouve que ça a l'air pas mal. Ok. Je pense que tu vas nous donner des nouvelles très bientôt, Clément, et puis que tu vas nous annoncer, tu vas nous annoncer une bonne nouvelle. Rendez-vous dans un an et demi, quoi. Non, sérieux, vous voulez que je vous rappelle pour vous redire? Ah bah nous on aime bien rendez-vous. Ah bah oui, quand vous nous appelez pour un truc, on aime bien savoir comment ça se passe après. Vas-y, bah si, prends-y. Eh bah écoute, n'hésite pas Clément. Ouais, donc Marie, c'est arrivé toi j'imagine, dis-moi pas le contraire. Bah de briser vraiment... M'arriver quoi? Non mais pas briser volontairement, parce qu'en fait... Tu vas rien faire Clément, tu vas juste faire comme ça. Tu vas la draguer normale comme si qu'elle était célibe, quoi. Non mais Marie, tu t'es bien mis en couple avec des mecs qui étaient en couple, hein. Bah oui. Bah qui étaient pas en couple vraiment, quoi, en fait. Bah quand ils étaient avec moi, ils étaient pas en couple, mais après ils retournaient chez leur meuf. Je savais pas, tu vois. Non. Bah, non mais sans déconner, je me suis fait briser, c'est les pattes arrière. Non mais Marie, t'es bien sorti avec des mecs qui étaient avec quelqu'un. Bah oui, mais qui étaient avec quelqu'un, mais pas de briser un couple et de me mettre avec derrière, quoi. Mais comme on disait, de toute façon tu brises rien du tout. C'est l'autre qui décide de se barrer au final. Ouais, non, mais c'est vrai. Mais bah oui, elle en a marre de son couple de merde. Ouais, tu vois, et puis elle se met avec quelqu'un d'autre. Tu sais, c'est, en fait, c'est la vie, quoi. C'est... Bah oui, oui. Tu fais pas genre un stratagème pour niquer le couple de la personne. Non, mais elle se rappelle plus de rien. T'es jamais sorti avec un mec qui était déjà avec une meuf? Bah si, ça m'est déjà arrivé, j'ai pris trop de cachetons. Mais Marie, briser un couple, alors c'est peut-être le terme qui va pas. T'as pas décidé de briser un couple, mais le mec il était en couple et toi t'étais aussi avec lui. Ah, remarque, il y avait Ah bah ça y est, j'ai la liste. Alors, je suis en train de chercher. Alors, José,
Non, il y avait également Gérard. Mais c'était un ex. Mais aussi c'est... Jean-Louis. Ah mais, ouais. Mais aussi Georges. Ah non, ouais. C'est vrai que chapeau. Georges, il était super, Georges, 90 ans, mais alors une forme exceptionnelle. Bah là, il est moins en forme, il est mort. Il est décédé. Ah merde. Mais c'est vrai que chapeau, il était avec une nana à l'époque. Enfin, il vivait avec une nana, mais c'était déjà terminé, mais il vivait avec elle, quoi. Donc, chapeau, bon. C'est un ex. Et t'as, ouais, t'as baisé avec elle? Non, mais elle avait dormi dans mon lit une fois. Parce que j'avais ramassé en boîte, elle était pas bien. Tu l'avais ramassé. T'es par terre. Marie, je vous avais raconté. Marie, elle fait voiture balai. Ah ouais. Ramasser les meufs de ses mecs. Je vous avais déjà raconté ce truc. En fait, elle était pas bien et tout. Et allez, viens, ma chérie, je vais te bouffer la moule. Mais non, mais je l'avais ramenée à la maison pour qu'elle dorme à la maison et tout ça. Et du coup, on avait passé la nuit chez moi. Du coup, on avait baisé. Non, on n'avait pas baisé du tout. Et j'avais dit, regarde comment j'encule ton mec avec. Mais non, mais tu vois, on avait discuté. Ah ouais, c'est lui en plus qui prenait. Regarde, ma chérie. Ouais, c'est lui. Regarde ce que j'y mets dans le lion. C'est lui une fois. Ouais. Une fois, a priori pas qu'une. Hein, pas qu'une non, fois, mais surtout, d'ailleurs. Elle m'en voulait pas parce que c'était déjà terminé entre eux. Tu vois, ils vivaient ensemble et tout ça, et elle m'en voulait pas. On était devenus copines. C'est marrant ça. Ouais. Devenir copine avec l'ex de ton mec. Ouais, c'est ça. Ouais. Même c'est. Non, c'était assez rigolo. Donc tu vois, quand on entend ça, Clément, on se dit tout est possible, hein, Clément. Ouais. Est-ce que c'est pas trop indiscret si je commence par lui parler de genre de sa famille, comment ça se passe tout ça? Non, mais discuter avec elle comme si tu draguais une meuf classique, bah, normal. Comme tu fais avec les autres meufs. Pour arriver quoi. C'est souvent que ça m'arrive quoi. Non mais te dis pas qu'elle a un mec, tu la dragues comme une meuf normale et puis tu vas. Après si t'as envie de lui parler de sa famille, fais comme tu le sens en fait. Quand on est naturel, c'est ce qui est le mieux pour draguer, je pense. Quand t'essayes de te créer un personnage, c'est au bout d'un moment. Ouais, c'est pas bon. Déjà après. Reste nature. Bah oui. Parce qu'au bout d'un moment, quand elle va te connaître bien, admettons que ça marche, vous sortez ensemble, si tu te crées un personnage pour en sortir, c'est toujours compliqué. Okay, non mais be yourself. Bah oui. Ça c'est bien. Autrement dit, sois toi-même. C'est bien, sois toi-même, ça, j'aime bien ça. Merci. Phrase. Non mais ouais, n'en fais pas 3 tonnes, tu vois, c'est naturel. Ça pour le moment, elle t'aime bien parce que t'es normal, tu vois, donc commence pas à faire des trucs. Tu sais, et puis après, tu là-dedans, en faisant ça, tu peux vite tomber dans le ridicule, quoi. Tu vois, en faisant 3 tonnes. Non mais c'est sûr. Bon, cool, Clément. Bah merci à toi. Bah, merci à vous surtout. Et des nouvelles, je tiens au courant. Et des nouvelles très vite. Et on salue tout le monde Luçon qui nous écoute. Bisous Clément. Salut à toi. Il y a, et merci à Erwan, on t'envoie ton t-shirt Skyrock Clément à Montluçon. Et merci à toi Erwan pour cette belle histoire d'amour que tu nous as racontée. Bisous. Il y a donc de l'espoir pour Clément, pour toi Erwan. Ouais. Et si juste un petit dernier truc, je vais vous rejoindre, faut qu'il reste naturel. Be yourself, yes, nature peinture. Parce que moi, comment une fois, avant de sortir avec ma copine, là, justement, pour draguer une autre meuf, je m'étais inventé un personnage et tout. Ouais. Et puis, quand je suis sorti avec, du coup, j'étais enfermé dans ce personnage-là, quoi. Ah oui, en gros, c'est dur d'en sortir, ouais, c'est après, ça. Ouais, tu deviens complètement schizophrène. C'est ça, ouais. Bah ouais. Cédric, comment t'as fait, d'ailleurs, avec les meufs que t'as draguées quand t'as inventé des trucs? Parce que Cédric, il est malin, on en parlait hier. Bon, il est malin jusqu'à un certain point, mais, et mythomane, surtout. On a surtout, pas... Mais les trois quarts non, des... on a parlé de tes mythos, juste un petit résumé pour hier. On a parlé de tes mythos quand tu te fais passer pour un. Enfin, que tu fais passer un mec pour un commissaire pour qu'il ait de l'essence quand il n'y avait plus d'essence. Non, ça c'était avec le père de Carriole. Ouais. Ça, voilà. Tu l'as fait passer pour un commissaire. Ah ouais. Bah ouais, non, parce qu'il y avait un mec qui me disait ouais, pourquoi lui met de l'essence et pas nous. J'ai dit parce que lui c'est le commissaire de la ville. Quand le père de Carriole est rentré dans le rôle, il a fait oui. Il a bombé le torse et tout. Oui, je suis commissaire. Il a démarche. T'as fait une démarche. Quand on vous dit que Cédric est complètement mythomane. On n'est pas loin de la vérité. Et puis bon, grave. Et médecin aussi pour quand rentrer. Tu t'es fait passer pour un médecin, ouais. Ben médecin, je suis parti voir Guigui à l'hôpital et le mec, le vigile en fait, il me dit pour rentrer à l'hôpital, il me dit ouais, vous allez où? Ben j'ai pas menti, je dis ouais, je vais voir un ami qui est au service. Tu sais, c'était en quoi déjà? Il était en service, enfin bref. Urologique, oui. Ouais, j'ai le nom du service. En soins intensifs, t'avais dit hier. Ouais, j'avais dit en soins intensifs. À cette époque-là, il était en soins intensifs. Donc, tu sais, le mec, il ouvre la barrière, il me dit, ah, désolé, docteur, bonne journée. Bah, je veux pas dire non. Tu vois. Voilà, je me suis fait passer pour le docteur Maboule. Quand tu parles. Voilà, bonjour, docteur Maboule. Quand tu rentres dans un mytho, faut y aller avec, tu sais, faut être sûr de soi, tu vois. T'sais, le vigile a dû dire, attention, il y a une espèce de taré, un détraqué mental, qui se fait appeler docteur Maboule. Ah, bah, ils m'ont laissé passer deux fois. Je suis docteur Maboule. Là, il y avait 10 minutes de marche. Voilà. Quand je suis arrivé, bizarrement, on m'a attaché. Bah, bien sûr. Oh là, on m'a mis un espèce d'habit, mec. J'étais tout serré dedans. Un pyjama sans manche. Voilà, c'était bizarre. Là, après, il y avait une meuf dans l'hôpital. T'es vraiment une camisole. Il y avait une infirmière, non. Il y avait une infirmière, c'est qui me demandait, tiens, parce que putain, j'ai fait, oh, j'étais médecin. Elle commence à me demander dans quel hôpital je travaillais, quel service. Putain, mais t'as dit quoi? Ouais, donc tu peux te faire prendre un mytho. Et pour revenir au mytho en amour, toi, quand tu rencontres des meufs, parfois, tu te fais passer pour quelqu'un que t'es pas. Bah, ça dépend la situation. Salut, je m'appelle Diffule. Non,
il se fait appeler Bilal. Tu fais appeler Bilal. Bilal ou Stéphane, le gardien de parking. Aussi, ouais, le gardien de parking. Ah, Nico aussi. Et Bilal, il faisait quoi comme naturiste? Je sais plus. Et Nico, il faisait quoi quand même? Naturiste. Nico, je sais plus, mais Stéphane, t'es gardien de parking. Gardien de parking. Et non, Bilal, le mec a plusieurs personnes dans cette équipe. Ah, ils vont dire de shit. J'étais imam. Non, mais si tu fais imam. Mais quand tu admettons, ça marche, ça a déjà marché un peu de temps passé pour Bilal, Stéphane, Nico et les autres? Non, ça n'a pas donné suite. Par contre, quand je me suis fait passer pour Pamela, ça a marché. Mais qu'est-ce que je me suis fait enculer? Voilà, t'es con. Oh là là, qu'est-ce que t'en penses? C'est bon à savoir. Non, mais imagine, ça marche. Tu fais comment après pour sortir ton mytho, ouais. Bah ouais, déjà, le prénom et tout. Tu changes de taf. Au bout de 3 semaines, tu dis la même fois. Ouais, tu changes de prénom. Ah, le prénom, bah tu sais ton deuxième prénom. Bilal. Cédric Bilal. Je dis c'est mon prénom de converti. De converti, très bien. Ouais. Ah ouais, voilà, et en fait, donc, c'est mon prénom de couverture. Donc, en fait, il s'enfonce dans son mytho. Tu renchaînes avec un autre mytho derrière. Ah non, c'est la suite du mytho, c'est pas. Mais tu vois, c'est sans fin le truc. Tu vois, Clément, quand on disait d'être naturel, pour éviter d'avoir des problèmes de. Après, ouais, ça peut être relou, parce que des fois, tu peux te tromper, tu vois. Nous dit, Cédric est complètement schizophrène. Message de Natacha. Ah, mais attendez, il a un autre pseudo. C'est quoi? La grosse salope de 9-3. Casse-toi, c'est Richard. Richard, hein? Richard, c'est quoi, c'est dans les soirées changistes? Un jour, on avait été chez un mec, je t'avais accompagné, et tu sais, j'ai halluciné parce qu'il m'avait pas dit ce compte Cédric. Et le mec, il fait salut Richard. Il fait salut Richard, tu vas bien? Ah, mais t'es pas tombé mort de rire? T'es ouf, toi, ou quoi? Si. Ah non. Mais si, je vais pas dire dans quelles circonstances, mais si. Mais c'était pas Richard. C'était comment? C'est pour du shit. Mais si, c'était Richard. C'est quoi le. Mais non, bon, c'était Marco. Marco. Ouais, c'était Marco, c'était pas Richard. Ah, c'était peut-être ouais, en tout cas, non, mais tu sais, j'ai bloqué, il m'avait pas prévenu. Tu sais, on arrive chez le mec. Mais c'est clair, ouais. Tu bloques. Salut Marco, tu vas bien? Et c'est lui qui fait, waouh, ça va pas t'sais, mal. J'ai regardé, mais t'as rien dit, tu sais. Bah non, mais tu sais, j'avais pas dit. Bah non. C'est encore un truc de Cédric chelou. Non, mais ouais, tu sais. Ouais. Non, c'est moi, j'aurais explosé de rire. Marco. Et pourquoi tu t'appelles Marco? Parce que j'avais rencontré, je sais plus dans quelles circonstances, il m'a demandé mon prénom, je jouais Marco. Et là, on était passé voir le mec. Je sais plus pourquoi je m'étais retrouvé avec Cédric. Et il me fait, voilà, je dois passer voir un mec. Et moi, t'aurais pu me prévenir. Et le mec, c'est. Mais j'avais même plus, j'avais menti sur le prénom. C'est sympa, le mec. Ça va, Marco, tu vas bien? Mais non, je dis, attends, t'es un ouf, Cédric. Moi aussi, ouais. Ah, bah, c'est clair. Voilà. Quand on dit que t'es complètement mythomane. Ah, non, pas mythomane. Salut, Marco. Ah, le mec a 25 prénoms. Pas du tout mythomane. Non, mais je sais pas pourquoi je voulais pas lui donner mon prénom. Non, mais bon, écoute, tu sais bien. Voilà, donc Clément, sois naturel. Et puis tu vas voir, j'espère que ça va marcher ton histoire. Mais oui. Salut Clément, on t'embrasse. Et merci à Juan. Salut à Bretagne. Salut à Juan. Pas de soucis, avec plaisir. Bon, appelez-nous 01 53 40 30 20. Vous avez un truc à dire, vous voulez faire les cons avec nous, n'hésitez pas. On est là jusqu'à minuit. Tous les soirs sur Skyrock, vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous parler de tout ce qui vous intéresse, tout ce que vous avez envie de faire tous les soirs. Un petit problème de couple, elle est où d'ailleurs? J'avais vu son message là il y a un instant. C'est ton mec, il est accro à ça, ça va être compliqué. Hein. Accro à quoi? Accro à la branlette. Ah, accro à quoi d'ailleurs? Tiens, je vais pas vous dire tout de suite. Je vais vous faire jouer avec moi. Alors. C'est un truc sexuel. Voilà, un crocodile. Un crocodile. Parce que je m'appelle Marco, Richard, Bilal, Stéphane. Voilà. J'aurais vécu plusieurs vies dans une. Voilà. Je suis un crocodile. Alors, crois un truc, c'est quoi? Non, cherche un message déjà. Ah bon. Alors, c'est toi. Sur ma pourrie, cherche sur. Ben oui, mais il y en a reçu tellement de messages depuis. Ma pourrie, cherche sur. Jade. Tactile. Voilà. Jade, yeux bleus, qui nous envoie un message. Bonjour, Jade, yeux bleus. Et donc, un problème avec son mec depuis 6 mois, il est avec un nouveau mec. Et il y a un problème au niveau de son comportement, de ses passions, de trucs qu'il aime faire, et elle trouve qu'il le fait trop. De quoi pas? Les jeux vidéo. Alors, tiens, on va faire un jeu. Tiens, d'après vous, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle reproche? C'est quoi? C'est lui ou elle qui est accro? Non, c'est lui qui fait trop. Ah. Jeux vidéo. Est-ce qu'il fume trop? Alors attends, ménage. Je réponds pas à des questions Marie parce que Marie, vous êtes comme ça les filles, elle répond à une question par une question. Alors je vous fais des propositions. Alors t'as dit Romano. Alors accro jeux vidéo. Jeux vidéo, ce n'est à la fume, à la drogue, non. À l'alcool, non. À la masturbation. Non, ouais, j'aurais dû plus ça moi, la branlette. La branlette, ouais, la branlette. En Karim t'as dit branlette, Samy t'as dit branlette. La branlette. Non, Cédric t'as dit quoi? Ménage. Ménage. Non, pas accro ménage. Accro au sexe.
Bah ça, ça peut être bien. Après, ouais, quand c'est trop souvent, vous nous avez dit. On croit son portable. Si t'as, un mec et qu'il a toujours envie de baiser, Marie, toi, au bout d'un moment, ça t'énerve. Ouais, ça m'énerve. Ouais. Alors que. Et s'il a jamais envie. C'est moi qui dois avoir envie de niquer. Oh, je suis pas la dernière. Et s'il a jamais envie de baiser, ça t'énerve aussi. Ah bah aussi, ouais. C'est pas des relous. Bah non, mais je suis une relou. Les meufs, c'est pas des relous. Bon, alors, à quoi, On nous fait. Alors, on nous dit boîte de nuit. Ah, Marie, t'as proposé le sport. Ouais. C'est pas ça. C'est. Ouais, c'est. Mais ah, oui, ça, la muscu. Ah, ça se. Ouais, faut que ce soit plus précis. Sport. La muscu. Au stéroïde. Non, c'est pas assez précis. Il prend des trucs. Sport. Ah bah un gros bédo, sport, alors. Sport, on est dedans, mais. Sport. Sport, on est dedans, mais c'est pas assez précis. Il prend des protéines. Il prend des protéines. Non, c'est pas ça. Il accroît à quoi? Qu'est-ce que vous nous dites? À la course à sauter. N'arrête pas. Il est là, au hasard, comme ça. Ah, tu m'as tué. C'est que ça. Il se déplace dans la rue en corde à sauter. Il joue à l'élastique avec ses copains. Ah ouais. Alors, vous nous dites accro au foot, accro. Ouais. C'est pas. Tu es pas accro au poulet? C'est pas assez précis. C'est pas que. Accro au Pokéball, comme ça. Ah ouais, comme moi. Non, sport de combat. C'est ou machin là, ou les patates, MMA. Ouais, non, c'est pas ça, ouais. À la boxe. T'imagines, le mec est tellement accro au sport de combat, c'est quand il voit un mec dans la rue, il patate. Ouais. Non, c'est pas ça. C'est dangereux. C'est pas ça. Bon, allez, je vous laisse quelques instants pour trouver, et puis on en reparle avec Jazzu Bleu. Non, dans un instant sur Skyrock, vous bougez pas. On en reparle avec vous, puis on parle. Ah, au Paris sportif. Il y a ça. C'est la Corée. Il y a ça aussi, mais pas que. Au tiercé. Au tiercé. PMU. Non. C'est la même chose. C'est ça. PMU. Ah ouais, c'est pareil. Bon. Tiercé, quarté, quinté plus. Ouais. Bon, moi je comprends Jade parce que j'ai vu ce qu'elle nous a écrit sur le message. Donc on en reparle dans un instant. Vous ne bougez pas. Vous restez bien avec nous. Et d'ailleurs, son mec, actuellement, il est avec elle. C'est pour ça qu'on n'a pas Jade au téléphone. Il est avec elle et ça l'énerve. Jade. Ah, il est bloqué dessus. Ah, alors, c'est au foot. C'est un sportif de canapé, quoi. Sportif de canapé. Au match de foot. Ouais. Bonne réponse, ah, Marie, en fait. Putain. Le mec passe sa vie, ton mec, Jade, il passe sa vie à regarder des trucs à la télé, mais n'importe quel sport, tout au long de la journée, du matin au soir, le premier truc qu'il fait, c'est regarder son téléphone, regarder les trucs de sport. Ton daron, il est comme ça, Difoul. C'est vrai que mon daron, il est pareil. Ah ouais? Mon daron, il regarde tous les sports. Tous les sports. Tous les sports. Il a les chaînes de sport, il zappe d'une chaîne de sport à l'autre. Bon, je vais pas dire qu'il regarde le billard. Tu me dis, c'est un sport. Ou la pétanque. Je crois que oui, ça passe. Je crois que c'est un sport. Ouais, je crois que c'est un sport. Moi, je regarde la pétanque de temps en temps. Non, la pétanque, mon père, il en est quand même pas. J'adore là. Les boules. Mais mon père, il regarde tout. Le hand, le rugby, curling. Le foot. Tous les sports. Multisports. Ouais, le basket. Le basket, c'est son sport c'est préféré. Cool. Et l'été, il regarde le Tour de France et tout. L'athlétisme, il adore. Ah, le Tour de France, il regarde aussi. Le Tour de France, il regarde. Mon père, il regarde tout. Et donc, le problème de Jade, c'est que c'est du matin au soir. Et même quand il n'y a pas de match, des trucs en direct, il trouve le moyen ou de regarder un match qui diffusait d'un pays étranger, même un truc inintéressant. Ah, mais ouais, mais tu peux trouver. Ou alors de regarder des rediffs des matchs. Bah ouais. Donc, c'est un champion, ton gars. Et on voulait vous demander. Un champion donc, de canapé, quoi. Oui, c'est ça. On voulait vous demander, est-ce que vous avez, vous aussi, été gêné par la passion de votre mec ou de votre meuf? Vous réagissez, vous nous dites, on en reparle tout de suite. On aura également Ali au téléphone avec nous. Dans un instant, Ali du 94. T'es là, Ali, déjà? Oui, Ali. Je suis là, bonsoir. Ouais. Ali. Salut, Ali. Ouais, Ali. Eh bien, on dit allô, salut, Ali. Salut, l'équipe. Et salut, allô, Ali. Et défaule. Merci. Eh bien, tu m'excites tellement qu'on te retrouve tout de suite après Nino sur Sky. Ils sont. Enfin, quand vous êtes Eurostar, on est premier sur le rap. Il est 8h40, il est 22h44. Oui. Radio Libre. 21h minuit. What the fuck? Seulement sur Skyrock. J'ai une remontée de morning dans le morning. On vous donne beaucoup l'heure pour que vous soyez pas en retard le matin. Là, j'ai une remontée. Et on est mercredi, du coup. Il est 8h44. Non, il est 22h44, 45 même, tu vois. Le temps passe. Et on est en direct pendant toute la soirée. 21h minuit. Vous branchez sur Skyrock. On est là. Profitez-en. Vous êtes là, vous aussi. On se marre bien tous les soirs. On résout des problèmes. On parle de plein de trucs. Eh bien, vous n'hésitez pas si vous avez un truc à nous dire. Un petit coup de fil à Skyrock. 01 53 40 30 20. Ouais. Mais également vos messages. Avec l'appli Skyrock. Yes. Salut Exo, salut Maybru qui vient d'arriver. Patrick de Trondois, il est là aussi. Bonjour Rossé. Oui. Salut Slig du 06. Bonjour à Mucus et Bouche Cousue. Bonjour Mucus et Bouche Cousue qui nous dit mais j'ai loupé le clash. T'en pas encore, on va le faire tout de suite là, le clash. Non, parce que Cédric était pas prête, on attend là. T'es pas prête. Pas prête. Toujours prêt moi. C'est quoi ta méthode, Cédric? Méthode. Alors, du clash. Là, je fête mon anniversaire, on m'a offert un cadeau. Mais tu le fêtes encore? C'est vendredi. Bah ouais, bah mec, écoute, ça fait 15 jours qu'il nous fait la même méthode. Et ça fait 15 jours que je lui mets des branlés. Hein. Alors, méthode anniversaire. Donc pour mon cadeau d'anniversaire, on m'a offert une poupée gonflable. Elle est crevée, la poupée. Donc du coup, j'ai besoin de faire à moi, la femme de la famille. Elle a crevé la poupée. Elle a crevé la poupée. Et donc, c'est la méthode de Cédric.
Pourquoi pas? C'est ta méthode, c'est ça? C'est ça. Bien. Romano, quelle est ta méthode? Moi, je suis chauve. Non, bah, pas du tout. Regarde les cheveux que j'ai. Oh. J'ai même plus que toi. Ah ouais, bah, donc. C'est vraiment plus. T'es content de ta moumoute? C'est pas une moumoute. Pardon, excuse-moi. Est-ce que tu es content de tes compléments capillaires? Ah, franchement, ouais, putain, je vais les garder, je crois. Non, mais il est content. À chaque fois qu'il se lave les mains, je le vois, tu sais, il se recoiffe et tout. Ah, putain, j'adore. Ah, bah, putain, ouais, non, mais, ah, putain, je me kiffe. Bah, ah, mais en même temps, t'as une photo pendant quelques années. 10, 15 kilos, là. La meuf, là, qui veut te serrer, ça avance. Ah, je l'ai pas, non, mais juste, hein, j'en veux pas, je l'ai pas revu, là, mais, non, mais je l'évite même. Et t'as dit que t'allais maigrir à faire du sport, non, mais j'attends, parce que Corentin, il est tout le temps en vacances, là. Ah oui, c'est vrai, c'est Corentin. Ah oui, t'es un coach dans l'équipe. Ouais, mais bon, il est constamment en vacances. Bon, constamment. Mais faut que tu vérifies ça, dit Foul. Oui, d'ailleurs. D'ailleurs, je lui ai dit, mais le mec, j'ai l'impression qu'il est constamment en vacances. Et, non, mais il est parti 15 jours en vacances. Ah, bah voilà, voilà. Et il est où, il est encore en vacances? Oui, il est en vacances. Et bah alors? Il revient le week-end prochain. Ouais. Bon, alors, Donc là-bas, après, je vais aller pédaler avec lui, là. Ta méthode, Romano. Alors, je suis urgence, tu sais, dépannage 24-24, plombier. Ouais. On m'a dit qu'il y avait des trous qui puaient, donc il faudrait que je vienne vérifier ça, quoi. Des orifices, bouche d'égout, un trou, de charbon. D'accord, ok, on va vérifier les trous. Ouais, je vais vérifier les trous des familles. Bon, on a deux belles méthodes. On va se faire le clash, là, dans un instant. Tiens, salut Johanna, qui, elle, nous écoute le matin, tous les matins. C'est bizarre de t'écouter le soir, dit Foul. J'ai l'impression que je vais au boulot. J'écoute le morning. Bah oui, forcément. Eh bien, le soir, on est là aussi. Bah, le soir, on en profite, on est tranquille. C'est clair. D'ailleurs, j'aimerais vous demander un truc tout à l'heure, parce que vous faites plein de trucs le soir, plein de trucs différents. On a l'impression que tout le monde est à la maison. Alors, vous êtes plein à nous écouter à la maison avant de vous coucher, ou pendant que vous faites d'autres trucs, pendant que vous êtes sur les réseaux, vous écoutez la radio, vous écoutez Sky. Mais vous êtes dans plein d'endroits différents. Et moi, on avait fait ça le matin. Et c'est hallucinant de voir dans quels endroits vous nous écoutez. Bah, moi, dans le studio, là. Voilà, envoie un message Romano avec l'appliqué, on va le faire tout de suite. Vous dites dans quel endroit vous nous écoutez. Alors le matin, on a eu des trucs de ouf. Hein. Bon, évidemment les trucs du matin, il y en a qui nous amènent dans les chiottes. Ah, en fait, on vous suit partout le matin. On a des trucs classiques. Le premier truc qui vient, c'est la salle à manger. Ouais. Matin, quand je me réveille, petit déj, bah tu sais, je prends mon café, je mets la radio. Tu prends pas dans la cuisine le café? Non. Moi j'ai pas de salle à manger, Cédric, moi c'est pas ça. C'est ça, c'est le truc. T'as pas de salle à manger? Bah non, j'ai pas de salle à manger. C'est un salon. Mais si t'as une salle à manger. Salon, salle à manger. C'est un salon. C'est ton salon. J'ai un salon, mais c'est pas ça. Non, mais ouais, dit. Non, mais ouais, c'est un salon. C'est un ringard. T'as salle à manger, j'avoue, ça pas l'ancienne. Mais qui dit salle à manger? C'est grands-parents, salon. C'est les grands-parents. J'ai un salon, salle à manger, c'est pareil. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous dites? Moi, je vais écouter. Lui, il mange partout. Bah, une table, c'est mieux que de manger, effectivement, oui. Je confirme, c'est mieux que de manger par terre, comme ça, même le sol. Tiens, tu la mets où? Allez, on fait ça dans la ZAD. Non, c'est marrant, on va faire ça, tiens. Ali, tu nous écoutes où, tiens, pour commencer? Parce que Ali, toi, tu veux nous poser une petite question, t'as un truc dont tu veux nous parler. Où est-ce que tu nous écoutes, Ali? Je suis avec vous, l'équipe, bonsoir. Bonsoir, Ali. Dans la voiture, je pense. Tu es où, là, actuellement? T'es dans quel endroit? Je suis dans le 9-3, je suis au boulot. Non, d'accord. Ouais, mais oui. Au boulot, au boulot. Mais voilà, mais au boulot, Marie. Tu fais quoi comme boulot? Chauffeur poids lourd. Chauffeur poids lourd. Alors, je sais que vous êtes plein à nous écouter sur la route, que ce soit poids lourd. T'es dans le camtar, t'es dans le camion. Livreur, tout ça, etc. Ah oui, il y a plein de messages dans le camion, dans le camion. Alors, moi, je vous écoute dans le canapé, avec un café et un petit joint. Moi, je vous écoute dans ma voiture, classique. C'est le message de Olive. Médeline, tu es en train de me labourer le dos, là. Ah non, mais depuis tout à l'heure, là, elle arrête pas, là. Je sais qu'elle veut un gâteau. Je la vois. Non, mais Ah putain, elle veut te bouffer le nez. Va chercher un jouet. Va prendre ton jouet. Je sais que c'est pas ça que tu veux, mais va prendre ton jouet. Elle veut des gâteaux. Les chiens, c'est, waouh. Elle veut des gâteaux. T'es capricieuse. Elle fait des caprices, ta fille, Karim? Elle pleure pour avoir le sein pour manger, c'est tout. Bah, c'est un peu des caprices. Ouais, ouais, c'est ça. Ou donc tout simplement. Non, ça s'exprime pour manger, en fait. Ouais, non, mais c'est pas parler. Ouais. C'est juste ça, en fait. Bon, alors, où est-ce que vous nous écoutez? Sinon, il y a Marouane qui est au bureau. D'ailleurs, bisous, ouais, Marouane. Au bureau, dans mon bureau. Ouais, au taf dans mon bureau. Salut l'équipe. Moi, je vous écoute à la maison. Je suis dans mon lit actuellement. Bah, merci à toi. Il y a Tom, il est dans son train. C'est Brian. Tom dans son train. De la prison de Fresnes. Eh ben, salut la prison. Ah ouais, je vous ai dit, on peut nous écouter dans des endroits partout. Dans le bus, tiens, pour Vinsby, là, qui est dans le bus actuellement. Voiture VTC pour Nadou Pacino. Ah, il y a Johan, il est sur son chariot élévateur. Très bien. Ah bah voilà, original aussi. Non, on avait déjà eu une auditrice c'était une auditrice d'ailleurs, ou c'était un mec? Qui était en haut de sa grue. Ouais, on a eu. Oui. Astor, Marie, ça m'étonne. Après, il y en a des fois des gros travaux. On avait eu. C'est plus rare, quoi. Le matin, on a eu des grutiers. Ouais. Ton frère, il est grutier, Karim, et il nous écoute dans sa grue. Il écoute, ouais. Jan, le rocking chair du salon. En direct du boulot, Marseille en force pour Eliano. Moi, je suis dans la sécu. Je surveille et je vous écoute en même temps. Moi, je me rase en écoutant la radio. Je vous écoute dans ma salle de bain actuellement, Benoît. Ouais, salut, Benoît. Aussi, salle de bain. Livraison Uber Eats. Et en direct de livraison, c'est Romano Moumout. Bonjour. Alors, faut changer de pseudo, ça va le vexer. C'est Romano Capillaire.
Complément capillaire. Mano CC, si tu veux. C'est long. Ouais, je fais un footing avant d'aller dormir. Ah, voilà, voilà un sportif, Geoffrey, là. Ah, le breton dans une Syrie. Geoffrey du 44, dans une Syrie. Ah ouais. Très bien, on salue Damas. Le pauvre, il est en fort. Voilà, c'est ça. Salut, si tu nous écoutes à Damas. Moi, je vous écoute entre le siège et le volant, précisément. Tu es assis sur le levier de vitesse. Ah, c'est Kix. Tu es en train de 22 ans. Tu es en train de te goder avec ton levier de vitesse. moi je suis en train de faire mes devoirs, je suis à mon bureau. Eh ben salut. Bon, Déborah Marie est en train de chier. Salut Théo. Bonjour Déborah Marie, tu es en train de chier, voilà. C'est sympa. Ouais. Je fais caca, elle dit. Ouais, moi je change ma fille. Ah, elle a fait caca. Bah, en parlant de caca, tu vois, je change ma fille, c'est fucking merde. C'est bien. Tu changes ta fille, Karim? Non, c'est sa mère. Ah, t'as jamais changé? Ah ouais, tu changes pas ta fille, je l'ai déjà changé, gros. Ah ouais. C'est plus souvent sa mère, quoi. Et alors, c'est rigolo? Non, c'est pas très marrant. Rigolo, non, c'est rigolo, c'est pas plus marrant, quoi. Vodey nous écoute dans la salle de sport. Ah, voilà. Il y a Sissi avec mon mari dans la cuisine, là. Ok. Bisous. Nous, ah bah tiens, justement, en parlant de cuisine, nous on est dans un resto et on vous écoute tous ensemble. C'est John qui nous dit, dans les cuisines, c'est Skyrock à fond. Moi, je fume un petit bédo et je bois un petit Sky et je vous écoute avant d'aller dormir. Ah, c'est génial ça. Bah voilà, tu vois. En direct de mon poste à souder, en direct de la chicha pour Fafa. Le poste à souder, c'est qui? Dédé qui nous laisse un message. Oh, Dédé. Ouais, moi je vous écoute entre les cuves de bière. Crazy Rabbit. Ah, ouais, tu bosses. Beau, ça. On t'avait déjà eu au téléphone, Crazy Rabbit. Ah oui, je me souviens, ouais. Ouais. Enfin, dans une brasserie, ouais. Ouais, je joue à un play, Alex du 77. Bon, on peut faire plein de trucs en écoutant la radio. Bah, je joue à Gran Turismo pour la douche de Cédric. Et je vous écoute. Je suis dans une fromagerie pour Adrien. Salut Adrien. Ah, il y a Irina, elle dit, je vous écoute en direct de mon lieu de travail à l'usine de Reims. Je fabrique des coffres de bouteilles de champagne. Wow. Génial. Et de vin d'ailleurs. Ouais. Attends, mais il n'y a pas les bouteilles. Bon, il y a Mélanie qui nous écoute dans son lit. Vous êtes plein dans votre lit aussi. Hein. Moi, je suis sur un toit. Qu'est-ce que tu fous sur un toit, Caraï 77? Kevin, il est dans son garage. Sur un toit à 22h52, tiens. Super. En pleine séance d'overclocking. C'est quoi ça? Hein? Qui vient, qui nous envoie un message? Qui vient 38 ans? Qu'est-ce que c'est ça? Quoi? Ah, aucune idée. L'overclocking. Il y a Bise, je suis. Tapez overclocking et dites-nous ce que c'est. Attends. Il y a Bise, je suis dans la bouche d'une amie. Ah bah. Ah bah super. Et t'écris un message, toi. T'es en train de faire. Tout va bien. Imagine le gars qui est en train de se faire sucer, il écrit un message. C'est génial. Oh. La pile est dans un camion de dépannage. Salut à toi. Ah bah en direct du station service. Les ordinateurs, je crois. Le chariot élévateur. Pour augmenter la fréquence du processeur pendant l'overclocking. Overclocking. Tu fais de l'overclocking. Est-il dangereux d'overclocker son processeur? Ouais. C'est un truc. Les hôpitaux, Will 974, il est à l'hosto, il est en train de bosser à l'hosto. Salut à toi, Will. Bon, bah, c'est super, vous nous écoutez partout. En gros, c'est pour augmenter la puissance de ton ordinateur. Ah, voilà. Eh bien, bon overclocking à toi, c'est pour booster le processeur, vous nous dites. Ouais. Trafiquer le processeur d'un PC pour le pousser plus fort, pour Baka. Très bien. Je fais la vaisselle. Message de Lily. Ah, c'est bien ça. Il est content, c'est une fille. Bon, allez, on va faire le clash dans un instant. On va t'écouter, Ali. Ah, quand c'est donc... est enfin prête. Oui, il est prêt. Avec sa méthode ça fait 40 fois qu'il nous fait que c'est son anniversaire. C'est ton anniversaire, Cédric. C'est ça, c'est mon anniversaire. Et oublie pas de la faire vendredi, ça serait con le jour. Ah, même. Là, t'inquiète. Hein, j'attends le clash vendredi. Pour me masturber. Il m'excite. Ah, bah, vas-y. C'est bien. Prépare-toi. Le clash va t'exciter grave. Merci, Foued. Allez, Ali. C'est à toi maintenant. Donc, Ali, t'es en direct avec toi et tu veux nous parler d'une petite story. Qu'est-ce qui se passe? Une petite story et un petit problème que t'as à gérer, là. Un petit problème, un gros problème, je crois. Alors, un gros problème. On prend également les gros problèmes, hein, n'hésitez pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Bon, c'est-à-dire que j'ai fait la connaissance d'une femme, là, et je suis éperdument amoureux d'elle. Éperdument amoureux d'elle. T'étais célibataire ou t'as une femme, toi? J'ai une femme et j'ai 3 enfants. Ah, donc je comprends pourquoi c'est un gros problème. Enfin, je commence à comprendre. Ah ouais, en plus t'es amoureux d'elle. Mais t'es encore avec ta femme, du coup. Exactement. Ah oui, donc c'est un problème. Et cette femme, tu l'as rencontrée où? Comment c'était la rencontre? C'est quoi les circonstances? Sur Facebook. J'ai rencontré sur Facebook. On a déjà fait quelques voyages. Ah, t'as voyagé avec elle? Ouais, on est parti où? On est parti en Martinique, on est parti en Suisse. Mmh. Et bientôt, on va partir en Angleterre. Donc vous avez consommé, en fait, tu sors avec elle? Exactement. Il y a Charles Villeneuve qui nous dit, mais il la ken? J'imagine. Bah, je pense, ouais. J'imagine que oui. Mais ta femme, elle dit rien, tu te barres en week-end comme ça, elle trouve pas ça bizarre? Bah, non. On lui sort des mythos. Ah, tu dis quoi? T'es en déplacement, bon, c'est quoi les mythos, ouais? Déplacement. Je bouge avec des gars, je bouge avec mes potes. Tu bouges avec tes potes. Et elle t'a jamais demandé, ouais, fais-moi un FaceTime et je veux te voir avec tes potes? Ouais. Ah non, par contre, si elle fait ça, je suis mort. Ah bah oui. Moi j'aurais été la femme. Non mais déjà moi. Attends, moi on me sort un truc comme ça. Moi je demande quand même. J'appelle en FaceTime et si elle me répond pas en FaceTime, je me dis il y a un truc chelou quand même. Hein.
Non mais moi déjà du jour au lendemain elle commence à partir, elle commence soi-disant à partir en week-end avec des copines, avec des copines alors qu'elle l'a jamais fait. Déjà je trouve ça déjà si j'arrive à le dire. Déjà c'est déjà, ça. Déjà je trouve ça chelou ça. De base. Oui. Non mais bizarre quand même. C'est vrai c'est du jour au lendemain. Oui. Ami tu l'as toujours fait bon. Tu peux esquiver comme ça du jour au lendemain le mec il part en week-end toutes les deux semaines. Et ta femme ça fait chelou. Et ta femme elle s'est pas dit ouais il y a un truc chelou quand même. Elle se pose des questions mais ma part pour pécho quoi. Bon écoute oui. Oui, ça, pose des ça fait combien de temps que t'as cette espèce de double vie avec ta maîtresse, ta femme? Ça va faire bientôt 2 ans. Ah, peut-être 2 ans. Quand même, champion, ouais. Mais elle t'aime 2 ans pas cramé, c'est. Mais elle t'aime encore, ta femme? Oui, je pense. Je pense. Parce que tu vois, on a l'impression qu'elle en a rien à foutre. Parce non, mais elle est pas dans sa confort, tu sais, genre, bon. Non, mais c'est vrai, excuse-moi, Ali, mais j'aime toi. Non, mais tu vois, elle s'en doute, elle dit trop rien parce qu'elle a sa petite vie, elle a ses gosses. Tu sais, elle a une sécurité en étant avec toi et elle laisse faire, quoi. Ah, je pense que si elle l'apprend, ça y est, je suis mort. Hein. Ouais, mais c'est chelou. Pas content, t'as 2 ans que t'as une vie un peu chelou comme ça et elle te demande rien. Ou oh, alors elle est naïve complète, tu sais, elle capte rien. Ouais. Non, mais toi, comment tu t'appelles, Ali? Ouais. C'est Ali. Comment tu t'appelles, Ali? Non, mais dans le sens contraire. Ta meuf, ça fait je sais pas combien d'années que t'es avec elle, du jour au lendemain, la meuf elle part au week-end comme ça, avec des, soi-disant avec des copines, tu trouves pas ça bizarre, toi? Ah, c'est sûr que je me poserai des questions. Ah, quand même. Ouais, mais tu ferais une petite enquête, forcément. Non, je pense qu'elle a trop confiance en moi, c'est ça le problème. Ouais, ou alors, comme dit Samy, elle est naïve. Ouais, un peu naïve, ouais. Ça existe, hein. Ou l'amour rend aveugle. Quoi. Complètement. Ouais, ou alors. Complètement biglouche. Non, ou alors, elle se cache peut-être la vérité. Ouais, ouais. Ou alors, je te dis, elle s'en doute et elle dit rien. Ouais, parce que. Elle est comme ça, elle est dans sa petite vie rangée. Ouais, elle s'en fout, peut-être. Moi, je te dis, moi, j'ai le truc, l'impression que ça me donne. Parce que je sais pas, j'ai ma meuf qui se barre, comme ça. D'un coup, avec des copines en week-end. Après, elle part en Martinique, donc. Ouais, quand t'es parti en Martinique, t'es pas parti en week-end, t'es parti plus longtemps. Je suis parti 3 semaines. Non mais en 3 semaines, moi je fais des. Ah vas-y, on fait un FaceTime. Je veux juste voir. Ouais, il fait beau tout ça où t'es. Avec mais, qui t'es. Mais après tu vas t'es martiniquais toi. Ouais. Ah bah tu vas chez toi, donc t'as peut-être des potes là-bas. Elle fait un FaceTime, il y a ses potes de là-bas. Ouais. Hop là, hop, c'est réglé. Non. Ça peut, ouais, ça peut être genre. Non mais après c'est clair, faut la jouer film. Il est excellent ce mec. Il nique au calme et sa femme elle capte rien. Message de Jérémy qui est mort de rire. Jérémy du 68. Mais là c'est quoi le problème en gros là? Le problème c'est que je suis amoureux de ma maîtresse. Oui. Mais je sais pas comment me barrer de chez moi. Alors, à pied ou en voiture? On va prendre ses responsabilités là. Ouais. Par la porte, comme dit Romano. Par la fenêtre, si tu veux. Ouais. C'est un peu casse-cou. C'était pas trop en étage élevé. En fait, oui, tu as le choix, ouais. C'est vrai. Je sais pas quoi faire. Je sais pas. La Marie, qu'est-ce que tu penses? Bonsoir, Marie. Non, je pense rien. Non, désolé. Non, j'étais au télé. Je bourrais. J'étais au téléviseur. Non, j'étais au téléphone. Désolé. Non, j'étais au téléphone. J'étais au télésiège. Non, mais justement, je vous en parler. Non, mais j'étais au téléphone avec Thomas, en fait, qui est en galère à la gare de Strasbourg, qui a quitté sa famille et tout. Il sait pas où dormir ce soir. Donc, j'étais au téléphone. Je suis désolé. Je vous ai pas écouté. J'ai donné l'adresse du ZAD à Strasbourg. Bah ouais, non, mais je vais le rappeler, mais il a plus trop de batterie et tout. Je vais pas le laisser dehors, quoi. Bon, bah, si vous êtes à Strasbourg, il est où, Thomas, à Strasbourg? Bah, là, il arrive à la gare, mais il a eu un peu peur parce qu'il y avait un mec chelou qui était venu le voir et tout ça. Et voilà, il y a des problèmes avec sa famille, il est parti et là, il dort dehors, quoi. Il y a des trucs, hein, pour dormir quand vous savez pas où dormir le soir, comme ça, vous pouvez trouver des trucs. Ouais, mais bon, moi, je pas Strasbourg. Il y a des logements sociaux, ouais. Non, mais il y a des trucs partout qui sont des trucs sociaux, ouais. Ouais, ouais, bien sûr. Samu social, comme dit Cédric, quoi. Voilà, Samu social, c'est ça. Bien joué, c'est ça. Tu peux le conseiller un petit truc comme ça. Ouais, bien sûr. Après, c'est complet, mais il te laisse pas forcément en galère. Ouais, essaie de trouver une solution, tu vois. Ouais, j'espère, là, parce qu'il est en galère de ouf. Bah, après, a priori, ces trucs-là, c'est ghetto, hein. Alors. Parce qu'il y a plein de sans-abri qui veulent pas y dormir, hein. C'est ça. Parce que, tu sais, ça. C'est ghetto de ouf. Ouais, ouais, ça se fout sur la gueule et compagnie. C'est, Ah ouais, c'est pas. Ouais, bah, ouais, tu discutes avec des sans-abri, il y en a plein, ils veulent pas y aller, hein. Ouais, bah là, il y en a un, une fois je discutais avec lui, je dis ouais, pourquoi tu vas pas là-bas? Il me dit ah non, mais laisse tomber. Lui, il était allé, s'était fait piquer ses affaires et tout. Limite, vaut mieux dormir dans la gare une nuit, puis trouver une solution demain matin, peut-être. Ouais, mais il a déjà dormi dans la gare hier, c'est pas super, apparemment. Non, mais il ferme, en ouais, plus. Il ferme à un moment donné. C'est vrai que ça aussi, ferme, les gars, c'est vrai. Ouais, il ferme. Fin de 3h, 6h, je crois, il m'a dit, du coup, je suis. Ouais, ça dépend des endroits. Après, un endroit où tu peux squatter, c'est les parkings souterrains. À la limite, tu vois, t'es au chaud. Ouais, mais bon, si on peut lui trouver autre chose, ça peut être pas mal. Ouais, oui, c'est ça. Non, mais y a pas un truc ouvert H24, tu sais, ou un truc où au moins tu peux, je sais pas, genre un café ou un truc. Non, mais tu vois, tu prends un café, bon, tu prends 2-3 cafés dans la nuit, au moins t'es au chaud. Ouais, t'es pas, ouais, parce que dans un parking souterrain, tu vas aller dans un truc. Ah, c'est chaud. Ah ouais, tu vas te retrouver, tu vas te faire dépouiller s'il y a des mecs chelous. Bon, si vous êtes du côté de Strasbourg, vous avez un petit coin comme ça. Ouais, Thomas, je vais le rappeler. On vous attend en direct. Merci. Ali,
le petit résumé pour Ali, pour toi Marie. Oui, dis-moi. Il a une maîtresse, il est avec sa meuf depuis longtemps, t'as des enfants, Ali, t'as tout ça. Ouais. Il en a trois même. Mais t'as une maîtresse depuis longtemps? Deux ans. Ça dure. Ok. Bon, deux ans. Il se barre les week-ends avec sa maîtresse. Bon, sa meuf officielle, elle ne capte rien, mais rien. Ah putain. Rien. Ah oui, c'est-à-dire qu'elle s'occupe des enfants les week-ends et toi tu te tires pour tirer ta maîtresse, quoi. C'est ça. Et Ali, il est content, écoutez. Il est content, Ali. Mais tu t'es fait griller, c'est quoi? Non, pas pour l'instant. Voilà. Donc il est amoureux de sa maîtresse. Il est barré maintenant, là. Définitivement. Tu voulais poser quoi comme question à Marie, toi, Ali? Ouais, je lui pose la question. Je lui pose Marie. Regarde ton téléphone, ouais, Ali, qu'on t'entende bien. Je suis éperdument amoureux de ma maîtresse, mais je sais pas comment faire pour gérer sa meuf, en fait. Non, pour la quitter, quoi. Je sais pas, quoi faire. Pour quitter ta meuf? Bah déjà, ouais. Ne lui dis pas que ça fait deux ans que t'as une autre nana, déjà, voilà, évite. C'est bien ça, c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal. C'est pas mal. Bah tu lui dis simplement que voilà, t'es plus trop amoureux et que tu veux la quitter. Enfin je sais pas, c'est pas très compliqué en fait. Marie, elle sait ça, c'est vrai, pour quitter les mecs, ton mari, tu sais gérer ça. Voilà, c'est Ali, vrai. C'est assez simple, tu lui dis. Non mais surtout, ne lui dis pas que t'as une autre nana depuis deux ans, parce que ça, c'est l'enfer. Après, non mais quelque part, Marie, elle a pas tort non plus. Non mais c'est vrai, moi, t'es franche, oui. Non mais de toute façon, qu'est-ce que tu veux lui dire? T'expliques que voilà, t'as un truc, les sentiments, ils sont partis, tu sais, des trucs un peu bizarres. Ouais, voilà, les trucs qui sont... De toute façon, faut pas se faire d'illusions, hein. Si la meuf, ta femme, elle est encore amoureuse de toi, tu vas lui faire de la peine, hein. Non, ouais. Mais après, vous faites l'amour et tout ça encore avec ta femme, il y a quand même des relations de couple amoureux ou oui, pas du tout? Oui. Le seul souci, c'est que elle travaille pas, tu vois. C'est moi qui ramène l'argent à la maison, c'est ce genre de choses, quoi. Oui, mais elle travaille pas, mais J'occupe des gosses, peut-être. Ouais, aussi, hein. Mais c'est quoi? Elle veut pas travailler, elle est feignante, ou alors elle trouve pas. Mais c'est occupée des enfants. Non, je pense qu'elle est un peu feignante. Elle a jamais travaillé de sa vie, je me suis toujours démerdé pour amener l'argent. Mais pourquoi tu vois, mais ça, pourquoi t'as attendu tout ce temps pour lui dire? C'est-à-dire, trouver tout le temps. Mais non, mais t'aurais pu lui dire avant. T'aurais pu lui dire avant, que ça te cassait les couilles qu'elle bosse pas, tu vois. Maintenant, je l'incite à travailler. Bah, après, elle comprend pas. Elle veut pas parce qu'elle est bien dans sa petite vie et tout ça. Mais oui, non, mais d'accord, mais bon. Moi, tu vois, quand tu racontes l'histoire, ça t'a pas dérangé pendant toutes ces années qu'elle travaillait pas, puis t'es resté avec elle. Le problème, c'est que t'as rencontré une nouvelle meuf et qu'a priori, t'es plus amoureux de ta meuf. Bon, après, méfie-toi, parce que la nouvelle meuf, tu sais, c'est tout nouveau, tout beau. Hein. Bien dit ça. Quand tu vas tomber dans la plaque, qui nous laisse le message. Quand tu vas tomber dans la même routine qu'avec ta femme, ça va plus être la même. Exactement, c'est pas faux. Le petit souci, c'est que la nouvelle, elle aime danser, elle aime les amis, elle aime danser. Oui, mais d'accord, mais la vie. Tu vas pas passer ta vie à danser, tu vois. Tu vas pas danser. Non, mais en fait, tu t'es peut-être aussi attaché à l'autre parce que justement, tu te fais un peu chier avec ta femme, tu vois. Non, mais bon. Ah, mais ouais, mais l'argument, elle a le bon rôle aussi, la nouvelle. Hein. Non, mais l'argument, ouais, elle aime danser, mais. Elle aime danser. Elle va pas danser matin, midi et soir, tu vois. Non, mais une prof de danse. Oui, mais non, mais d'accord, mais tu vois ce que je veux dire, Cédric, c'est quand même pas un argument. Tu vas pas te dire, je me mets en couple avec une meuf parce que la meuf aime danser. Non, mais il dit ça. Non, tout simplement. Moi, je suis au boulot. Je suis posé, je vais au boulot, je vois ça à la maison, je fais du sport. Et je suis pas trop pour que ma femme aille danser. Je vais au boulot, tu vas danser, tu vas en boîte, tu vas t'amuser. C'est pas trop mon délire, quoi. Mais c'est qui la nouvelle? C'est la nouvelle ou l'ancienne? Ouais, c'est la nouvelle. Mais en fait, il veut pas que sa femme, la mère de ses enfants, aille danser, etc. Mais il préfère la nana qui aime danser. D'accord. Mais attends, moi j'ai pas du tout compris ça. En fait, en gros, c'est que ta nouvelle meuf, elle va danser, elle danse. Ça te fait chier. Elle aime trop sortir. Oui, bah bon, ouais, mais c'est reste ça avec qui ta femme alors. L'autre, elle est tout le temps à la maison. Ali, en fait, on a trouvé la solution. Il faut que tu restes avec ta femme. Au moins, elle reste tout le temps à la maison parce que l'autre, elle arrête pas de danser. En fait, t'aimes ta maîtresse parce que justement, elle a tout ce côté un petit peu. Mais non, ça lui casse les couilles qu'elle danse tout le temps. Mais en même temps, tu rentres chez toi, elle danse comme une timbrée au bout d'un moment. Lui dit, putain, tu veux pas t'asseoir 5 minutes, tu me fais mal à la tête à tourner comme ça, là. Ouais, j'avoue. Moi, Ali, ton truc, il est pas clair parce que t'as une nouvelle meuf, ça va t'énerver parce qu'elle va aller danser tout le temps et parce qu'elle adore danser. Voilà. Non, mais t'as pas de responsabilité avec elle, surtout. Et puis, moi, j'attendrai un peu parce que. Ouais, t'as mal pas, parce que déjà le truc, ça sent moyen. Comme vous nous disiez, tout nouveau, tout beau, c'est vrai que... C'est ça, on est d'accord. C'est une nouvelle relation. Puis t'as pas les enfants, t'as pas tout ce machin. Non, mais je te jure, t'es pas toute la journée avec elle, t'imagines si l'autre... Non, mais tu vas péter un plomb si elle passe sa journée à danser, oui. Non, mais t'as une timbrée, tu dis, putain, c'est toi, merde, arrête de danser.
Voilà. Bon, Ali, qu'est-ce que tu voulais nous demander précisément? Je voulais vous demander qu'est-ce que je fais? Je prends la nouvelle ou je garde l'ancienne? T'attends. Bah, c'est à toi que tu te poses la question si c'est pas clair dans ta tête. Ouais. Non, mais continue peut-être encore un peu comme ça, ouais. Pendant qu'elle danse, l'autre. Elle danse. Non, tu vois, quand tu te poses la question, ça veut dire que c'est pas clair. N'oublie pas quand même que t'as une vie, t'as construit un truc, t'as des enfants. T'as construit une vie de famille, t'as rien à reprocher à ta meuf, à part qu'elle travaille pas. Non, je n'ai rien à reprocher, mais c'est l'autre qui met la pression. L'autre, elle met la pression. Ouais, bah, qu'elle danse et qu'elle fasse pas chier. Pour l'instant, elle danse. Voilà. La pression danser, danse. Ouais. Danse, tu dis danse un peu, hein. Ça va te détendre, ma chérie. Non, mais quand tu te poses la question, que tu sais pas quoi faire, faut attendre. Je pense, hein. Ouais. Après, pouvez nous dire, vous, agissez. Non, mais déjà, t'es pas en couple avec elle officiellement, il y a déjà un souci à propos de la danse. Oui, c'est-à-dire que si elle sort tout le temps, ça va te casser les couilles. Ah, mais tu me l'as dit, donc. Tu vas te mettre avec une meuf et elle va te casser la tête parce qu'elle a dansé. Si la meuf, elle commence à te mettre la pression, vas-y, là, ta femme et tout. Et à danser. Ah ouais. Imagine, la lotte, elle tourne dans la maison non-stop. Elle te donne le tournis, quoi. Bon, vous avez des réactions pour Ali, vous pouvez nous dire si vous avez un avis là-dessus. Reste à l'écoute, Ali. Merci du coup de fil, on te fait une bise. Bon courage au boulot. Bonne soirée à toi. Salut 9-3. Salut Ali. Et vous aussi, vous posez des questions, n'hésitez pas. Parfois, il vaut mieux attendre avant de répondre. Oui. 01 53 40 30 20, l'appli, le 41 759 et le clash de la drague là tout de suite sur Skyrock. C'est parti. Ça y est, tu te mets en levrette. Où que vous soyez, vous allez pouvoir écouter le clash et voter pour le clash pour votre préféré. Chevelu à perruque. Ah, perruque. 4 mentons, un ventre surdéveloppé et un cerveau. Face à face, les deux plus grands séducteurs de la planète. C'est le clash de la drague sur Skyrock. Un perruque, ça dit, t'as vu? Vous savez qu'on m'a proposé, je vais peut-être le faire d'ailleurs. C'est quoi, une perruque? Non, alors il y a une clinique de Turquie qui m'a contacté là. Ouais. Pour t'es devenu un influenceur cheveux. Ah ouais, de ouf. Non mais c'est dingue. Tu m'as proposé de faire des implants. Ouais. Donc j'ai dit ouais, les implants machin et je leur ai demandé s'ils faisaient les dents. Et ils m'ont dit que oui, donc je vais peut-être aller me faire faire les dents turques. Mais toi, non, mais ça va, t'es en placement sur la tête. En placement de produit. Ouais, je vais mettre une couronne dedans. Tu fais des cheveux plutôt. Les dents sur la tête, pourquoi pas. Ok, ça va. Ah, non, mais je vais. Tes dents sur la voilà. tête. Voilà. Non, je vais peut-être aller me faire faire les dents. D'accord. Alors, où que vous nous écoutiez, ça continue les messages. Jacques Lehouf, il a 30 ans, il dit je suis dans ma baignoire, je me rase les burnes en vous écoutant. Ah, bah, c'est sympa. Super. Vous allez pouvoir assister au clash de la drague. Salut à Renard également, qui est dans une verrerie, qui nous écoute et qui nous écoute en direct. Salut à toi. Moi, je viens de me branler, je me suis essuyé la bite et je vous écoute actuellement. Eh bien, écoute, voici une très très bonne nouvelle. Ah là, laisse-moi en un peu que je viens de te la sucer. C'est Charles qui nous envoie un message. Charles, 19 ans. Donc, bonjour la sécu, bonjour Nour, bonjour tous les autres. Et attention, assistez maintenant au clash de la drague. Le rappel des deux méthodes, Romano, ta méthode. Je suis plombier, on m'a dit qu'il y avait des trous qui puaient. Okay, donc il faut que je vienne contrôler tout ça, quoi. Très bien. Et Cédric, quelle est ta méthode? Moi, c'est mon anniversaire là vendredi. Oui. On m'a fait un cadeau. On m'a offert une poupée gonflable. Le truc il a crevé. Et du coup, putain, tu peux fermer ta gueule? Non, je parle. Imagine l'émission. Putain, c'est insupportable. Ah bah ouais. Bah vendredi sera mon anniversaire. Tu pouvais tomber malade? Bah non. Ah t'es vraiment sympa comme mec. Toi. On a déjà eu assez de malades dans l'équipe. Ah ouais non mais. Alors. C'est parti, Cédric, premier tour du clash. Bonne chance à tous les deux. Merci. Montrez-nous de quoi vous êtes capable. Faites-nous rêver. Ça, on me demande des codes promo pour les dents les cheveux. Oui, mais on fera après ça. On va d'abord faire le clash de la drague. Après, je te sourirai. Bonjour. Répondeur téléphonique. Elle prend sa voix la plus sensuelle. Bonjour. Imagine, t'as une meuf qui te parle comme ouais, ça. C'est ça. Elle te réveille le matin, elle te disait bonjour. Moi, ça me fait flipper. Je me dis tout de suite. Flip direct. Bonjour. Alors. T'as vu le surnom de répondeur où elle est? J'espère qu'elle a pris de l'oseille, la meuf qui a fait ça. Bonjour. Ah, j'avoue, il y en a un paquet, putain. Eh oui. Alors. Bonjour. Votre correspondant n'est pas. C'est sa copine, ça. Ouais. Votre correspondant n'est pas Johnny Abba actuellement. Attention, Cédric. Si ça répond pas là, tu passes ton premier tour. Ah, putain, porte pas la poisse. C'est dommage. On aurait fait 3 essais. Encore un anniversaire foireux ce soir. Eh ouais. Allô? Allô? Allô, Anthony? Et voilà. Anthony? Eh ben, tiens, passe le tour. Anthony, t'es là? Aïe. Allô, Anthony, c'est Michel. Ça passe le tour. Allô? Passe son tour, c'est Anto? LOSE2. LOSE, pardon. C'est chiant pour une méthode anniversaire. Putain. Anto? Malheureusement.
Aïe, je sens que cet anniversaire, cette année, il va puer la merde. Ah, mais ta gueule, toi, il est fou. C'est con, c'est ton anniversaire. Ah, vas-y, putain. Passe ton premier tour. Je crois que ça va être craigno sa mort. Là. Ah, fais chier. Romano, eh bien, à toi. Eh ben, putain. Eh ouais. Sacré anniversaire. Ton premier tour à toi, Romano. Tu veux manger quoi vendredi, Cédric? La pub. Non, tiens, gâteau à... À la tub. Non, un fraisier ou un... Ah, tu nous fais chier avec tes gâteaux aux fruits. C'est là. Bon, les fraisiers, j'adore. Ouais, c'est fruits, bon, toi, tu nous fais chier avec tes gâteaux. Bah, je suis d'accord avec toi, Cédric. Dégueulasse, tu rigoles. Attends, parle bien déjà. Tu aurais des gâteaux citron. Le mec, c'est le meilleur chocolatier du monde. Bonjour. Sur la messagerie du... Bonjour. Donc, je te ramènerai... Un fraisier, prends, c'est bien. Ben ouais, fraisier, c'est bien. Ah là, on en veut pas. T'es bonne, la tarte du citron, dit fou, là. Bien, le fraisier. Allô. Oui, allô. Oui, bonsoir, c'est la femme de Philippe. Oui, pourquoi? Oui, bonsoir, excusez-moi de vous déranger. C'est, vous savez, SOS dépannage, là. On nous a contacté, Philippe, il est là? A priori, il y a un problème d'odeur. Non, mais vous rigolez, là, c'est une boutade. Non, pas du tout, parce qu'on on m'a signalé que, a priori, vous sentez du trou. Ouais, non, mais c'est une blague. Comme non. Marc. Rigolo, ça. Est-ce que je peux venir vous renifler le trou, madame? Comment? Est-ce que je peux venir vous renifler le trou? Ou celui de Philippe, hein? Ou même les deux? J'ai deux narines. Un trou par narine, c'est nickel. Je peux passer, là? Bah viens, tu vas te faire accueillir. Ah, bah voilà, parce salut que... Philippe. Parce que j'aimerais bien sentir les trous de ta femme, et puis après, je vais les déboucher avec mon sexe. Et t'es qui, toi? Je suis plombier. Ah ouais? Ouais, donc c'est Jean-Louis là, Jean-Louis Gueg à l'appareil. Tu veux que je te débouche les trous toi aussi? Jean-Louis comment? Jean-Louis Gueg. Gueg. Sgeg. Gueg, le Gueg. Sgeg et associé, c'est le nom de ma société. Je vais venir là dans 5 minutes là. Ouais, bah j'appelle, je fais le 17 moi. Ouais, bah tu fais bien ce que tu veux, mais je vais déboucher le trou de cul moi. Non. Ah bah à tout de suite alors. Il est remonté. Et des remontées des goûts, enfin. Je vais tout déboucher. On m'a dit qu'il y avait, c'était bouché par de la crotte. Et du mucus. Il y a du mucus. Oui, ah, mucus, c'est mucus. Bon, ben, j'arrive, Philippe, hein. À tout de suite. Fifi. Petite invitation. Oui. Voilà, petite invitation. Conversation sympathique. Il m'a dit, t'as qu'à venir. Tu vas être bien reçu. Bah, et en plus, a priori, j'ai le comité d'accueil le 17, la police. Bon, bah, écoute, très bien, tu auras une aide d'honneur. Ah, bah, j'espère bien. Bon, c'est pas mal pour un premier tour. Bon, Cédric. Allez, vas-y. Oh, c'est dommage, allez, Cédric. Passer ton premier tour. Ah ouais, putain, fais chier. Eh ouais. Bon, j'espère que ça va te répondre, là, maintenant. J'espère que tu vas jouer à un moment. Bah oui. J'espère aussi, ouais. J'espère que je vais gagner, surtout. Bah oui, bah ça, moi. Ouais, très bien, moi. Ça, c'est une autre étape, ça. C'est très bien que vous jouez pour gagner, tous les deux, là. Ah ouais, ouais. Allô? Oui. Ouais, bonsoir, Nicolas. Il est là, s'il te plaît? Non, il est pas là. Ah, il est pas là. Bah, je t'appelais ce soir, là, parce que, tu sais, c'était mon anniversaire, là. Je le fais vendredi. Avec tous les potes, et on m'avait offert une poupée gonflable. Et le truc, c'est que je l'ai crevé, le bordel. Du coup, je peux plus faire l'amour, quoi. C'est con, ça. Ah, bah ouais, du coup, je voulais voir avec Nicolas si je pouvais pas lui faire l'amour. Ah, bah écoute, il faut que tu lui proposes. Bah, mon avis, il sera ouvert, hein. Ah ouais, non, mais j'avais parlé avec lui déjà, il avait l'air open, quoi. Ouais, et eh ben écoute, il faut le rappeler demain. Bah écoute, non, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ce soir, je vais l'attendre dans ton canapé, et si tu veux, si tu craques, tu me feras l'amour en attendant, quoi. Allez. Ouais, non. Ah, pour mon anniversaire, tu peux faire un petit cadeau. Vaut mieux voir avec Coco. Bon, bah écoute, je vais venir à la maison, je vais attendre Coco et je lui ferai l'amour demain matin, d'accord? D'accord, ok, ça marche. Bon, bah j'arrive, ma chérie, merci, hein. De rien, je t'en prie. T'es sympa, je t'embrasse. Et voilà. Et bim. Bon, bah, non, et bam. C'est bien, Cédric. Et bim, bam, boum. C'est également, une invitation. Bah, je serai Nicolas. Mais de quoi? Mais t'es complètement. Non, t'es invité pour demain matin. Bah, non, il est open, le mec. Comme tu veux. Viens, fais-lui l'amour. C'est pas grave, en tout cas, toi. Non, mais après, tu viendras pas de peine si tu perds encore. Bah, non, je perds pas. À cause de ta mythomanie maladive. Non, mais c'est bien. C'est un serrage. Ah, mais je sais pas, c'est pas arbitre. Non, mais c'est... Moi, j'ai fait les numéros. Karim, il veut pas rentrer dans l'histoire. Moi, je suis pas dans nos histoires. Ah, mais t'as besoin de te faire valider par quelqu'un? Ça sera... Là, tu dis, mais ferme ta gueule, il est fou. Pas un train, ça parle mal. Bon, dans un instant, donc, ouais, une invitation. Non, un serrage. Oui, bah oui. Vous pourrez voter. Ah, mais c'est bien. J'ai rendez-vous avec Coco. Même, t'as même fait 3, tiens. Tout s'est passé dans un canapé. Ah, on se fout dans le canapé. Mais voilà, le canapé. Allô? Allô, Benjamin? Benjamin? Allô, Benjamin? Allô, Benjamin? Allô, Benjamin? Allô, Benjamin? C'est en boucle. Allô, Benjamin? Allô, la chance, il a pas parlé. Ah, j'ai de la chance, non, c'est pas de la chance. Non, mais si, il a pas parlé. Il aurait fait. Ah oui, il aurait fait allô, il aurait accroché, c'est terrible. Bon, alors. C'est qui, maintenant? Antoine. Ah, bah, écoutez. Allô, Antoine?
Ah, bah, ouais, mais... C'est Antoine, là, qui je parle. Oui. Oui, bonsoir, excusez-moi de vous déranger, c'est SOS Plomberie à l'appareil. Là, je me permets de vous appeler, là, parce qu'on m'a signalé qu'il y avait des orifices qui sentaient mauvais chez vous. À tout hasard, en se parlant franchement, ça c'est pas... Je reconnais pas ta voix. Là, ça c'est pas ton trou de cul. Je reconnais pas ta voix en fait quoi. Oui, mais est-ce que je peux venir te renifler ton trou de cul? C'est quoi, c'est une émission de radio en fait? Non, pas du tout. D'ailleurs, si ta femme est là, je peux également lui renifler les orifices. Hein. Oui, parce... Ok, je pense pas que j'écoute votre radio. Parce qu'il y a deux narines. Une pour un trou et l'autre pour l'autre. Donc là, ce que je te propose, c'est que j'arrive dans 5 minutes. Ah bah ça serait très sympa. Voilà, comme ça après je vous renifle et puis après on fait l'amour tous les trois. Ouais bah génial. Pour débloquer tout ça. Ah ben, parce que comme ça, ça ramène un peu, ça nettoie, ça facilite le passage. Ouais, c'est important. Ouais, il faut entretenir. Ouais, après... Il faut lubrifier aussi un petit peu quand même. Bon, on va lubrifier, t'inquiète pas. Ah, ça fait plaisir. Je ramène du mucus anal d'une amie. Ah, c'est super sympa. Voilà. C'est super, ça va. Eh ben, je te dis à dans 5 minutes alors. Eh ben, ça marche. Allez, super. Bisous, à tout de suite. Allez, bisous, ciao. Et bim, et bam, et bim, et bim, bam, boum. Et ça, c'est du serrage. Je sais pas si vous avez ça, c'est un vrai serrage. Non, mais même. Hormis ce serrage-là, depuis trois coups de fil, là, c'est bam, bam, bam. Bah, ouais, c'est vrai. Invitation dans tous les sens. Là, c'est la Ligue des Champions. Ah, c'est la Ligue des Champions. Et attends, et il reste un dernier tour. Allez, vas-y, on voit, ma gueule. Dernier tour, Cédric et sa poupée gonflable. C'est ça, ouais. Pour mon anniversaire. Fous-y, nous rustile et nous fait pas chier. Cédric, excuse-moi, attends. Allô? Didier? Oui? Comment ça va, mon petit Didier? Qui c'est? Ben c'est Michel, le voisin. Je t'appelais ce soir là parce que tu sais que c'est mon anniversaire vendredi. Allô? Michel, le voisin. Ouais, j'habite. Bah ouais, c'est le voisin. T'es au courant que c'est mon anniversaire? Non, ça y avoir une erreur. Hein. Ah non, il y a pas d'erreur, Didier. Là, tous les voisins ils parlent que de ça. Et... D'ailleurs, il m'avait offert une poupée gonflable. Je l'ai crevée. Du coup, ce soir, j'aurais bien aimé te faire l'amour. Bien sûr, j'en doute pas. Ouais, tu peux me dépanner. Didier, je crois qu'il est parti. Il a raccroché. Eh dommage. Bon, Marie, ça casse un peu la lancée dans laquelle on était. Marie qui dit quand même. J'ai entendu. Je crois que ça a raccroché. T'as dit Marie. Bien vu Marie. J'ai entendu. Ça a démarré avec. Non mais merci Marie pour la bombe. Avec une invitation pour Romano, derrière une super invite pour Cédric. Après un serrage de Romano, et là je me suis dit on va faire un super serrage. Il s'est écroulé comme une merde. Ça a cassé un peu le. C'est pas mal sinon. Il est tombé comme une bouche tombe d'un cul. Bouge ta gueule, bouche. Test d'un cul de vache. Allô? Allô? François, allô? Allô, François? Non, François. Non, un autre. François. Ouh, un autre. François. Et les votes, attendez pour les votes, parce que ça vote grave déjà. Allô? C'est Bruno? Connard, il a dit. Allô, Bruno? Oui, c'est qui? C'est le plombier. Je venais pour déboucher le cul de ta femme. En direct. Va te faire mettre, connard. Bah, tu veux que je vienne? Voilà. Eh bien, on termine en beauté. Bien tenté, bon. Bon, alors, en même temps, le mec qui t'aguille avec le connard. Le mec qui est connard, bon, tu sais, je me suis dit, autant y aller en pour direct, hein. Voilà. C'est ça. Le mec, c'est pas allô, c'est connard. Connard! Très bien. C'est l'air. On vous attend en direct pour les votes, c'est parti. Donc vous, là, vous n'attendez plus. Hein. Mais c'est parti avec l'appli Skyrock, le 41759, le skyrock.fm, 23h19. Vous avez jusqu'à 23h24 pour voter pour votre préféré, Romano, Cédric. Romano, ta déclaration. Eh bien, ce soir, mes amours, une invitation et un super serrage. Eh bien, ce soir, une fois de plus, un cadeau de plus pour Cédric. Une bonne défaite qu'on va lui mettre dans la tronche. La tête qui fait. Votez Romano et Romano, je compte sur vous, mes amours. Non, t'inquiète. La fête démarre ce soir pour Cédric en votant Romano. Mano, héros MNO, je vous aime. Et rien n'est joué d'avance. C'est une belle bataille. Bon, ce soir à la famille, moi c'est bientôt mon anniversaire. Je pense que c'est l'heure de me faire un cadeau ce soir en votant Cédric. C'est EDRIC. Moi j'ai rendez-vous avec Coco. Sa femme m'a dit de venir attendre sur le canapé. Je vais lui faire l'amour. Pour ça, n'hésitez pas à me soutenir et voter Cédric. C'est EDRIC. Je vous aime très très fort. Merci. Allez. Et votez pour c'est Cédric. L'amour. À vous de voter. Mais oui, Marie, votez c'est Romano. C'est l'amour. Allez, c'est mon anniv, la famille. Merci. Votez pour moi. Non, c'est pas ton anniv, c'est vendredi. C'est vendredi, mon anniv. Votez pour moi. Et dans un instant sur Skyrock, attention, vous allez pouvoir réagir à ce que nous a laissé, au message que nous a laissé Jade tout à l'heure. Donc elle est avec son mec qui était,
toute la soirée devant la télé, mais de toute façon il passe sa journée devant la télé à regarder des c'est un sportif en sur le canapé. Ouais, c'est ça, il doit, tu sais, il doit grignoter tout ça. Sur le canapé tout le temps. Ah, on se fout dans le canapé puis je un petit peu avec elle quoi. Canapé. Merci Cédric. Bah, canapé. Attends. Un sportif sur canapé. Donc si vous avez une passion de votre, une passion de votre chérie qui vous prend la tête. Alors moi je peux te comprendre Jada, que ça te prend la tête. Il regarde du sport mais toute la journée. Matin il est sur les réseaux, après il regarde des trucs même pas en direct, n'importe quel sport, tout ça, c'est vraiment sa passion. Donc si vous avez quelqu'un comme ça, vous réagissez, vous nous laissez vos messages. Ah moi je comprends. Vous nous dites, bah moi aussi. Putain. Vous nous dites comment vous gérez l'histoire, si ça vous arrive avec un ex, avec une ex, tout ça. On vous attend en direct. Donc un fan de sport. Oui, Samy. Sport à la télé, quoi. Ah, et ce soir à la télé, il y avait le PSG. Ouais. Putain, j'étais même pas au courant. Ah, bravo. Ouais, mytho, bah, c'était quoi, les féminines match, qui jouaient? Non, j'ai pas vu. Mais non, c'était la Coupe de France. Ah, excuse-moi, pardon. 3-1, bravo le PSG. Ouais, bravo, bien joué. Champion. Champion, ouais, t'es champion. Vous allez gagner le coupe, peut-être. On va en demi-finale, ouais, c'est bien, c'est déjà pas mal. Contre les Niçois qui se sont bien battus. 3-1 pour le Paris Saint-Germain. Ça faisait longtemps que vous n'avez pas gagné un match en France. C'est vrai. Ouais, c'est vrai, je crois. On restait sur deux nuls. Et avec des nuls. Ah, ouais, bon, ça va. Merci de nous avoir signalé. Ah, bah, voiture, bon, bon, je suis là, les gars, comptez sur match. Bon, et puis vous nous appelez pour tout ce que vous voulez. Hein. Vous avez la parole tous les soirs, vous avez un truc à nous dire, un problème à gérer, une story à nous raconter, un truc qui vous a énervé. N'hésitez pas. Énervé. Tant que tu dis merci, je voulais remercier. Un truc qui vous a fait plaisir aussi. Je voulais remercier Célim et Nébil qui, pour Thomas, là. De Strasbourg, en fait, ouais, il y a Nébile qui a une chambre et tout ça, donc je les ai mis cool. en contact. Ouais, donc merci les gars. Super. Et ben voilà, vous avez besoin d'un service, vous demandez la Sky Solidarité, merci, hein. Vous me faites plaisir tous les soirs. Ouais, vous êtes bon, top. Allez, on vous attend en direct, on écoute Favé Gazo tout de suite. Et ça va encore pendant 2 minutes pour le clash. Romain Montinec, ils sont. Flashback sur Skyrock, flashback, c'était le son de Favé, de Gazo. Le doigt passe pas. Romano. Comme on dit, on sait ce qu'on a, mais on sait pas ce qu'on retrouve. Marie. Bah ouais, dans ces cas, tu en as les chiottes. Cédric. Samy. Eh, t'inquiète. Karim. Viens, on ken la brebis. Gigi. Gros bisous. Et Medellin. C'est la plus grande radio libre de France. What the fuck? Radio libre. 21h minuit sur Skyrock. Et ouais, en direct, on est là tous les soirs. 01 53 40 30 20 pour nous appeler. C'est fini pour les votes du clash. Merci d'avoir voté. Merci à vous tous et à vous toutes. Ouais. Vous aurez les résultats dans un instant. On est en train de calculer tout ça. Vous avez voté comme des oufs. Pour Cédric, pour Romano, pour Cédric. Pour les deux, eh bien, résultat dans un instant sur Skyrock. On est de Jade aux yeux bleus qui nous a laissé un message là tout à l'heure par rapport à son mec et sa passion. Son mec passe son temps sur le canapé. À regarder des trucs de sport, tous les sports. Mon père, il adore aussi regarder le sport. Ouais, moi, mon père aussi, mais bon. Voilà. Il en fait un petit peu après, quand même. Après, moi, le mien, sans. Ah ouais, pas du tout. Il n'aime pas le sport. Ah non. Mais je pense que je tiens de lui. Toi, le sport, c'est pas ton truc. Si, putain, c'est un truc de haut. Et s'il aime bien le patinage artistique. Ah ouais. Ah, je peux aller. Il double Axel. Non, mais ouais, il est bien, tu sais. Il aime bien regarder ça, ouais. Alors, je vais te rassurer, Jade aux yeux bleus, là. Merci pour ton message, d'ailleurs. Faites comme Jade, hein, vous envoyez vos messages avec votre appli Skyrock, le 41759, le skyrock.fm, mais vous nous appelez pour tout ce que vous voulez, y compris pour résoudre des problèmes de couple. Elle a qu'à faire, alors, tiens, une solution. La solution de Maïmouna, qui nous dit, elle a qu'à faire du sport avec lui. Elle monte sur le canapé quand il regarde la télé. Ah, ça va sans doute plus l'intéresser. Je suis pas sûr. Ah non, c'est relou. S'il est vraiment passionné par son truc, je suis. Ah, sinon, tu débranches la télé. Moi, j'ai eu un ex là qui était fan de crypto et tout, mais il passait mes 8 heures là-dessus. Mais à crypto-monnaie ? Ah ouais, non, mais je devenais dingue. Il a gagné de l'argent ou pas ? Ouais, il gagne de la thune de ouf, mais bon, bah, c'est bien. Il est dessus tout le temps. Non, mais je n'en pouvais plus. Toujours sur l'ordi ou quoi ? Ouais, c'est ça. Et il me disait, tu sais, genre. Une passion avorissante, ça peut bousiller un couple. Il me disait, genre, je vais prendre ma douche, regarde s'il n'y a pas une allumette rouge ou je sais pas quoi, là, je sais plus comment on appelle ça, là, qui monte sur sa crypto. Tu vois, là, ah ouais, pour regarder, les trucs. Ouais, les trucs. Et il me dit, tant que je suis dans la douche, si ça monte, tu me le dis et tout. Donc, je devenais ouf. Et quand ça montait, t'allais lui dire et il sortait de la bah, douche. Bah, je lui disais, ah ouais. Ah ouais. Ah bah oui. Ah oui, d'accord, ok. Ah et, non, mais tu es en train de monter le mucus dans ma culotte. Ça faisait chier. Mais c'est à cause de ça que vous avez rompu? Bah, en partie, parce qu'il me faisait, ouais, il m'emmerdait. Ah ouais. Après, j'ai eu un mec qui était passionné de son et ça je kiffais, tu vois. Ça, c'était plutôt pas mal parce qu'on écoutait à peu près les mêmes musiques, donc ça allait, quoi. D'ailleurs, je voudrais vous faire écouter un son que... Oh non, je t'en supplie. Si, si. Non, je t'en supplie. C'est bon, merci, Marie. Non, c'est bon, on n'a pas le temps, Pourquoi? La musique, elle marche plus. Écoutez, j'ai sur mon téléphone, c'est un de mes sons préférés. Ah ouais, stylé. Ah ouais, c'était super, non? C'est électro, un peu. Qu'est-ce que vous en pensez? J'adore. C'est à la ZAD, il tape sur des tuyaux. Ah ouais? Ah putain, je vous ai pas raconté. Vous avez reconnu ce truc-là?
Bonjour. Bonjour. Je vais vous expliquer mes techniques de base pour jouer du xylophone. Non, merci. Merci, Marie. Non, merci pour le xylophone. C'est du xylophone, c'est ce qu'ils veulent mettre dans les hôpitaux à la place des bip-bip, on en parlait ce matin. Ouais. C'est les bip-bip qui stressent, là. Bip. Ah, mais ça, c'est encore plus stressant, ça. Bip. De quoi, les bip des machines, quoi, ouais. Ah, d'accord, ok. Genre les trucs cardiogrammes, là. Ils veulent remplacer ça par du xylophone, les mecs sont complètement tarés. C'est encore plus stressant. Ouais, ça change pas grand-chose. C'est comme les bip, tu sais, pour les. Mais quel est l'intérêt? Bah, c'est pour détendre les patients. Hein, mais moi tu me mets ça, je deviens ouf. Ah, moi ça me rend malade, ouais. Fais-moi ça, ouais. Mettez-moi des pipes. Non, au lieu de faire de la merde, embaucher des médecins. Est-ce qu'ils rentrent? C'est les Américains qui ont l'idée. Ce qui rentre, c'est les bip-bip, tu sais, des ceintures de sécurité, là. Moi, quand je prends des pipes. Oui, mais il faut l'attacher, Marie. Ah bon? Non, mais ça fait. Ah ouais? Ah, ça sert à ça? Non, mais à chaque fois. Alors, Marie, il faut l'attacher. Je sais, non, mais je l'attache, mais ça rend ouf. T'as à peine le cul sur le truc, ça va tout. Bah, ça veut dire qu'il faut mettre ta ceinture. Déjà, faut trouver le trou. Bah, ouais. Oui, non, mais ça va, c'est pas non plus. Non, mais sinon. Ouais. C'est pas un truc de dingue non plus que de mettre une ceinture, hein. C'est pas. Non, mais c'est sûr, mais ça doit les rendre dingue. Dingue, pardon. Qui que ça rend dingue? Bah, non, mais les chauffeurs, si c'est ça à chaque fois. Non, mais en fait, ils demandent aux gens de mettre la ceinture en général. Ça rend ouf. Bah, ils mettent la ceinture. Puis voilà. Ouais, non, mais je sais bien, enfin bon. Oui, non, mais je sais pas. Mais en fait, je vois pas ce qu'il y a de. Non, mais on parlait des bips. Oui, mais d'accord, mais le bip, si tu mets ta ceinture, tu sais, tu l'entends jamais. Par exemple, moi, dans ma voiture, je l'entends jamais. Par contre, si tu es à l'hôpital et que tu n'entends plus les bips, c'est qu'il y a un problème. Inquiète-toi, alors. Ouais. Même si tu n'entends plus le xylophone, du coup. Justement, au contraire, Difool. Ah ouais. En fait, le bip, c'est un bip continu quand t'es mort. S'il accélère, ah oui, c'est vrai, ouais. C'est que c'est pas bon. Ah oui, c'est vrai, ouais. En fait, c'est quand tu l'entends, ça fait marre. Ce que je dis, si ça arrête de faire bip. Ah ouais, si t'entends plus le bip, c'est ça, ouais. Ouais, c'est mauvais signe. Ah, ça fait. Donc c'est mauvais signe. Bon, je voulais vous raconter un truc. Ah, oula, voici donc l'histoire là. On va Il était une fois. La petite histoire de la Marie. Non mais la nuit dernière, j'ai eu l'appel d'une copine qui était en pleurs. C'est un rapport avec les passions ou pas du tout? Avec le cul. D'accord, très bien. Donc on reviendra à vos passions parce qu'il y a plein de messages que vous nous laissez, vos témoignages en direct, comment vous gérez cette histoire. Et d'ailleurs un petit salut. D'ailleurs tu n'es pas toute seule. Parce que je suis sur les messages, après je vais les oublier. Tu n'es pas toute seule, Jade aux yeux bleus, à être victime de ce genre de truc. Inès a un mec, c'est un sportif sur canapé, elle nous dit. Voilà, mais ça fait quand même 15 ans qu'on est ensemble. Ben, c'est super, Inès. Il y a Jenna qui nous dit, moi mon mec il parle que de foot tout au long de la journée. C'est vrai que c'est un petit peu relou. Ouais, tout le temps, mais sinon il est super gentil avec moi et je l'aime. Bah ben, voilà, ça c'est un beau. Ça vraiment il était comme ça, il parlait tout le temps du PSG quoi. Oui, ça me. Il y en a qui sont Samy et Karim, vous parlez beaucoup. Ouais, quand on se voit on discute foot. Ouais, mais pas que. Et vous faites chier, tu fais chier ta meuf, Samy, avec le foot? Bah, quand il y a l'OM, j'aime bien regarder le match. C'est le seul truc, moi, après, je regarde pas trop les autres matchs, Moi, je regarde tous les matchs les week-ends, gros, c'est la télé, c'est moi. Et ta meuf, elle a jamais, ta femme, elle a jamais, Elle regarde la semaine, la télé. Ah ouais, c'est la semaine, c'est elle, le week-end, c'est toi. Mais elles font quoi pendant que vous regardez le match? Elle fait le ménage, elle fait à manger. C'est un truc de meuf, quoi. Non, moi, ma meuf, si on regarde le match, c'est qu'on est entre potes et elle est avec les meufs des potes. Non, moi, même tout seul, le match. Ouais, c'est ça, ouais. Après, si MJR, on a un truc prévu, on a un resto, un truc, mais je vais pas regarder le match. Pas les couilles, je regarde les matchs. Je mets sur le téléphone, en discrète. Non, mais bien sûr que tu regardes le match avec le téléphone. Oui, mais discrètement, mais j'ai pas niqué une soirée pour un match de foot, même c'est l'OM. Tu sais, il y a vraiment un truc. Samy, il bouffe, mais il a le téléphone et le match de l'OM. Tu surveilles un peu le score, le truc, tu vois. Il y a Luna du 72 qui, elle, adore le sport. C'est mon mec qui aime pas. Comme quoi, vous voyez, tout arrive. Bah, ouais, évidemment. Et Amélie, même chose. Son mec, qui regarde du sport tout le temps. C'est vrai que c'était un petit peu relou, mais j'ai commencé à m'intéresser au match. Mais écoute, non, mais c'est vrai, ça peut être intéressant. Non, mais c'est mieux de partager une passion commune quand t'es. Tu vois, moi, après, j'avais fait un rejet parce que j'ai eu des mecs qui regardaient le basket, ça me saoulait. Et à partir du moment où j'ai plus eu de mec qui a regardé le basket, je me suis mise dessus et là, j'aime. Ah, c'est juste l'esprit de contradiction. Ouais, exactement. Juste pour faire chier le monde. Ouais, c'est ça. Juste pour faire chier, ouais. Oui, c'est vrai, c'est pour faire chier le monde. Bon, on reviendra aux passions dans le couple, les passions qui peuvent vous réunir ou alors les passions qui peuvent vous énerver. On en reparle dans un instant. Voici tout de suite la petite histoire. Ah ouais, Marie, la Marie. Non, ouais, mais c'est pas drôle. Il était une fois. Ah ouais, c'est pas drôle, ça va être. Non, mais était une fois. Elle est morte. Non, mais. En fait, il y a peut-être un mois, elle m'avait appelé en pleurs pendant la nuit en me disant, ouais, mon mec m'a trompé. Ok, bon. J'avais pas eu complètement. Mais je sais, il est dans mon cul. C'est moi qui baise. Et en fait, cette nuit, elle m'a appelé, mais en pleurs, parce qu'elle vient de se rendre compte qu'en fait. T'imagines, t'as un pote, il t'appelle, le mec, chaque fois qu'il t'appelle, il chiale. Non, mais c'est mon ami, tu vois. Mais quand elle va pas bien, je suis contente qu'elle m'appelle. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Moi, la nuit, je. Raison, je la réponds, milieu de la vois. Nuit, moyen quand même.
Ouais, mais la nuit, je réponds, elle sait. Des fois, la nuit, moi, je dors. Hein, je... Ouais, moi aussi. Non, mais en plus, elle a des horaires où elle sort du boulot à 2 heures. Le téléphone, il est en silence. Ah, peut m'appeler 1000 fois. Ouais, en silence, moi. Ouais, pareil, ouais, tu peux m'appeler. Moi, j'ai répondu au bout du 3e appel où je me suis dit, il y a vraiment problème. J'étais bourré, j'entendais pas avant. Mais non, même pas, j'étais au lit, j'étais peinarde, quoi. Et en fait, donc, elle m'avait dit, mon mec m'a trompé. Et là, elle vient de se rendre compte que c'était avec des mecs. Ah. Et en fait, elle a découvert avec 5 mecs différents des discussions. C'est-à-dire que ils draguent des mecs et tout ça. Et ça faisait combien de temps qu'ils étaient ensemble? Bah ça fait, ils sont toujours ensemble. Hein. Ah, ils ça sont toujours fait ensemble. Peut-être 3 ans. Bah moi, j'ai toujours dit que si je me faisais tromper par, tu vois, je trouve ça moins vexant. Ouais, c'est moins grave. Ouais, mais tu te fais tromper quand même. T'es quand même cocu, mais bon. Mais je trouve ça quelque part. Tu dis qu'il a changé de bord et puis. Je trouve ça moins pire, ouais. Ouais, tu vois, il a. Je dis, elle a envie d'autre chose. Ouais, de changer, de trouver. C'est un peu moins pire. En tout cas, ta pote a réussi à dégoûter son mec des femmes. Non mais regarde, ma copine, ça, elle, c'est pas super, ma copine, elle est bi. Hein. Elle a eu des nanas et tout avant, machin. Donc. Elle savait pas que lui, il était bi aussi. Exactement. Et en fait, elle est hyper vexée du fait qu'il lui ait pas dit déjà qu'il kiffait les mecs, alors que elle a toujours dit qu'elle kiffait les nanas. Mais peut-être qu'au départ, il kiffait pas, tu vois. Il a peut-être découvert. Mais c'est ce que je pense. Sa bisexualité plus tard, quoi. Mais c'est ce que je pense. Et je lui dis, je pense pas qu'il ait fait quelque chose. Parce qu'en fait, du coup, j'ai eu son mec au téléphone. Et t'as appelé son mec? Bah, je l'ai eu au téléphone parce qu'il m'a appelé, parce qu'il a vu qu'il m'appelait, qu'elle m'appelait. Mais je les connais très bien tous les deux. Ouais. Et il m'a dit. En fait, tu continues l'émission après l'émission, c'est bien. Ouais, totalement. Mais ils sont mes amis, donc voilà. C'est bien, ouais. Et il m'a dit, Marie, je te jure sur la tête de mon fils que j'ai pas pris dans le cul ou quoi que ce soit. Il a rien fait vraiment physiquement. Mon Dieu, putain. Mais ouais, mais j'essaie. Ouais, mais j'essaie de dire à ma copine. 3h du matin. Eh, ma chérie, je te jure, j'ai pas pris dans le cul. Non, mais ouais, mais c'est leur discussion, tu vois. Et ce que je disais à ma copine, je disais, mais moi, il m'a juré sur la tête de votre enfant qu'il avait rien fait. Elle n'y croit pas et elle est hyper mal. Donc moi, j'ai quand même passé 3 heures au téléphone. Tu sais, moi je serais d'accord avec 3 heures au téléphone. Oh. Bah entre les deux, ouais. Ah oui, c'est long. Bah ouais, mais j'avais pas. C'est comme si depuis 21 heures on ne parlait que de ça. Non, mais t'as un sujet dans l'émission, c'est mono sujet. Non, mais puis il a pris dans le cul. Pour avoir parlé avec Marie la nuit, par exemple, on se parlait pas mal pendant le confinement, c'est parce qu'on avait un peu que ça à foutre. Ouais. Oui. Eh ben, je peux te dire qu'à un moment donné, Marie, tu ne comprends plus ce qu'elle dit tellement elle est bourrée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. Ouais, j'ai écouté. Bah, attends, oui, Marie, je suis à peu près d'accord. Non, mais là, en plus, je picolais dans mon lit. Non, j'étais dans mon lit, je picolais tu pas du tout. Que ça a duré 3 heures, le mec était là, Marie, je ne comprends pas ce que tu non, dis. Non, mais tu sais que. Déjà, au début, je me suis dit, putain, je vais passer toute la nuit à les gérer et tout. 3 heures. Non, mais hyper compliqué. Mais je sais pas comment la rassurer en fait. Franchement, t'as pas à la rassurer. D'abord, c'est leur histoire de couple. Et puis, le deuxième, je pense qu'elle a. En plus, je pense, moi, je suis plutôt que de l'avis de ta copine. Ouais, tu penses qu'il a fait. Quand t'as envie de. Les mecs, vous nous avez souvent dit, vous qui préférez les garçons, vous nous avez souvent dit que quand vous cherchez, vous trouvez facile, une petite histoire de cul, ça se trouve facile. Je vois pas. Qui s'est fait. Qu'il est consommé. Bah, bien sûr. Ah ouais, non, mais c'est certain. Ouais. Ah, t'es d'accord avec moi. Ah ouais, tu penses ça aussi. Bah, quand même. Hein. Non, mais nous. Comme vous aimez le dire, les filles, nous on est beaucoup moins cérébraux que vous sur l'amour. Non, mais je suis d'accord, mais nous, là, voilà, il y a pas de truc discussion machin. C'est le mec qui s'est fait péter l'oignon et puis voilà. Quoi. Ouais, mais il a pété un oignon. Ou alors, les deux. Non, mais mon pote, il m'a dit, je voudrais essayer, mais j'arrive pas à le faire. Et je sais qu'il était pas comme ça au début en fait. Ah, Pipo, je pense que c'est l'enfant qui l'a rendu. Pipo, le mec, il en a pris. Après, je sais pas, tu vois, je suis pas dans le couple, mais je sais pas quoi faire pour la rassurer. La prochaine fois, demande-lui. Je pourrais voir ton anus pour voir. Ah ouais. Non, parce que ça fait. Ouais, je vous avais dit, elle m'avait déjà appelé il y a quelques mois, tu vois, donc ouais, un mois ou deux mois. Et donc déjà, elle avait des doutes. C'est pour ça qu'elle a trouvé le truc. Je sais pas comment la rassurer. J'y arrive pas, quoi. Mais la rassurer de quoi? Elle a rassuré parce que lui me dit qu'il a rien fait. Et mais tout. Il a qu'à lui dire, lui, au lieu de passer par toi. Bah, il lui a dit, j'imagine. Puis à 3h du matin. Il lui a dit. Non, mais il lui a dit. Il lui a dit. Il a peut-être menti. Ouais. Alors moi, je suis complètement d'accord avec Difool. Ou alors il a dit la vérité. Il t'a dit, je te jure que j'ai rien rassuré mes enfants. Il m'a dit, je découvre ma bisexualité, j'ai encore rien fait. Non, il t'a dit, j'ai pas pris dans le cul, il t'a dit. Donc ça veut peut-être dire qu'il a fait un truc. Non, mais peut-être qu'ils se sont juste. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Peut-être qu'il m'a juste fait cette phrase pour. Mais c'est sûr et certain. Pas te mentir. Attends, nous on est des mecs. T'sais, les mecs, on va pas s'amuser. En plus, à chaque fois qu'on en a parlé dans l'émission, à chaque fois qu'on a eu des personnes bi ou gays, hommes,
il disait que c'était beaucoup plus cash, tu vois. Les appuis, ça se rend compte, ça se mèse, tu vois. Ouais, c'est mais pas... là, il découvre le truc. Bah, il découvre, ouais, c'est bon, t'as une bite dans la bouche, tu vois pas, genre, il discute avec cinq mecs comme ça, il fait rien. Ouais. Bah, je crois pas. Ah, mais pas une seconde. Et à apparemment, limite, vois, il a renvoyé sa bite en photo. Dans le sens inverse, tu m'aurais dit, c'est une meuf, elle fait ça. Je lui dirais, ouais, tu sais, les meufs aimaient bien les trucs, les cucuteries un peu, là. L'image que t'as des filles. En tout cas, ma copine, elle est comme vous. Ah, mais tu vois, mais. Moi, je suis d'accord avec ta copine, Marie. Ouais. Bah, je sais pas, moi, j'ai tendance à le croire, lui, mais bon. Ouais, mais bon. C'est un peu niaise. Il y a des réactions, déjà. Sans doute. Appelez Gringo, et merci pour. Il répond pas, gros. Il répond pas, Gringo, je vais lire son message. Moi, j'ai un pote, ça me rappelle mon chien, Mehmet. Il avait un surnom. C'était El Gringo Zizi. Ah, oui, c'est vrai. C'était l'annonce trouvé par Cariole. Elle n'a pas trouvé des surnoms à Médéline? Quoi elle l'appelle Médéline? Si elle a des noms. Forcément. Non, mais ma beauté, ma princesse. Ah, c'est des trucs assez classiques. Oui, classique. Tiens, Gringo, donc. Message, il a défilé, il faut que je retrouve. Ben, je ne retrouve pas parce qu'il y en a eu plein d'ici. Ben voilà, je ne retrouve pas, je suis con. Ah. Bon, il nous expliquait en gros, Gringo, qu'il avait eu un pote qui était. Bah, qui était comme ça, qui était parti après vivre avec des mecs. Il a découvert son homosexualité sur le tard. Ou il a découvert un nouveau truc qui lui a plu, puis Bah, de toute façon, même quand t'es bi et que t'es avec quelqu'un, c'est que tu trompes. Donc, Tu vois, Rachid B92. Salut Rachid. Exactement, Romano. Ah. C'est le but de son message. Ah, c'est pour ça que tu le lis. Non, mais il est bi. C'est dans son pseudo, Rachid B92. Oui. D'ailleurs, moi, ça a commencé par la pipe et les pseudos, c'est venu bien après. Et la pseudo, c'est venu bien après. Il sous-entend que le mec, ouais, comme tu disais, Difool, je me suis pas fait enculer ou j'ai pas enculé. Donc il a pas menti. Ouais, il a pas menti, mais il a fait d'autres trucs. C'est vrai que vous avez pas tort. Genre des cette phrase, effectivement, ouais. Elle est bizarre, cette phrase. Je jure sur la tête de mes enfants que j'ai pas pris dans le cul. Il dit pas qu'il a pas eu de relation. Et puis bon, à 4h du matin, en train de parler avec Marie, j'imagine l'état du mec aussi au téléphone, quoi. J'ai eu, message de Rafiki qui pense exactement la même chose que nous. Il a tout pris dans la bouche, te dit. C'est vrai. Ah, peut-être, Voilà. Merci pour vos messages. Oh, c'est excellent. Non, mais il y a pas toi. Oh là, bon appétit. Horrible. C'est vrai on te voit te. Oh là, je me purlèche les babines. On te voit te mordiller les lèvres, mais on t'entend pas beaucoup. Ah là, je me suis accroché à la table, Diffiol. Bon, écoutez, vous pouvez réagir là-dessus si vous avez un petit conseil à donner à la Marie, à la copine de Marie. Merci. Après, bon. C'est compliqué. C'est quoi, c'est plus compliqué pour la meuf que pour lui, hein. Lui, bon. C'est ça, elle est pas bien. Lui, il se tape ses délires, quoi. Ouais, moi je pense surtout. Non, mais lui, il est pas bien non plus, hein. Il a pleuré carrément au téléphone, hein. Bah, tu te mets dans le sens inverse, moi je me mets dans le sens inverse, je serais mal, mais bon. En étant la meuf, t'es cocu. Ah bah oui. Ah non, mais oui, c'est ce que je dis. Ouais, le plus dur, c'est pour la meuf. Lui, le mec. Il a la belle vie. Il suce des bites. Il y a pire dans la vie, hein. Bon, allez, je vais vous donner les résultats du clash de la drague. Wade, envoie-moi les résultats. Les résultats du clash, vous les attendez. Ils sont là. Vous avez voté pour Romano ou pour Cédric ce soir. Pour qui avez-vous voté? Qui a gagné le clash? Ah, c'est pas l'autre con. C'est l'autre con. Je déteste quand Cédric ou Romano, ils regardent les résultats avant que je les donne. Non, mais j'ai cru voir que c'était l'autre con. Mais d'abord. Ah ouais? Ah putain, ça serait une bonne nouvelle. C'est marqué comme ça sur la feuille. Mais non, c'est pas marqué comme ça. L'autre con, bien sûr. 52%. Qui a gagné le clash? Abruti, 48. De ce soir. Alors, le gagnant putain, du clash. Ça m'énerve, là. Il me nique mes stats du mois de mars. Non, en plus, c'était sympa le clash ce soir, donc ça mérite. Bon, il y a eu beaucoup de votes en tout cas. Ça mérite des beaux scores pour les deux. Ah, beau score. 61% pour le gagnant ce soir. De qui a gagné le clash ce soir? Allons-y. Attends, je fais une vidéo. Tu fais une vidéo. Attends, juste deux secondes, Difool. Vas-y, filme-moi. Je suis beau gosse en plus. Parce que t'es beau gosse ce soir. Attends, t'es un mec, je me recoiffe. Putain, ça fait tellement plaisir. Ah ouais. Vas-y, c'est bizarre de dire ça. Également filmer Romano. Allez, Difool, ça y est, je te filme. Le gagnant du clash de ce soir avec 61% de vos voix est... Ah, vas-y, tu peux me filmer? Allez, vas-y. Filme-moi. Allez, j'ai des cheveux. Regarde. Ah ouais. Le gagnant est. Allez, vas-y, c'est bon, on l'annule. Romano est. Oui. Toi, t'avais mal joué, Romano. Et bim. Et bam. Et boum. Et bim, bam, boum. Et voilà. Putain. Oh putain, je te baise. 61% des voix. Tiens, bon anniversaire, 39. Encore. Mais c'est incroyable, pour mon anniversaire, vous ne me faites pas un cadeau. Bah, c'est pas pour l'anniversaire.
Mais c'est la semaine de mon anniversaire. Non, mais bordel. Tu te souviens pas, c'est c'était pas les dernières où il y a 2 ans, même chose de ton anniversaire, t'avais perdu. Non, les dernières, elle a gagné. Mais je crois qu'il y a 12, ou il y a quelques, en tout cas, il y a une année où t'avais perdu, c'est, t'avais foutu la haine, mais. Bah, tu m'étonnes, ça fout la haine. Allez, ouais. Vendredi, tu bois un petit coup. Allez. Ah, si je vendredi, gagne, on fait la drague, si je gagne pas, non. Allez, vendredi, on fait une grosse teuf. Ah ouais, ça va être la fête. Grosse teuf pour toi, c'est vrai. C'est vrai qu'on amène des prostituées et tout, hein. Ouais, bon, ça va pas, non. Jamais, je m'occupe de la drogue. D'un, magnifique. Ah, ouais. Il va pas bon, bien, merci les gars. Pour vos votes, 61-39. Et un nouveau clash. Putain, je suis dégoûté, ça, merde. Vendredi soir, hein, sur Skyrock, ne loupez pas le rendez-vous. Et pour la suite, allez, des réactions, plein de réactions pour ce que vous nous dites. Pour Jade, allez, on va y revenir pour Jade. Les passions qui vous rapprochent ou alors qui vous éloignent. Jade avec son mec qui passe son temps à regarder le sport à la télé. Ouais, c'est ça, du ouais. Matin au soir, à la télé, sur les réseaux. Canapé, ouais. Et elle, elle en peut plus. Ah, moi, je lui dirais, ça me gave, tu me gaves. Bah, ah oui, il faut dire les choses. Non, mais tiens, bah, il y a Morin qui nous dit. Totalement, mais je lui dirais, vas-y, tu me saoules avec ton truc là. Bon, Morin, il nous dit, c'est normal qu'elle soit énervée parce que s'il s'occupe pas d'elle, c'est un manque de respect. Non, mais c'est clair. Non, mais c'est clair. Je suis d'accord avec toi, Morin. Non, mais si t'es posé à côté et puis tu te fais chier, tu vois. Non, mais c'est toute la journée. Ouais. Tu vois, par exemple, tu regardes un match par semaine parce que t'es fan d'une équipe ou. Voilà, tu sais. Ouais, c'est ça, tu sais quand il a fond. Bon, après, là, le mec, il passe du sport automobile à des matchs de foot. Et puis t'en as la nuit, t'en as la journée, t'as tout. Hein. Mais laissez le film, j'ai envie de vous dire, laissez le vivre sa vie s'il a envie de regarder la télé. Ouais, t'as ta meuf à côté. Mais alors, gros. Tu partages des trucs avec ta meuf. On partage la télé ensemble, elle est à côté de moi. On regarde ensemble, si elle ne peut pas regarder. Elle regarde autre chose, elle prend son téléphone, elle se démerde. Et passe toute leur vie comme ça. Mais si moi, si j'ai envie de regarder du sport, tu vois ce que je veux dire. Je fais ce que je veux. Mais elle peut avoir envie de faire autre chose, tu vois. Ah ouais, pas tout. Ouais, temps. Mais après, elle fait ce qu'elle veut, tu mais vois. Mais autre chose ensemble. Ouais, mais il y a des moments où on fait des choses ensemble, mais quand je regarde du sport, tu sais, je regarde du sport. Mais elle, c'est tout. Mais je regarde pas du sport tous les jours, toute la semaine, par exemple. Le week-end, par contre, moi, personnellement, je regarde que du sport. Oui. Le alors, le problème de Jade, c'est que c'est du matin au soir et que c'est tout le temps. Pareil. Ah, moi, c'est que le week-end. D'accord. Okay. Tout le temps. Le week-end, ta meuf, elle est. Ça, c'est l'angoisse quand même. Tu la mets sur la touche, quoi. En tout cas, une vie de couple. La semaine, tu sais, la semaine, on se voit, on peut sortir, tu vois. Mais ouais, mais des fois, t'as envie de te balader. Mais quand je te dis H24, je suis pas H24 dès que je me réveille jusqu'à ce que je dors. Ouais, assis sur le canapé. Mais quand il y a des matchs, je regarde mes matchs, les gars. Après, quand il n'y a pas de match entre temps, tu vois, je suis là, je suis avec elle. Bon, allez, on a 15 minutes entre deux matchs. Non, même pas, des fois, t'as des 2 heures, tu vois. Ouais, des fois, il y a même pas de match. Des 2 heures, des fois, il y a même pas de match, tu vois, ça dépend. Mais quand il y a mes matchs, je regarde mes matchs, les gars, tu vois. Ok. Moi, je suis comme ça. D'accord, ok. Mais donc, tu comprends, en fait, le mec de Jade. Ouais. Mais lui, c'est toute non, la après, journée, tous la semaine, les jours, non, toute la semaine, non, mais déjà, il n'a pas de travail. Ouais, c'est un live, le mec, aussi, tu vois, il n'a pas de travail. Il n'a pas de travail. Non, mais peut-être qu'il fait rien, tu vois. C'est peut-être ça aussi, hein. Bon. Parce que, on a vu ce cas-là, je me souviens, là, il y a quelques semaines, ou peut-être quelques mois, je n'ai plus la notion du temps dans cette émission. C'est là, bien. Mais, non, mais on avait eu une fille qui nous avait appelé, je sais plus, désolé, parce que moi, les prénoms, j'ai du mal avec les prénoms. Ouais. Mais elle nous avait appelé. Moi, c'est Patrick. Ah, bonjour Patrick. Bonsoir. C'est vous qui avez perdu le clash, donc. Voilà. Ah ouais, c'est bien vous. Ouais. Non, mais vous vous souvenez pas, elle nous avait appelé parce que son mec, il foutait rien et elle en pouvait plus, tu vois. La meuf, elle serrait. Et là, c'est peut-être ouais, ça. C'est vrai. Parce que si le mec, il regarde tout le temps la télé et qu'il fait non, rien. Mais il inverse, et en plus de ça, qu'il fait rien de sa vie, au bout d'un moment, tu moi, je pense que c'est juste le truc qu'ils partagent rien ensemble. Ah, mais c'est ça. Bah oui. Non, mais même, tu vois, t'es. Sa passion, pas, c'est mettons, elle va bosser, lui, il est là, il regarde ses trucs, elle rentre, le mec, genre, il a pas bougé du canapé. Mon mec qui se réveille la nuit pour regarder les matchs de basket. Ah, c'est Estelle qui nous envoie un message. Estelle du 83. Salut à toi Estelle. JL du 54. Je passe tous mes week-ends devant le foot. Heureusement, je suis célibataire. Voilà, ça va. Moi, tu passes ton temps et tu fais chier personne. Ça, c'est pas mal. Il y a Rafik aussi qui est en ligne avec nous en direct du 77. Salut ouais, Rafik. Rafik. Coucou. Ouais. Salut tout le monde. Comment ouais, tu vas Rafik? Bienvenue sur Sky Rafik. Merci. T'as 35 ans. T'es où dans le 77 toi? À 77, à Savigny-le-Temps. Très bien, salut Savigny. Et est-ce que t'as une passion, ou est-ce que ta chérie, je sais pas si t'as une chérie d'ailleurs, t'es avec ouais, une... Ouais, si, j'ai une femme, j'ai deux enfants. Ok, et est-ce qu'il y a déjà une passion de l'un ou de l'autre d'ailleurs qui vous a pris la tête dans votre couple? Ouais, moi c'est la console. Ah, parce qu'il y a eu pas mal de messages d'ailleurs sur la console aussi. Ouais, hein. C'est vrai, ouais. Mais t'y restes longtemps? Je restais longtemps jusqu'à que j'ai mon troisième enfant et depuis j'ai arrêté parce que ça prend beaucoup de temps maintenant. Ah d'accord, donc tu t'es pris des coups de pression de ta deux, femme ça allait, non mais pas non c'est que en fin de compte je la voyais qu'elle était là, elle galérait, elle faisait rien, je suis en train de jouer tout seul. Pas d'échange entre nous, donc au bout d'un moment je me suis fait une réflexion, je me suis dit bon allez. T'as attendu le troisième enfant quand même. Ouais mais bon c'est parce que c'est mon premier avec elle.
Allez, d'accord. Les deux autres sont pas à toi. Ok. Si, si, ils sont à moi, mais avec une autre femme. Ah, ok, d'accord. Et ouais, donc ok, donc j'ai compris. C'est en fait, c'est. Donc elle s'occupait de tes enfants et tout ça, et puis toi. Non, mais bon, ça t'a fait réagir. En le gros, conseil que je peux donner à Jade, donc j'ai tout compris, Rafik, c'est de faire des enfants. Oui. Non, mais ça... Voilà, t'as lu plein d'enfants. En fait, c'est surtout d'essayer de s'occuper de son mec ou de lui péter la télé si vraiment elle en a marre, quoi. Non, mais Rafik, c'est pas mal ça aussi. T'as une prise de conscience en fait, toi, Rafik. Ben, c'est ça, mais tu t'es arrêté au troisième enfant avec ta meuf actuelle. Mais 4 fois, Marie, tu lui non, mais attends, la question. Non, j'ai 3 enfants. J'en ai 2 avec une première femme. Voilà, avec ta première femme. Avec tes 2 enfants et ta première femme, c'était déjà le bordel. Tu faisais déjà ça. Ah, j'étais à fond sur la console. Et en fait, après, en vérité, je m'en foutais de mon ex. Ouais, et tu t'es séparé. Là maintenant, ouais, une nouvelle meuf. Ah, voilà. Voilà, nouvelle vie, tout va bien. Et on t'as entendu une troisième enfant. Exactement, Marie. Bah oui. C'est ça, c'est ça. En fait, tu t'es dit en gros, ouais, ça fout de mon couple en l'air, il faut que je me calme un peu. Mais, ah ouais, parce que t'as déjà eu. Que tu as attendu une troisième enfant. Comme de la merde. Non, mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'il avait déjà eu l'expérience avec la première, tu vois. C'est parti pour un tour. Mais non, mais c'était. Bon, non, mais c'était. On a compris. Bon, non, mais on rigolait, mais c'était pas con la question, là, Marie. Ah oui. Bah oui. Et donc. Et donc, voilà. Qu'est-ce que. Troisième. Et donc, du coup, c'était pour interagir avec l'histoire de Marie par rapport à ses amis, là. Ah, toi, t'es pratique. Donc, tu donnes déjà un conseil à Jade aux yeux bleus, et donc maintenant le conseil pour le pote. À la base, je pensais que c'est pour ça qu'on m'appelait, et puis en fin de compte, moi pour moi, je suis d'accord avec Romano. Hein, si le gars il est déjà là en train de discuter avec 5 bonhommes, faut pas croire qu'il fait que discuter. C'est sûr que soit il s'était tapé dans le fond, soit il a été déjà tiré une turlute. Hein. Tapé dans le fond. D'accord, c'est bien résumé. Ah, moi je vois, moi. Et d'ailleurs, moi, je pense qu'il cherche, mais qu'il a pas fait. Il y a Yudi d'ailleurs qui nous disait, oui, il faut pacifier parce que pourquoi toujours résumer le fait d'être gay à la sodomie? Ouais, tu peux être gay et ne pas faire la sodomie. Non mais c'est pas parce que tu. Ouais, voilà, c'est mais pas... forcément, il a dû faire quelque chose. Faut pas croire qu'il a fait que discuter et envoyer des photos de sa bite. Ah, alors avec Yudi du 94 qui nous envoie un message. Non mais je dirais qu'il y a eu une pratique sexuelle. Voilà, voilà. Plus clair. Toi aussi, tu penses Rafi qu'il y allait? Ouais, il y a eu quelque chose. Ouais, c'est ça. Ah, ah mais voilà, comme tu disais, pipe ou autre chose, mais. Ouais, et puis comme il disait, nous les bonhommes, on n'a pas le temps de. Chercher, on n'a pas de 10 minutes, on y va. Donc ouais, voilà, tu en vois pas. C'est direct. Et en plus, on a eu plein de témoignages déjà à l'antenne de mecs bi ou gay ouais, qui nous disaient. Ou hétéro curieux. Ouais, ou hétéro curieux qui nous disaient, bon, comme dirait Cédric, il n'y a pas de chichi ni de chacha, tu vois. Non, mais je suis d'accord, mais ça se voit, ça consomme. Non, mais je suis d'accord, mais quand c'est le tout début comme ça, il vient de découvrir le truc, tu vois, moi, je pense qu'il a rien fait. Si tu veux que Non, mais moi, je sais pas. T'es naïve. Ah, il y a toujours le bénéfice du doute, mais bon, personnellement, moi, je pense que il a déjà fait quelque chose. C'est pas même juste touché le gay, hein, qu'il a touché le gay. Bah, ma copine, elle dit la même chose. Peu importe. Oui, bah, bon, c'est déjà. Je pense qu'elle a raison, ta copine. En plus, elle le connaît mieux que nous. Ah, bah, elle le connaît très bien, oui, c'est son mec. Ok, tu vois. Oui, bon, attends, des fois, tu crois connaître les gens, elle le connaît vachement bien, elle sait même pas qu'il était bi, donc. Ah ouais, non, c'est clair, elle a découvert. Alors que moi, tu vois, quand elle m'a dit ce truc-là, ça m'a pas franchement étonné. Ah, tu le sentais, toi? Ouais. Mais je lui ai dit en plus à lui, je lui ai dit. Ah oui, elle a un détecteur. Non, mais ça m'a pas étonné vraiment, quoi. Oui. Non, mais Rafik, étant donné qu'on est sur la même longueur d'onde, admettons. Skyrock, que... bien sûr. Demain, tu décides d'être hétéro-curieux. Ouais. Si tu parles avec un mec, c'est pour faire un truc sexuel avec lui, c'est pas. Bah, bien sûr. Tu vas pas être fleur bleue, là, te raconter des trucs. Non, j'ai pas le temps. On est d'accord. Moi, je peux faire les fleurs jaunes comme les marguerites. c'est pas jaune du coup. Non. Oh merde alors. J'aime bien les marques. Mais oui, c'est sûr que nous, on n'a pas le temps, on va dire. Bien, Cédric, dis, donne une fleur jaune. Une fleur jaune. Wow. Un coquelicot. Ah, j'ai pas c'est rouge. C'est rouge. Un pissenlit. Il est tombé. Jonquille. Moi, j'aurais dit pissenlit. Jonquille aussi, ouais, c'est vrai. Des boutons d'or aussi. Des boutons d'or. C'est la fleur la plus connue. Il est en train de vérifier sur le. Il y en a des jaunes. Non, un tournesol. Bah non, il y en a des jaunes. Il y en a des jaunes que si, Samy. Je vais le regarder en Google. Ah ouais. Bien vu, Cédric. Bah, dans ce cas-là, tu peux faire plein de fleurs de variétés différentes, mais les coquelicots, c'est rouge. Eh bien, non, ils sont jaunes. D'accord. Bon, voilà, on est passé. Tu peux même en avoir des noirs aussi. C'est rouge, moi. C'est écrit jaune, excuse-moi. Merci, Cédric, de nous avoir appris encore un truc ce soir. Bah, de rien, écoute. Bon, et tu ferais quoi à la place de la meuf de la copine de la Marie? Bah, franchement, c'est soit je le surveille, je le suis dans tous les sens pour vraiment savoir ce qu'il fait, soit je lui dis d'aller se faire foutre. Ah ouais, non mais là c'est chaud. Non mais il faut une discussion. Ah bah oui, faut arrêter de perdre du temps. Entre les deux, hein, pour toi ta meuf, puis t'as une chérie, t'auras fille. Ta meuf, elle va faire des trucs avec des filles. T'es autant trompé que si elle est avec des mecs ou
Ah franchement oui oui, malgré que ma femme elle est bisexuelle, on a déjà eu de la conversation. Mmh. Avant qu'on soit ensemble, elle a fait des choses avec des femmes. On a mis les choses au clair et moi je lui dis, si même si tu me trompes avec une femme, c'est mort, c'est comme si tu te trompais avec un bonhomme, donc tu peux prendre tes valises et au revoir. Ouais, il y a trompé, tromper c'est tromper. Ah oui. Oui, c'est une trahison et quelque part. Tout à fait, c'est clair. Oui. Et ça que ce soit juste touché, que ce soit juste même aller sortir en soirée ou quoi, et c'est mort. Et ça t'a pas, t'es pas un peu plus stressé là maintenant, que je sais pas, quand elle te dit elle va avoir des copines, tout ça? Parce que bon, non, les non, mecs, franchement, non. Non, parce qu'après, moi, je fais confiance à ma femme jusqu'au jour, si vraiment j'ai des doutes, après, bah, je fais en sorte de surveiller, de contrôler, c'est pas bon, mais oui, de surveiller sur tout ce qu'elle fait, quoi. Ok. Bah, écoute, Rafik, ça fait combien de temps que t'es avec ta chérie? Ça fait longtemps que ça dure? Là, ça va faire 6 ans, là. Bah, écoute, j'espère que ça durera encore longtemps. Très bien. J'espère. Eh bien, merci de tes conseils. Et, ouais, merci. Et voilà, Marie. Donc, merci à vous, en tout cas, de m'avoir appelé l'équipe. Et franchement, je reviens quand tu veux. Bah, avec plaisir. Salut, mon poteau. Salut, Rafik. Et on t'envoie ton t-shirt Skyrock et Savigny. Super, super. Salut, Rafik. Bonne soirée à toi. Salut. Non, Rafik. J'aime bien vous donner des conseils. On discute de plein de choses et, bah, c'est intéressant. Ouais, ça fait du bien, en tout cas, moi. Un conseil, si. Mais sur moi seul. Il y a plusieurs qui nous ont donné des conseils. Il y a Séverine qui nous envoie un message et qui dit, pourquoi pas un plan à trois, Marie? Voilà ce que tu dois leur conseiller. Bah, un plan à trois, mais ça va pas, jamais de la vie. Bah, bien sûr que si. Bah, déjà, je suis pas un mec. Mais attends. Ah oui, tu veux dire que je mette un mec? Non, ça. Ah, si l'emprisonnement. Non, ma copine, elle vous Tu veux pas qu'on essaie de brancher, le mec de ta copine avec Cédric? Oh! Non. Ça va pas, non. Pour son anniversaire. Mais quelle bonne idée, Romano, pour un anniversaire. Ah, non, c'est mort. Non, ça va pas le faire. Cédric, le thème de ton anniversaire cette année, c'est hétéro curieux. Non. Je sais que t'es très curieux, mais moi ça va aller. Je suis pas intéressé. C'est là, on a trouvé le thème. C'est pas mal. Bon, il y a Isabelle qui est au téléphone avec nous là. Tiens, en direct du 92. Salut, Isa. Salut Isabelle. Alors Isa, tu nous appelais pour agir par rapport aux histoires de passion. T'as déjà une passion qui a brisé un couple ou qui crée des tensions dans le couple? Ouais, pour le coup, moi j'ai une passion hyper prenante et effectivement ça grince un peu partout. Ton mec qui supporte pas ta passion parce que t'en. Maintenant je suis célibataire, mais. Ça règle des problèmes. Ouais, c'est barré, je te jure. Ouais. mais il s'est barré à cause de ta passion, ton mec? Non, c'est moi qui me suis barrée, déjà. Ah, d'accord, ah, ok. En plus, déjà, oui. Hein. Mais c'est quoi ta passion? C'est le badminton. Oh. C'est la première fois que j'entends une fille qui me dit, ma passion, c'est le badminton. C'est bien? C'est marrant. C'est l'épreuve olympique, ça, ou pas? Ouais, si, ça y est. Putain, les Asiatiques sont ultra forts. Elle est chinoise, blague pas du tout. Mais ça te vient d'où, la passion du badminton? Parce que tu vas me dire, c'est rare. Mais t'en fais, moi, j'en avais fait au bahut, hein. Ouais, c'est trop marrant, même sur la plage. J'en ai fait. Ouais, moi aussi, on avait des cours de badminton. Ouais. Le bad. Non, c'est cool. J'ai fait du tennis avant et puis. Bien ton téléphone, Isa, tu disais, j'ai fait. J'ai pas compris. Non, moi j'ai fait du tennis avant, donc j'aime bien. J'ai fait du tennis avant et maintenant je fais ça. Du tennis. Du pénis, d'accord, ok, très bien. On est mal comprenant, Isabelle, t'inquiète pas, on traduira. Ça marche. Oui. Donc voilà, et effectivement, bon, bah moi ça me prend beaucoup de temps, entre les entraînements, les jeux libres et les tournois, effectivement je suis souvent. Jean, c'est quoi ton emploi du temps type d'une semaine de bad? De bad. De bad mine. De bad, de bad. Tu dis bad. Lundi, mardi, jeudi je suis au bad, samedi, dimanche je suis au bad. Ouais. Ah ouais. Donc en fait t'as quoi? T'as mercredi qui est free. Libre. Et le vendredi. Et quand tu rentres chez toi, tu regardes des tutos sur YouTube, tu me disais. Avec des. Ouais. Des débriefs d'entraînement. Je fais le cordage de mes raquettes de bad. Des de match. On dit ça, mais Samy, par exemple, dans l'équipe, lui, il est devenu complètement passionné du sport. Si ta meuf était pas passionnée pareil. Ouais. Ouais, bon. Ouais, c'est la pratique, mais ta meuf, elle est passionnée aussi. Bah, ma meuf, elle est sportive, donc ouais, si ma meuf faisait pas de sport, ça me ferait chier. Ouais, tu vois, c'est ça. Ah, c'est sûr. Ah, ouais, c'est important, ouais. Et dans tes couples, dans les couples que t'as eus, c'est depuis toute petite, avec les mecs que t'as eus, est-ce que les mecs, ils te disaient, tu me fatigues avec ton bad? Tu mets en bad avec ton bad. Ça me fait bader, ton bad. Ouais, ça, j'entends toujours, mais même mes potes, en vrai, ils sont... Mais t'as pas pourquoi tu trouves pas un mec du bad? Ça, j'en ai un là. Il y a Moule qui dit, moi je suis pareil, je suis en club à Vénissieux, j'y vais le lundi, le jeudi, plus tous les week-ends. Donc toi tu sais quoi, lundi, jeudi et les week-ends, 4 jours par semaine. Lundi, mardi, jeudi et le week-end. Ouais. Et ça dure combien de temps tes entraînements? De bad. Bad. La semaine c'est 1h30 et le week-end c'est je peux y rester
Quand je suis pas en tournoi, c'est de, en gros, de 14 à 18. Ah ouais, putain, moi, c'est, ouais, c'est... Non, mais j'ai une passion. Moi, je trouve, les gens qui sont passionnés, moi, ça me... J'aime bien. Ouais, mais ouais, bon, parce que ta passion, elle passe avant non, tout. Non, mais le problème, c'est que si t'as... Ouais, c'est trop. Quand, ouais, quand t'es à côté, bon, voilà, si t'aimes pas le bad... Ouais. T'aimes pas le bad, c'est-à-dire de venir t'en bad, ouais. Et que ta meuf parle tout le temps de bad. Non, mais c'est vrai, il faut que tu trouves un mec. Non, mais déjà, regarde, par exemple, samedi après-midi, t'es... Admettons, t'as un mec qui fait pas de bad. Bah, non, mais il est solo, tu vois. Mais toi, tu fais pas de bad. Non, mais de 14 à 18. Non, puis ça peut être vexant. Tu te dis, merde, elle veut jamais passer de temps avec moi et tout ça. Non, mais tu veux la journée. Après, ça m'arrive de, enfin, là, bon, là, j'ai plus de mecs, donc c'est pas par rapport à ça, mais par rapport à mes potes, des fois, je sors avec eux, le samedi après-midi, ça arrive, quoi. Ah ouais, donc, tu sautes à l'entraînement de bad. Ouais. Mais là, c'est bad. Non, mais il faut équilibrer pour le problème de Jade aux yeux bleus, là. Il faut que ton mec, il passe un peu de temps avec elle, parce que autrement, t'as l'impression d'exister à côté de quelqu'un qui vit sa vie et qui peut faire ça. C'est chiant, mais il fait pas attention à toi. Mais en plus, il est sur le canapé, il est là. Bah oui. C'est pire. Ouais. C'est exactement ça. Tout est une histoire de confession, mais d'équilibre. Bah ouais, d'équilibre plutôt, parce que confession, c'est un peu péjoratif, oui, alors que c'est pour ça que j'ai dit équilibre. Tu passes du temps avec la personne que t'aimes. Tu vas pas abandonner ta passion pour quelqu'un, et puis tu vas pas abandonner. Non, mais faut trouver le juste milieu. Ouais, faut pas abandonner quelqu'un pour ta passion. Il y a des trucs qui énervent Cariole, Romano, dans tes passions. Putain, moi j'ai l'argent. Ouais, mais ah si, ça l'énerve, gros. Ouais, mais ah ouais, le mec est plus au courant que ça. C'est à la fois boulinaire, c'est à quel niveau ça l'énerve. Bah, c'est à la fois boulinaire. Déjà, tu lui dois de l'argent, tu lui rends jamais. Ah. Mais c'est pas le sujet. Bah si, c'est pas le sujet. Non, mais j'ai pas de... Si, t'es obsédé par l'argent, gros. Oui, bah j'ai pas de passion particulière, tu vois. Nous, avec Cariole, on s'entend bien, je sais pas, non. C'est une passion commune, quoi. Ouais. Si, des fois, elle gueule, des fois, je reste un peu sur mon téléphone, tu sais, je colle dessus, mais... Ouais, les téléphones, il y a eu plein de messages, hein, putain. Bah, le problème qu'il y a, c'est que des fois, moi, elle me parle... Téléphone et console, il y a eu des messages. C'est... En fait, j'arrive pas à faire deux trucs à la fois, c'est... Ouais, sans embrouille, ouais. Tu sais, si par exemple, je suis sur l'ordi et qu'elle me parle, en fait, je l'écoute pas, quoi. T'sais, je suis absorbé par le truc et elle me parle d'un truc. T'es là mais t'es pas là, quoi. Ouais, des fois elle gueule, elle fait t'as entendu ce que j'ai dit? Bah non. Pas du tout, non. Non, absolument pas, non. Dans le pire, c'est quand toi, évidemment, dans ce cas-là, tu réponds oui et elle te demande un petit résumé. Alors, c'était quoi? Ouais, t'es incapable. Ouais, mais si tu réponds oui à un truc qui te fait chier, t'es pas dans la merde. Bon, bah en tout cas, on salue tous ceux qui nous disent de passer Michael Jackson avec Bad. On n'aura pas le temps, malheureusement. Mais il arrive qu'on le passe sur Skyrock, Michael Jackson avec Bad. Ça doit être un des meilleurs moments quand t'écoutes Sky, toi, Isabelle. Exactement. Ah, c'est le kiff, quoi. Ah, I'm bad. Mais on t'embrasse, Isa. Bisous à toute l'équipe. Hein, bisous. Toi aussi. Plutôt tout le matin, mais là c'est ponctuel, mais c'est très cool. Ah ouais, tu viens pas nous écouter le soir, c'est plutôt du matin, toi. Exactement. Bon, ouais. Le soir, elle est au bas. Sinon, t'as les replays de l'émission sur l'appli. Tiens, il faut le juste en du matin et du soir. Il n'y a pas l'émission de vendredi, toujours pas. Ah, toujours pas. D'accord. Voilà, sans se faire passer une bonne nuit. Non, mais on va se réorganiser. Je vais reprendre les choses en main parce que c'est très mal géré. C'est toi qui vas uploader. Non, mais il paraît qu'elle y est. On m'a dit hier, elle y est, les émissions de vendredi. Non, mais, en tout cas, hier soir, il y avait des messages. Hier soir, il y avait des messages qui disaient. Hier soir, il y avait des messages, ouais. Qui disaient qu'il n'était pas. Alors, elle a peut-être été mise entre temps. C'était juste histoire de. Non, mais on va s'organiser parce que c'est un bordel sans nom, cette histoire-là. C'est pas moi qui gère et quand je gère pas, en fait, faut tout faire. Soi-même. Ah, si, elle y est. C'est incroyable. Mais je pense qu'elle était il y a pas longtemps parce qu'il a été mise hier parce qu'il y a un mec qui est en vacances. Elle a été mise le 12. Voilà. Oui, donc c'était hier. Avant-hier. Bon, donc t'as les replays, tu pourrais écouter la radio libre et puis le morning en direct. Ouais. Voilà. C'est toujours mieux en direct la radio. Ouais, juste l'équipe, je voulais juste dire que je vous écoute depuis 25 ans. T'as 35 ans, donc 25 ans depuis l'âge de 10 ans, t'as découvert Skyrock et t'as jamais lâché. Exactement. C'est bien. Ça fait plaisir. Alors, il y a un autre problème, Difool, a priori, l'émission de mardi. Ouais, il n'y a pas l'émission de mardi, j'allais dire. Non, l'émission. Elle s'appelle mercredi. Ah, c'est ça. Ouais, c'est ça. Faut se la renommer, en fait. Ah, merde. L'émission de vendredi, hein, pas protéiné, sur celle d'hier, c'est marqué mercredi, alors qu'hier, on était mardi. Oui. C'est fait mercredi. Oui, voilà. Donc, n'importe comment. Non, je pense que la personne est dyslexique au niveau du jour de la semaine. Celle de lundi, elle s'appelle Téléfoot. J'ai une pousse à boule, elle a. Avec passion, a priori. Bon, on parlait de passion, on tient fond dedans, là. Merci, Isa, on te fait des gros bisous et on t'envoie ton t-shirt Skyrock et puis à demain matin alors.
Eh ben, demain matin. À demain matin, dès 6h, on se réveille ensemble. Ouais, gros bisous, oui. Bonne soirée. Allez, passez une bonne nuit. Profitez bien demain. Donc, yes. Radio Libre, le rendez-vous, c'est 21h avec le problème du mois demain. Ouais. Comme tous les jeudis. Ah ouais, et puis, demain matin, yes. Le morning, notre rendez-vous dès 6h du matin jusqu'à 9h15, on se réveille ensemble. Et puis, vendredi, il y a 15 000 euros dans le morning aussi à gagner. Ce sera pour vous. Ça approche. Et oui, on est déjà jeudi. Regardez, jeudi 14 mars, minuit 5. Ouais. Et bien, donc, dans un petit peu plus de 24 heures, vous gagnez 15 000 euros, vous envoyez 15 ouais. Au 720. C'est une bonne nuit. Avec Waïd tout de bonne suite. Bonne nuit. Ah, t'es là jusqu'à quelle heure, Waïd? Jusqu'à 3 heures. Et à 3 heures, c'est Wawa. Et c'est Tim après. Et voilà. Et à 5 heures, c'est Mehdi, le morning ouais. Best. Et à 6 heures, on est là en direct sur Skyrock. Bonne nuit à vous. Bonne nuit. Attends, merci. Et on démarre avec quoi? On attend quoi? On attend. Tu peux pas d'ici longtemps. Tu peux pas. Le numéro de la bande-annonce, tu t'en souviens, Diffoul? Le numéro de la bande-annonce, je propose le numéro 598. 598. Je cherche ça. On a l'impression de faire un autre. 596, si vous préférez. Non, c'est. Vous voulez la tu vois, parce que je n'ai pas ça en stock. Moi, j'ai de 76 à 84. 76 ah, alors, tirer sur lequel? Eh, hey, il y en a qui bossent, hein. Tu mets la 81, Romano. Ah, la 81. Hein, bah, c'est, okay. C'est calé, c'est dans la boîte. Allez, la bande-annonce du morning, et juste après, on écoute quoi? Wade. Alors? C'est Nino. Allez. Voilà. Allez. Non, il vient de le passer, Nino. Peut-être pas autre chose, oui. Bah, alors. Ah, bah, toi, ouais, autre chose. Si, je commence avec Franglish. Franglish, ça c'est bien. Allez, c'est parti, Franglish. Parfait. C'est position. Et oui, encore un son que vous avez découvert sur Skyrock. Passez une bonne nuit. Moi, c'est à quatre pattes. Bonne nuit. C'est pas la question. C'est à quatre pattes, mon gars. Une bonne nuit avec tout le son de Skyrock. Ciao. Ciao.